Ça y est, bien le bonjour. Bon, aujourd'hui, du coup, on peut pas dire Glur que tu sois pas le premier. Effectivement, t'es bel et bien le premier aujourd'hui. Et bien le bonjour aussi à Diwin, du coup, dans le chat. Alors, programme du jour, ça va être tout simple. Ok, j'ai déjà vraiment quasiment tout fait sur Hyrule Warriors. Donc, on va faire à peu près une heure et quart maximum, je pense, pour tester le DLC de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et une fois que ce sera fait, bah, immédiatement, on passera sur du Smash Bros avec Blue FR. Le grand retour de Blue FR après un mois sans signe de vie. On va se faire un petit Smash Bros avec lui. T'as ton cours de guitare dans quelques minutes. Ah, t'inquiète pas. T'inquiète pas, y a pas de souci, Gleur. Si tu peux pas rester, de toute façon, quand t'as fini, tu peux revenir tout à l'heure. Y a pas de souci. Donc, bah, du coup, alors, hier, du coup, j'ai acheté le DLC. Ça m'a débloqué trois choses. Ça m'a débloqué une quête ici, avec marqué X à côté. Une quête ici. Et ça m'a débloqué ça. C'est quoi? Le laboratoire antique royal. Je vais peut-être d'abord aller voir ce que c'est. Ok. Alors, attends. En compilant... Tac. Ouais, d'accord. Il faut juste donner des rubis. Et ça me donne une amélioration. Possibilité d'obtenir des rapports de recherche. Ok. Huile d'entretien de Pharas. Matériaux de... Ok. Logiquement, tu seras là pour du Smash Bros Ultimate. Bah, parfait. Mais du coup, Glur, pendant ton cours de guitare, profite à fond. Hein. Encore une fois, c'est bien que tu te mettes à la guitare. On en a parlé hier. C'était assez intéressant. Oh, le remix du thème du laboratoire antique, il est incroyable derrière, là. Je l'entends, il est incroyable, ce remix. Bref, du coup, matériaux, tac, augmente la capacité en tant qu'arme, ok. Ouais, en gros, le DLC, le premier DLC, il rajoute pas de mode histoire, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Il va rajouter surtout... Il va surtout rajouter beaucoup de quêtes, de petites quêtes comme ça. Enfin, pas de quêtes, mais de choses à améliorer pour améliorer tout simplement l'expérience de jeu, en général. Apparition plus fréquente de matériaux détectés, ouais. C'est pas mal pour farmer, parce que du coup, c'était un peu long et chiant pour farmer, pour essayer de finir le jeu à 100%. Là, à mon avis, ça devrait être un peu mieux, du coup. Alors, du coup... Bon, on va acheter ça, du coup. Félicitations. Mais par contre, je suis vraiment... Rapport les matériaux. Je suis vraiment en manque de beaucoup de... Ah oui, d'accord, il me manque vraiment études de combat. Et comment j'obtiens, là, parce que ça, c'est un nouvel item, le rapport. Comment est-ce que j'obtiens un rapport comme ça? Et BlueFR, bien le bonjour, et Wittercraft aussi. Je suis en train d'essayer de découvrir la logique du nouveau DLC. Étrange. Bon, là, du coup, ça, je connais, mais ça, c'est quoi les rapports? Rapport études de combat, comment j'obtiens un rapport études de combat? Est-ce qu'il faut que je fasse un combat et ça me donne un rapport? Possiblement. Bah, du coup, on va tester... Ah, d'accord, c'est ça. D'accord, en gros, ça me donne, ça me débloque des nouvelles choses sur la carte. Et je peux le faire avec qui je veux. Je pense que je peux faire la quête avec qui je veux. Enfin, j'espère. Je vais aller tester d'abord la toute nouvelle quête, la première qui m'a été débloquée ici. Ah, mais oui, d'accord, je peux vraiment faire les quêtes avec les personnages que je veux, ça c'est cool, du coup. Bah, je vais tenter, du coup, de faire ça. Il faut être niveau 52. Est-ce qu'il y a un personnage que j'aime bien jouer, en général? Ça fait plaisir dans le chat, Wittercraft, BlueFR. D'ailleurs, du coup, BlueFR, comme je t'ai envoyé un message tout à l'heure, sois prêt, hein, du coup, entre 15h et 15h15, sois prêt, comme ça, on peut débuter Smash directement. Je vais faire quelques petits combats pour tester les nouveautés. Est-ce que je prends Link? Ou je garde Terraco? Non, je vais prendre Link, parce que juste, c'est la base. Bah, let's go. Ah oui, ça me rappelle un truc. Oh là là, les temps de chargement dans ce jeu. Le jeu est très bien. Il a été beaucoup critiqué sur le fait que, malheureusement, ce soit... Pas le jeu auquel les gens s'attendaient, parce que c'est pas exactement réellement ce qui s'est passé 100 ans avant The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et puis du coup, il a été pas mal critiqué le jeu aussi du fait qu'il soit très répétitif, mais c'est normal en fait. C'est tout à fait normal que le jeu soit répétitif, vu que c'est un musso. C'est le principe des mussos, de juste battre des centaines d'ennemis en un seul coup et tout. Donc bon, les gens ont mis trop d'attente dans ce jeu. Bah moi aussi en fait, j'ai mis trop d'attente dans le jeu, mais sauf que moi il m'a convenu le jeu. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours pas fini à 100%, il y a tellement de trucs à faire. Comment j'ai débloqué la grande fée? Normalement, la grande fée... je sais plus... Il me semble que ça va, qu'avec le temps, tu vas débloquer des quêtes sur la carte où ils vont te dire « Donnez-moi 800 rubis. » Et si tu donnes les 800 rubis, tu peux affronter la grande fée. Et si tu affrontes les 4 grandes fées, il me semble que tu gagnes la grande fée. Ok. Donc pour l'instant, c'est juste une mission simple. Une mission juste où il faut... escorter du coup les personnages. Waouh. Ok, je les ai démontés. Oh non, mais ça c'est trop chiant les Octoroks comme ça.
C'est la première fois que je stream sur du Hyrule Warriors. Est-ce qu'on entend à peu près bien le jeu? Genre, est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort ou trop faible par rapport à d'habitude? D'ailleurs, en parlant de nouveaux jeux aussi, dites-moi du coup pour le son du jeu, mais ça me rappelle qu'effectivement, ils sont lents. Ah non, c'est parce qu'ils se font encore attaquer. Ok. Ça me rappelle qu'aujourd'hui, je viens de recevoir le jeu Lapin Crétin, Mario plus les Lapins Crétins Kingdom Battle. J'ai reçu aujourd'hui, donc du coup je le laisse sceller comme tous mes autres jeux. Et puis quand je le ferai, quand je voudrais le faire en live sur Twitch, ben je le déballerai. Et puis on se le testera tous ensemble, quoi. Ça va être hyper bien. On m'a tellement dit du positif de ce jeu que je suis bien pressé de l'essayer. Normal. Alors même si le jeu est pas super beau vu que c'est sur de la Switch, quand même, il détend tellement ce jeu. Autant à regarder, genre en let's play typiquement, c'est hyper détente de regarder le jeu autant que d'y jouer manette en main. Et du coup, bah y'a pas de soucis, Gleur, bah du coup, profite bien de ton cours, et puis à plus tard pour Smash Bros, du coup, hein. Y'a pas de soucis. Et vas-y, bah profite BlueFR aussi, profite du jeu. Je dois les amener jusque là, mais pourquoi en fait? Parce que l'émission elle serait un peu courte si je devais juste faire ça, non? Ouais. Bon. Merde, y'a des sorciers, ok. Ah, c'est sorcier Blizzard, ok. D'accord, ça c'est les... Ok, d'accord, c'est les tout nouveaux sorciers qui ont été ajoutés grâce au DLC. C'est les sorciers qui ont des baguettes bizarres, au lieu juste des baguettes des glaces. Ok. Donc du coup, faut faire attention. Voilà. On va balancer quelques bombes, parce que ça fait toujours du bien. Et un coup de grâce. Prends le coup de grâce, il est tellement incroyable. Ce jeu, il est si plaisant. Et du coup, ça me donne des morceaux de baguettes. Parfait. Tinetis. Si t'es toujours là, Diwin, est-ce que du coup t'as joué au jeu ou est-ce que t'as déjà vu du gameplay sur le jeu? Parce que du coup ça doit bien te changer de Breath of the Wild, toi qui as fait Breath of the Wild et qui l'a beaucoup aimé. Mais ouais, du coup ça change beaucoup de Breath of the Wild, mais je trouve le gameplay tellement incroyable. Protéger l'équipe de proie jusqu'à son arrivée au point de destination, bah let's go. Merde, il se fait attaquer, oh non! Bon, ça va, il n'y a pas pris trop cher. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Mario et les lapins crétins, en vrai, les graphismes, ils sont très bien. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit pour déjà le premier jeu et pour le deuxième. Que les cinématiques sont magnifiques. Autant dans le deuxième, il va bientôt sortir, hein, en 2022, que dans le premier. Paraît-il que les cinématiques du premier sont incroyables. Et même, en général, le jeu, genre, typiquement, pendant les niveaux et tout, à ce qui paraît, le jeu est aussi très très beau. Et Wintercraft qui a des très belles emotes du maître du masque, c'est vrai. Et il semble y avoir un gardien inactif par ici, j'ai un mauvais pressentiment. Évitons de... Ah, oui. Alors attention, pour ceux qui voudraient pas de spoil, n'écoutez pas, pendant les 15 prochaines secondes, je vais spoil le nouveau personnage du DLC de Hyrule Warriors, même s'il a déjà été montré dans le Nintendo Direct. Mais du coup, je vais spoil le nouveau personnage. En gros, là du coup, toutes les nouvelles quêtes qui ont été ajoutées au jeu, ça va être pour nous permettre de débloquer un gardien. Bon, paraît-il qu'on va pouvoir jouer un gardien typiquement comme celui-là, quoi. Ça va être incroyable parce que, sauf, il y a un truc qui me semble étrange. Pour moi, dans Breath of the Wild, les gardiens, ils ont deux attaques, quoi. Ils peuvent te donner un coup de patte et ils peuvent te tirer un laser dessus. Donc comment est-ce qu'ils ont fait un moveset complet avec un gardien? Ils vont faire comme dans Super Smash Bros Ultimate. Ils prennent des persos totalement random et bizarres comme Mr. Game & Watch et ils leur donnent un putain de move pool incroyable. Je me demande s'ils ont inventé des nouvelles attaques pour le nouveau gardien qu'on va pouvoir jouer, du coup. Ça m'intéresse bien dire. Oh, et Wintercraft, toi qui aujourd'hui tu joues à Super Mario 64, mais juste profite en fait, c'est tellement le meilleur jeu de l'univers, Mario 64. D'ailleurs, désolé du coup, hein, hier j'ai pas réussi à PB malheureusement, j'ai pas été très bon hier, on va pas se le cacher. Hein. Mais j'y crois, genre vendredi prochain, j'aimerais vraiment, et je pense que ça peut être possible de se tenter de faire un petit PB vendredi prochain du coup. En live, devant tout le monde. Vendredi prochain, pendant 3-4 heures, je farm à fond Mario 64 et puis on essaiera de PB. Franchement, je ne savais pas que travailler sur le terrain, c'était aussi dangereux. Ok. Désolé, je vais faire plus attention. Allez, on va là-bas maintenant. Il y a des Lesalfos. Il fallait que j'en batte quelques-uns pour une quête. Donc c'est cool. Est-ce qu'il y a des nouveaux sorciers, là? Parce qu'ils ont aussi, en plus des nouveaux sorciers, des sorciers Blizzaro, machin, tout ça, ils ont rajouté des nouveaux ennemis. Ils ont rajouté, il me semble, des moblins, mais qui peuvent lancer, il me semble, si j'ai bien vu... des moblins qui peuvent lancer des tonneaux d'explosifs. Et il y a encore un nouvel ennemi, c'est les chuchus géants. Il y a un gardien de la poudre.
Je crois que je t'ai jamais demandé Wintercraft, mais quand tu joues à Super Mario 64, c'est t'y joues pour le plaisir ou t'y joues parce que tu t'entraînes pour du speedrun? Parce que moi, du coup, je sais que les seuls moments où j'y joue, en fait, c'est pour speedrun le jeu. Mais est-ce que toi, du coup, tu y joues juste comme ça, normalement, pour profiter du jeu? Ou vraiment, tu t'essayes des techniques de speedrun et tout? Bon, allez, on démonte du gardien. Let's go, j'adore ce cinématique quand Link il poignarde le gardien dans l'œil. C'est incroyable. Chapeau Link, tu en sors à merveille. Jamais vu personne faire des mouvements, se mouvoir comme toi. Bah merci, c'est gentil. Let's go. Meilleure cinématique du jeu, hein, quand Link fait ça avec les gardiens. Ah, tu joues à Super Mario 64 pour le plaisir, bah. Moi pareil, je joue à Zelda Breath of the Wild, enfin, du coup à Hyrule Warriors pour le plaisir. Éliminer les gardiens de la foule, merde. Oh, mais je suis trop con. Pardon, mais du coup, il y avait encore un gardien qui est en train de démonter Proa et Pharas là. Ah, mais oui, bah oui. S'ils mettent un gardien de la foudre dans l'eau, forcément que du coup je prends des gros dégâts. Ok, coup moins faible. C'est gagné? C'est pas gagné du tout. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils m'en ont jamais fait. Incroyable. Mais quoi? Mais il est hyper violent le gardien de la foudre là. Je lui ai mis un coup moins faible, il était même pas mid life. Ok, là je pense que ça devrait être bon. Ah, et du coup la quête elle se termine comme ça, il fallait juste battre tous les gardiens. Et du coup en gros ça leur permet à eux, aux scientifiques, de récupérer des pièces de gardiens. Et du coup évidemment sans doute ça va être pour recréer un gardien pour qu'on puisse le jouer tout simplement. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours, mais dans Breath of the Wild, je voulais tellement mille fois, je crois que je l'ai dit pendant le Nintendo Direct, je voulais énormément dans Breath of the Wild pouvoir contrôler les créatures divines et un gardien. Et malheureusement, bah, dans Breath of the Wild, on pouvait faire aucun des deux. Donc là, ça fait tellement plaisir que dans le jeu de base, Hyrule Warriors, on puisse contrôler une créature divine. Et maintenant, grâce au DLC, on va pouvoir contrôler un gardien. Je trouve l'idée incroyable. Premier degré, hein, je trouve vraiment l'idée très très bonne. Ça, je vends... Par contre, ouais, le principe de vendre, d'avoir des milliers d'armes et tout, c'est rigolo, mais c'est un peu chiant à la longue. On récupère beaucoup trop d'armes sur le terrain. Et du coup, j'ai récupéré une griffe de gardien. Solide et puissante, pourtant légère et flexible. Ah, la prédiction? Sérieux, elle y est toujours, la prédiction? Ah bah yes, ah oui, c'est vrai, mais heureusement que tu me l'as dit, Wintercraft. Eh, Wintercraft, t'es vraiment un boss, mais oui. Du coup, c'est vrai que la prédiction, ça faisait 23 heures qu'elle était là. J'avais oublié de valider la prédiction. Bah, normalement, c'était pas à moi de la faire, c'était au modo de hier, mais c'est pas grave, y a pas de souci, je l'ai fait. Il faut que j'achète de la citrouille. Le jeu est hyper agréable, d'ailleurs, ça me permet aussi de lancer le fait que dans quelques semaines, je pense dans à peu près un mois, je pense dans 4-5 semaines, je vais lancer un let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, mais vu que j'ai déjà fait le jeu en mode normal, j'ai acheté le DLC et je vais le faire en mode expert. Paraît-il que le mode expert est vraiment infâme. Genre, tout le début du jeu est hyper dur, après, le jeu il devient un peu plus simple parce que du coup tu chopes des bonnes armes et tout, mais paraît-il vraiment qu'au début c'est infect comme le jeu est dur. Menace antique. Bah du coup, let's go. Non, je vais changer. Alors, quoique, j'adore jouer avec Link, en fait. C'est tellement le perso de base, mais il est tellement agréable à manier, juste avec la Master Sword. J'en reviens pas d'avoir découvert la série des The Legend of Zelda juste grâce à Breath of the Wild. Avant, j'avais tellement joué à aucun Zelda. Maintenant, je suis très 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 content.
Wintercraft, je crois que je t'avais jamais demandé, mais quand tu joues à... Pardon, quand tu joues à Mario 64, tu joues sur une vraie console, ou tu joues sur émulateur, ou alors carrément tu joues du coup sur la version Switch qui est sortie il y a à peu près un an de ça, en mars dernier. Non, pas en mars dernier, non, oui, ça va faire un an, mais je sais même plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, peut-être en fin d'année dernière, genre octobre. Ok, nouvel objectif, éliminer le gardien de rancœur et ses alliés. Oh, les gardiens de rancœur, c'est les ennemis les plus forts du jeu. Bah évidemment, évidemment, il faut que je prenne super cher. Je passe un très agréable... ouais, un moment tout à fait agréable, là, de revenir sur Breath of the Wild. Pas sur Breath of the Wild, sur Hyrule Warriors, pardon. Ça me fait vraiment plaisir de revenir sur le jeu. Oh, mais je me fais... totalement démonter. Au moins toi t'es fort. Le guide spirituel Miskiosia. Oui, c'est vrai que je peux jouer guide Miskiosia. Hyper violent toujours Link, ça fait plaisir. Tu joues sur vrai Nintendo 64 du coup Wintercraft. Ah oh, bah ça fait plaisir. Mais attends, comment ça se fait que t'as une N64 Elle appartenait à... À genre quelqu'un de proche de toi, genre de la famille ou un ami ou quelque chose, comme ça. Ça me paraît bizarre, enfin, ou alors juste tu l'as acheté du coup parce que justement tu aimais bien le jeu. Comment ça se fait du coup que t'as une N64 chez toi? Ok, Miskiosia, il est où? Il est là-bas. Ah, le gameplay de Miskiosia, je l'aime tellement. C'est tellement un gameplay, même s'il est considéré comme un des pires persos du jeu malheureusement, c'est dommage hein, parce que de toute façon il a un plein potentiel, il est magnifique, mais il est considéré comme un mauvais perso du jeu, mais on s'en fout, hein, ça reste un Musso dans tous les cas, même si c'est un mauvais perso, on est quand même là pour démonter des centaines d'ennemis à la fois. Je dois aller par où maintenant? Ah là je reviens en arrière, pardon. Il faut que je monte vers là. Hyper agréable cette attaque avec Miskiosia. Et puis comme il devient géant, c'est toujours agréable. Et du coup, Wintercraft, comment ça se fait que t'as une N64 chez toi? C'est toi qui l'as acheté ou elle appartenait à quelqu'un qui te l'a donné? Un moblin de feu. Et oui, Wintercraft, c'est vrai qu'en vrai, on me le dit souvent que mon emote du maître du masque, elle ressemble un peu à l'emote Kappa de Twitch. Enfin, en tout cas, qu'on l'utilise dans le même contexte que l'emote Kappa de Twitch. Et c'est vrai au final, mais du coup, ça rend mon emote encore mieux, elle est magnifique. Tu sais pas comment on joue Miskiosia? En gros... Tu spams 5 fois le bouton Y et ensuite tu spams 3 fois le bouton X. C'est la meilleure attaque de Miskiosia. Quand il fait apparaître toutes les boules, quand il fait apparaître les 6 boules arcaniques là, c'est une attaque très très forte parce que ça vide la jauge point faible des ennemis hyper rapidement. Et même si elle n'est pas apparue, la jauge point faible, ça la fait apparaître quand même. Bon après, de toute façon, peu importe comment tu spams les attaques, il n'y a pas de souci, ça reste un Musso donc... Forcément, dans tous les cas, ça fera mal. Peu importe le combo que tu fais. C'est cette attaque-là qui est incroyable. D'ailleurs, je préfère largement le nom du guide Miskiosia en français, parce que en anglais, c'est Mazkoshia. Donc ça rend beaucoup moins bien que Miskiosia. Miskiosia, c'est incroyable. Peut-être mon perso préféré de Breath of the Wild. J'étais tellement content quand j'ai vu qu'il était du coup dans Hyrule Warriors. Genre, le DLC, je l'ai surkiffé, le DLC de Breath of the Wild, il était incroyable. Ok, les gardiens de rancœur. Je m'en occupe. Il y en a que deux, les gardiens de rancœur? Mais ça va le faire vite alors du coup.
Bon, bah, par contre, ouais, il faut vite spammer là. Mais je spamme pas. Bah là, je peux juste spammer ça aussi d'ailleurs. Vite, vite, vite. Ça met un peu la pression quand tu te fais cibler par les gardiens. Mais je suis vraiment pressé de pouvoir jouer un gardien. Je veux découvrir son moveset. Est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui en live de découvrir le moveset du gardien? J'espère. Ça me ferait plaisir. Ça c'est fait. Ah oui, et Team Tiny Nintendo 64, c'est vrai? Il peut grandir ou je sais pas quoi. Ouais, en gros, si t'appuies sur le bouton si t'appuies sur le bouton ZR, effectivement, le perso peut grandir. En gros, ouais. Si tu utilises toutes les... Si tu utilises les boules arcaniques, si tu fais l'attaque où il lance les 6 boules arcaniques, ça lui développe que le fait de pouvoir grandir 6 fois et donner 6 coups de marteau. Mais en vrai, c'est une attaque qui est très belle, mais c'est une très mauvaise attaque. Parce que en gros, il devient tellement gros et tellement lent qu'il se fait attaquer et démonter par tous les ennemis du jeu. C'est vraiment pas une attaque qu'on doit faire, en fait. C'est pas du tout une attaque qui est conseillée de devenir géant. C'est même considéré, je crois, comme la pire attaque du jeu, parce que justement, tu deviens beaucoup trop faible, vu que t'es hyper grand et hyper lent. En fait, tu te fais démonter par tous les ennemis du coin. Ok. Bon allez, par contre, il faut y aller là. Hein. Il faut tout casser. Let's go. Tellement une bonne idée de parmi Miss Kyozia dans le jeu, quoi. Vous êtes juste des boss Nintendo et Koei Tecmo. D'ailleurs, en parlant de Koei Tecmo, oh là là, il faut que j'arrête de parler de Koei Tecmo parce qu'à chaque fois, ça me rappelle que j'ai envie de me faire Persona 5 Strikers, mais que pour me faire Persona 5 Strikers, tout le monde me dit qu'il faut d'abord que je fasse Persona 5 Royal. Et pour me faire Persona 5 Royal, il me faut une PS5. Compliqué, hein. Du coup, pour me faire un jeu à 40 balles, il faut que je paye 690€, en fait. Pour acheter une PS4, Persona 5 Royal et Persona 5 Strikers. Ça fait plaisir, quoi. Juste pour un jeu. Évidemment, ça pique. Miss Kyozia, ouais, ok. Je démonte juste le Moblin de Poudre, et on est bon. Blue FR, toi t'as fait Persona 5, celui de base, ou du coup, j'aurais peut-être dû te le demander tout à l'heure sur Smash parce que ça aurait été plus simple pour toi de répondre et de me donner ton avis, mais Persona 5, du coup, tu l'as fait celui de base ou t'as fait le Royal, ou les deux? Parce que moi, on m'a dit que celui de base, il était tellement bien que si on peut faire Royal, go le faire, mais que c'était pas obligé de faire les deux, quoi. Surtout que, paraît-il, que les nouveaux personnages de Persona 5 Royal, ils s'accordent très mal avec les anciens persos du jeu de base. Vu que Persona 5 Royal, ils rajoutent plein de nouveaux persos, bah du coup, ils ont très peu de dialogue avec les anciens persos du jeu, les nouveaux de Royal. Ouais, voilà, c'est ça, tu comprends pas les refs. Enfin, non, du coup, c'est pas logique, BlueFR, t'es en train de défendre le jeu. Mais c'est pas logique, parce que techniquement, vu que c'est un jeu qui devrait même se prendre à part entière, dans le sens où il n'y a aucun Persona sur Switch, à part du coup Persona 5 Strikers, c'est totalement illogique qu'il réexplique aucune ref du coup à Persona 5. Il devrait justement dire tiens, le métaverse c'est ça, 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 il s'est passé ça, machin, sans spoil le jeu, mais juste expliquer un peu les bases. Parce que là, le jeu il te lance vraiment dans le vide, quoi, sans rien t'expliquer. C'est dommage, hein, c'est la critique de base du jeu. Et puis aussi, il est conseillé de surtout pas le faire sur Switch parce que les graphismes ils piquent un peu les yeux, quoi. Niveau armes, j'en ai vraiment trop, quoi. Arrêtez de me donner des armes à chaque fin de combat. Faut que j'arrête de prendre Link, en fait. Comme ça, je suis sûr qu'il me donne plus d'armes pour Link. J'ai une question que depuis que j'ai Twitch, personne m'a répondu. Alors, Withercraft, ouais. Comment devenir modérateur ici sur Twitch et comment pour être modérateur, il faut que, le gérant de la chaîne YouTube... Oh, ça débloque du coup lubrifiant mécanique de Pharas et huile d'entretien, ok. Mais il faut juste que tout simplement
mince, comment on dit? Ouais, bah, que le gérant de la chaîne Twitch, ils te mettent modérateur en gros. Et du coup, bien le bonjour à toi, Kratos Maxence, pardon, hein, j'ai pas vu ton bonjour, mais ça fait plaisir, ça fait très longtemps aussi que je t'ai plus vu sur la chaîne Twitch. Là, du coup, en gros, je suis en train d'essayer le DLC de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et dans à peu près 30-45 minutes, je vais passer sur Super Smash Bros Ultimate, et je vais jouer avec un ami avec qui ça fait plusieurs semaines avec qui j'ai plus joué. Il est d'ailleurs dans le chat, hein, c'est BlueFR. Donc ça fait plaisir de te revoir, Kratos Maxence, surtout que la chaîne, en ce moment, elle est en train de bien évoluer. Donc du coup, bah, ça fait juste tellement plaisir que tu sois là. Tu viens des débuts, toi, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines que tu connais la chaîne. Donc juste incroyable. Merci beaucoup de continuer de soutenir la chaîne malgré le temps qui passe. J'espère que quand tu seras en vacances, tu auras le temps de passer un peu plus souvent, Kratos Maxence. Ah, bien le bonjour, Mat5758. Non, pas Breath of the Wild, ça y ressemble énormément. Mais en gros, je sais pas si tu sais, c'est le jeu Hyrule Warriors. C'est un jeu comme. Ça reprend Breath of the Wild. Ça se passe 100 ans avant Breath of the Wild. Et c'est un jeu où, en gros, tu peux. Tous tes personnages, ils sont hyper forts. Et tu peux tuer des centaines d'ennemis en un seul coup, quoi. Récompense, cœur plus 1. Terraco, cœur plus 2. Ben, ça, je vais pas acheter. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les récompenses du laboratoire. Regarde, tout à l'heure, là, dans une minute, je vais faire un combat. Tu vas voir à quel point c'est impressionnant. Qu'est-ce que ça me débloque? Tac, tac, tac. La cuisine nécessite moins d'ingrédients. Grâce à l'incroyable efficacité énergétique des mécanismes antiques, on pourrait nourrir beaucoup de monde avec peu d'ingrédients. Ouais. Apparition plus fréquente de matériaux anciens. Bah, let's go. Et du coup, maintenant, on aura plus de matériaux anciens sur les champs de bataille. Oh, c'est la nouvelle arme pour Link. Je crois que c'est la nouvelle arme de Link. C'est la toute nouvelle arme qui a été annoncée dans le DLC. Oh punaise, c'est la nouvelle arme. Et si on utilisait l'incommensurable puissance des reliques pour créer une arme formidable qui nous permettrait de vaincre le fléau? En exploitant la force des gardiens, par exemple. Oh là là, je vais avoir une nouvelle arme pour Link, c'est incroyable. Je vais tout content. Elle a l'air trop bien, dans le DLC, ils l'ont montré, elle a l'air incroyable. Salut à tous, BlueFR qui dit salut à tous, ça fait plaisir, merci beaucoup à d'animer le chat, BlueFR. Merci Blue. Ah, BlueFR, comme dirait Victoria. Ah, BlueFR. Ok, ça me débloque rien du tout. Il faut que je débloque les deux, ok. Bon, bah du coup, on va retourner faire une quête. Ok, pour Persona 5, on en parle quand on sera sur Smash. C'est ce que je me disais, ce sera plus simple. Du coup, dans à peu près 30-45 minutes, je ferai du Smash Bros Ultimate avec un ami. Et on parlera du coup de Persona 5. Ex, requête du laboratoire. Partir au combat. Vous allez voir à quoi ça ressemble les combats dans Hyrule Warriors. Du coup, Mat5758, j'en conclus que tu connais pas Hyrule Warriors. J'espère que tu vas adorer. Ça se passe 100 ans avant Breath of the Wild. Et en gros, ça explique comment le fléau est apparu. Et ça explique aussi pas mal de choses. Comment est-ce que tout le monde s'est fait terrasser et plein de trucs. C'est génial, ce jeu, il est incroyable. Et par où tu vas pour t'abonner? Si t'as. Alors pour t'abonner, attention, c'est payant à Withercraft. Ça coûte, il me semble, 4 euros. Mais ça aide énormément le streamer. Ça lui donne le fait aussi ça lui donne le droit de mettre plus d'emotes sur sa chaîne Twitch. Mais si tu veux t'abonner, normalement, sous le live, il doit y avoir une étoile à être marquée à côté s'abonner, il me semble. Si je ne m'abuse. Après, ça dépend si t'es sur téléphone, si t'es sur tablette, si t'es sur ordi. Mais normalement, sous le live, il doit y avoir du coup ça. Oh, regardez, c'est des chuchus géants. Dans Breath of the Wild, il n'y en a pas. Mais là, ils sont magnifiques, les chuchus géants. Waouh, waouh, waouh. Punaise, waouh, il m'a fait un screamer comme il me rentrait dedans. Regardez, on peut utiliser vraiment tous les pouvoirs de la tablette Shaker. Le jeu là, il explique comment Link est mort et plein plein de choses. Bah, ça se passe vraiment 100 ans avant Breath of the Wild. Oh merde, pardon, ok. Je vais essayer de balancer quelques bombes. Oh, mais il est en train de me démonter le chouchou de feu là, en fait. Il me colle de partout. Je vais le cinétiser, voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir lui mettre un maxi coup point faible. Un coup qui va lui faire très mal. Vous avez malheureusement vaincu le monstre cible. Hein? Merde! Oh le con! Oh punaise! Ah merde! Éliminer tous les ennemis sauf le monstre cible. Ah d'accord, il fallait que je tue tout le monde sauf le gros chuchu là justement. Oh le con, pardon.
Et oui, du coup, donc en fait, lui, il va me coller à la peau jusqu'à la fin. Et moi, faut que je tue tous les ennemis sauf lui. D'accord. Oh merde, pardon. Oh la boulette. Ton live crash. Bah, Mat5758, du coup, ça vient pas de mon côté. Ma connexion, elle est hyper stable. Vérifie ta connexion à toi. Et j'espère que du coup tu vas pouvoir vite revenir, Matt, parce que du coup ça me fait trop plaisir que tu découvres avec moi Hyrule Warriors. Ce jeu, ça fait partie de mes jeux préférés sur la Switch. Vraiment, il est juste incroyable. Je vais prendre tellement plaisir à y jouer ce soir seul au DLC là. Il m'avait manqué ce jeu. Là, il y a un moblin de poudre encore. Allez, mange ça. Oh, hyper violent. Attends. Waouh. Attends, d'où il a une arme? D'où il a une arme archéonique? D'où il a une arme de gardien archéonique? Ah, il est incroyable ce Zelda, on est d'accord. Breath of the Wild est incroyable, mais encore plus Hyrule Warriors. Parce que du coup, tu peux tellement tuer des centaines d'ennemis à la fois. Regarde les coups que tu peux mettre. Regarde comme c'est trop beau ce jeu. Il est magnifique. Kratos Maxence, ouais, du coup, est-ce que t'es toujours là, Kratos Maxence? Parce que ça me fait plaisir aussi de te revoir, vu que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. En plus, il y a pas longtemps, je crois que j'ai parlé de toi justement à un ami en disant que tiens, Kratos Maxence et Tom Crow, ça fait longtemps qu'on les a pas vus sur la chaîne Twitch. Deux personnes qui étaient là au début, mais qui du coup, malheureusement, actuellement, à mon avis, doivent être pris par les études et tout. Donc c'est normal qu'ils soient plus là. Vous avez vaincu le monstre cible? Non, mais c'est pas possible. Je suis nul à ce point. Il y a deux monstres cibles, d'accord, il y a deux monstres qu'on doit pas tuer. Lui, c'est un monstre cible qu'on doit pas tuer aussi. D'accord. Ah oui, à chaque fois, il y a un monstre qu'on doit laisser en vie pour l'étudier. Ok, pour que les scientifiques l'étudient. D'accord, j'avais pas compris en fait, mais oui. On doit tuer tous les ennemis, sauf du coup les monstres cibles, pour que les scientifiques ils les étudient pour voir leur fonctionnement. Là, le monstre cible, c'est le sorcier bras zéro, il faut pas le tuer, d'accord. Donc là, on va tuer tous les autres sorciers. Un petit sorcier électrique de base. Waouh. Mais attendez, mais arrêtez, c'est hyper violent ce qui se passe. Ok, on va balancer une petite bombe. Oh mais arrêtez les sorciers là. Oh, waouh, c'est horrible. Il y en a un qui m'électrifie et du coup qui me fait perdre mon temps. Il y en a un qui me glace et qui du coup fait que je suis glacé et tout le monde m'attaque. Et évidemment, il y a celui de feu qui fait un max de dégâts. Oh là là, mais stop. Mon Link se fait martyriser. C'est horrible. Par contre, les nouvelles quêtes, je les adore encore plus que les quêtes de base du jeu. Genre, vraiment, elles sont trop bien, les nouvelles quêtes. Le fait de devoir laisser des ennemis en vie et tout, ça recycle. Enfin, pas ça recycle, mais ça renouvelle la formule des jeux des Musso, quoi, tout simplement. Là, je vais pas me permettre de faire un coup point faible. J'aurais peur de tuer le mauvais ennemi. Tiens, sorcier de glace, il faut que je le tue. Comment il va, le sorcier de glace? Et Wintercraft, toujours là, toujours présent. Toujours la banane. Merde, c'est pas lui que je dois attaquer. Je me suis permis de me régène. C'est pas possible, arrêtez de me faire attaquer le sorcier bras zéro. C'est pas lui que je dois attaquer. C'est lui que je dois attaquer, voilà, ça c'est fait. Allez, c'est gagné. J'espère que c'est gagné. Bon, normalement, je tue lui et ça devrait être la fin de la quête. Si je me trompe pas. Arrête de te mettre pile devant. Mais, oh, ça c'est trop chiant. Le mec se met vraiment pile devant celui que je dois pas tuer en fait. Est-ce que Matt est toujours là ou du coup, malheureusement, vu que son live il a crash, il a essayé de reboot l'ordi ou quelque chose? Est-ce que si t'es toujours là, Matt, j'espère que tu trouves le jeu incroyable parce que il est plutôt beau. Pour de la Switch, il est beau. Même si du coup, objectivement, il est pas super beau, mais pour de la Switch, ça va. Et puis le gameplay est tellement bien pris en main. J'ai débloqué une rame de bateau, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vais vendre comme arme? J'ai vraiment beaucoup trop d'armes, il faut qu'on arrête de m'en donner autant. Ça me sert à rien. Un os, ça me sert à rien. Quoique c'est joli. Faut que j'arrête de dire c'est joli. Il faut vraiment que je débloque des nouveaux emplacements d'armes en fait. Je sais même pas comment on fait.
Oh, j'en ai marre. Il faut vraiment que je vende une arme bien. Bah, je vais vendre celle-là. Cool que le DLC il nous permette de jouer un gardien. Mais j'ai vraiment envie de le débloquer avant la fin du live pour l'essayer devant tout le monde là et pour voir à quoi ressemble le gameplay d'un gardien. La lune de sang. Ah, jeune Yunobo. Entraînement de Daruk. Ouais. D'abord, non, non. Avant toute chose, il y a vraiment une lune de sang. Hein. Là. Le château de Hyrule, là, sous la lune de sang. Bon, on va aller au laboratoire antique pour essayer de voir si je peux acheter des choses. Je peux toujours rien acheter, hein. Il me manque encore des huiles d'entretien. Tu vas y aller, Wintercraft? Bah, ça fait plaisir. Merci d'être resté. Merci beaucoup. Ça fait très très plaisir. Et du coup, bah, à tout bientôt. Et puis, bah, moi, dans quelques minutes, là, je vais passer sur du Super Smash Bros. Tiens, tiens, tiens. Merci beaucoup, hein, Wintercraft, toujours de passer les après-midi pendant quelques minutes, des fois quelques heures et tout. Très agréable. Qu'est-ce que c'est que ça? Certificat de Litorok. Bah j'achète. Et du coup mon Terrako il obtient 2 cœurs en plus. Ok. Bah pour Yunobo je vais la faire aussi la quête. Hein. Je l'ai depuis le début du jeu la quête donc autant la faire. Je sens une force débordante. Let's go. Et du coup j'ai aidé toute la région de Ordin. J'ai plus aucune quête à y faire, et du coup je peux juste récupérer la récompense finale. Résolvez tous les problèmes des habitants de la région d'Ordin pour un avenir radieux et serein. Vraiment pas mal. Diadème Ruby. Eh ben on avance bien. J'en suis à combien de pourcents du jeu total? 89, 92. 92% du jeu total, ok. Tiens, là j'ai une quête ex. En route pour la forteresse. Cette fois, je vais pas la faire avec Link. Je vais essayer de la faire avec un autre perso. J'adore jouer le grand Koga. Miss Kyozia aussi. Et le perso le plus fort du jeu, certainement Teba. Je sais pas qui jouer en fait. Ils me tentent tous. Dommage qu'il n'y ait pas de mode aléatoire comme dans Smash. À mon avis, quand tu sais pas qui prendre, go garder Link, en fait. C'est horrible à dire, mais d'habitude, Link dans Hyrule Warriors, ben, du coup, c'est le perso classique. Enfin, en tout cas, c'était ça dans le premier Hyrule Warriors. C'est le perso classique, qui a pas un gameplay transcendant et tout. Et d'habitude, on joue tous les autres persos sauf Link. Mais là, dans ce Hyrule Warriors-là, je le trouve tellement bien manié. Ses animations sont trop belles, en plus, quand il se projette dans l'œil d'un gardien et tout. Temps de chargement toujours aussi long, quoique j'ai l'impression que depuis la mise à jour d'hier, ils ont été optimisés parce qu'il me semble qu'ils allaient beaucoup plus lentement encore avant. Ok. Oh, pardon. J'ai juste vérifié que le son du live fonctionnait bien. Effectivement, le son du live fonctionne bien. Let's go. Alors, protéger l'équipe du capitaine Hyrule jusqu'à son arrivée au point de destination. Ah, il faut le faire entrer dans la forteresse. Ok. Tiens, il y a plein de moblins ici. Typiquement, encore une fois, le jeu confirme qu'il faut que j'en tue beaucoup pour récupérer des certificats, du coup. Oh là là. Stop, 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 stop. Mange. Et de moins 1. On est d'accord que là, il n'y a pas d'ennemis que je dois laisser en vie, je peux tout tuer. J'espère bien.
Ok, allez, c'est fait, c'est gagné. Oh non, c'est vrai que ça explose. Oh mais forcément. En plus dans Breath of the Wild c'est exactement la même chose. Hein. Si tu les attaques, ils t'explosent au visage, mais j'ai pas fait gaffe. Toujours agréable aussi cette attaque. Par contre, escorter. Bon. Mais je dois passer par où? Y'a pas de passage par ici? Bah non, y'a pas de passage. Attends. Ouh là là, la carte, il faut que je zoome sur la carte. Ah bah oui, non, mais bah du coup je fais comment? Ouh là là, attendez, je vais vraiment bloquer. Moblin d'argent. Ah, ça c'est un nouveau mob. Ça c'est un tout nouveau mob. C'est les moblins qui disposent de tonneaux explosifs. Ok. C'est cool d'avoir des nouveaux mobs. Ils ont vraiment bien pensé la chose dans le DLC. Allez, finissons-en avec lui. Oh, faut pas que je reste dans les flammes, moi. Il me semble que je dois pouvoir les casser, les structures, ici, non? Oui. Waouh, impressionnant toujours. Et ça répond pas à ma question, je fais comment pour avancer? D'accord, je passe par là. Ça résout, ça répond à la question finalement. Et je peux passer par là aussi. Eh oui. Ça c'est pour baisser d'un étage. Mon Link le pauvre, il court tout seul comme ça. Bon, les chouchous de glace, on fout un peu quoi. Évidemment, il fallait que je dise ça pour que je me prenne un coup. Les moblins d'argent apparaissent sur le champ de bataille. Mais oui, du coup, les moblins d'argent, c'est les nouveaux là avec leur. Comment on dit? Pardon. Avec leur sac avec les explosifs dedans. Dans à peu près 15-20 minutes, je pense passer du coup sur du Hyrule Warriors. Donc j'espère, BlueFR, que tu seras prêt. Ça fait vraiment... sur du Hyrule Warriors, pardon, sur du Smash Bros. J'ai vraiment l'habitude du jeu. Pardon. Un sorcier Blizzard. Ok, ça c'est les tout nouveaux. Très beau design. Il me semble qu'ils n'existent pas dans le jeu de base, eux. Les sorciers Blizzard, il me semble pas. Hein. Ça me dit rien. En tout cas, ils doivent avoir une tenue normale. Je pense pas qu'on les différencie de leur tenue, parce que leur tenue beaucoup plus jolie et avec plus de détails et tout, elle me dit rien du tout. Ça se trouve, je me trompe totalement, ils existent dans le jeu de base, mais c'est juste, ils me disent rien. Bon bah, niveau supérieur. Allons en finir. Continuer d'avancer vers la prochaine destination, mais j'y vais. Oh, mais d'où il me touche. Bon, par contre, là, du coup, je vais faire ultra mal. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut vraiment juste que je les ramène ici. Est-ce qu'il va pas se réveiller, ce gardien? Obligé, il va se réveiller, non? Ah, peut-être pas. Mais oui, mais du coup, oui, il faut que j'ai les escorte, mais du coup, en fait, il faut que je les prenne avec moi. Ils vont se faire... Ils vont complètement se faire démonter là. Ok, lui il galère. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Faut vraiment que je revienne en arrière du coup pour aller sauver les autres. Que j'ai oublié. Pas mal rapide comme moyen de déplacement. Ouais, du coup c'est ça, il y avait des mini gardiens et tout.
les nanogardiens, on les retrouve beaucoup dans Breath of the Wild, mais dans Breath of the Wild, on les voit exclusivement que dans les créatures divines ou dans les sanctuaires, ceux-là. Ça me donne, à chaque fois que je joue à ce jeu, j'ai envie de me refaire Breath of the Wild en oubliant totalement le jeu. Malheureusement, vu que je le connais par cœur, bon, voilà. J'aurai jamais la redécouverte de Breath of the Wild, mais c'est pas grave, parce que Breath of the Wild 2, bientôt... Enfin, bientôt, je me comprends, hein, dans plus d'un an, dans un an et demi. Ok, ça devrait faire mal. Et comment il va? Toi, t'es mort. Et The Real Manji, comment il va, The Real Manji? D'ailleurs, The Real Manji, tout à l'heure, dans à peu près 10-15 minutes, je vais passer du coup sur du Smash Ultimate, et tu vas voir, il y a le retour de Blue FR. Ça va faire longtemps qu'on ne l'a plus entendu, hein. Ça va faire quasiment un mois. Non, 3 semaines. Jusqu'à un mois, il me semble. 3 semaines, un mois, je sais plus. Ah, le temps passe si vite sans Blue FR. Ah, c'était vraiment bien la bonne époque quand il était pas là. Tu m'avais pas dit, The Real Manji, justement, que tu détestais Blue FR et tout. Si, c'est ce que tu m'avais dit, hein, il me semble, hein, c'est ça. Ah merde, Blue FR qui était en train de lurk. Bon, c'est bon, maintenant on peut avancer avec les soldats d'Hyrule. Bien sûr qu'on peut avancer. Alors là, ce que je suis en train de jouer, le jeu auquel je suis en train de jouer, Maxence, du coup c'est pas le vrai Zelda Breath of the Wild. Hein. C'est son préquel, du coup c'est Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Il est bien moins beau que le vrai Breath of the Wild, ce jeu, hein. Mais bon, il reste quand même assez beau pour de la Switch. Ou en tout cas, pas trop moche pour de la Switch. Avec toute la rancœur de Ganon par ici. Il faut vraiment tuer chaque ennemi, hein. Sinon ils sont vraiment bloqués, on peut pas les escorter. Ouais, bonjour. C'est bon, on est tranquille. Bon, du coup, on peut finir la quête. Obligé, il va se réveiller, le gardien. Je peux pas imaginer qu'il se réveille pas. Il est placé là, il va se réveiller. Ils sont tous beaucoup trop longs. Oui, je sais. Ok. Du coup, bientôt, d'ailleurs, ça me fait penser, la prochaine fois que tu viens, je pense, je te passe du coup Breath of the Wild. Probablement, du coup, dans une semaine, je te passe Breath of the Wild. Ah, on le voit là-bas qui arrive. Et du coup, tu le fais, tu prends ton temps, tu mets une, deux, trois semaines pour le faire. Et quand tu l'as fait, bah du coup, je le ferai aussi en live juste après. Parce que du coup, j'ai pas envie de te spoiler le jeu. Un chuchu de glace. Oh, c'est un chuchu géant, d'accord. Chuchu géant qui vient d'être rajouté grâce au DLC, justement. Ennemi qui n'existe pas dans Breath of the Wild de base, le chuchu géant. Un chuchu électrique, bon, on va tous les avoir du coup, je suppose. Alors, ensuite, un chuchu de feu. Il est où? Là. Évidemment. 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 C'est normal que ça c'est l'attaque, que ce soit juste il roule en fait. Il roule. Comme la région des jeux Zelda, il roule. C'est marrant ça. Ok. Et du coup, juste mon blind de feu. Ok. Je me serais attendu à affronter du coup un autre chouchou, mais bon. Un linel de glace, bon, d'accord. Là, d'accord. Ça, c'est le boss final, le linel. Linel de glace, je peux le démonter à coup de baguette de flamme.
pour essayer de... C'est pas de la triche, hein. C'est pas réellement de la triche. C'est le jeu qui me propose d'utiliser les baguettes de feu, donc autant les utiliser sur le Linel. Attends, c'est quoi cette expression? C'est normal. C'est, est-ce que c'est une expression de jeune, BlueFR? Parce que je ne la connais pas, cette expression. Ah, en Hyrule, d'accord, d'accord, ok. C'est juste l'orthographe, quoi. D'accord. Mais pardon. En Hyrule, en le con, pardon. Est-ce que c'est une expression de jeune? Ouais, mais oh, hein? Je les connais pas, tes expressions. Est-ce que je passe pour un vieux, du coup? Possiblement. Non. Ça va faire mal. Ok, là, on peut en finir, je pense, avec le Linel. Et ben voilà. Zelda CDI. Oh, les Zelda CDI, est-ce qu'on se les ferait pas sur la chaîne Twitch? Non, jamais. Ok, on est d'accord, jamais. Au grand jamais. Les Zelda CDI, quoi. J'en ai jamais touché un seul, et à mon avis, il y a plein de gens qui ont jamais touché aux Zelda CDI. Tant ils étaient mauvais. Let's go, se faire un let's play dessus, quoi, finalement. Oh, il faut que je supprime plein d'armes. Oh, mais c'est trop chiant, le système de gagner 30 armes par combat. C'est nul. Une rame, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ah non, ça me sert à rien. Toi, tu dégages. Allez, on y est presque. Je vous promets encore un petit combat et ensuite je pense que je vais passer sur du Smash Ultimate. Du coup, j'aurais pas débloqué le gardien aujourd'hui, c'est dommage. J'aurais bien voulu débloquer le gardien du DLC. Encore, faut que je supprime une arme, tiens. Encore ? Tiens. Ok, on est bon. Oh, les temps de chargement, mais quelle horreur sur ce jeu. Ça y est, c'est la fin de la lune de sang. Quête X. Ce sera laquelle? Épéiste en détresse, ok. Bon bah du coup, bah, ça je me le ferai, je pense. Tranquillement en solo. Est-ce que du coup, BlueFR, on se passe sur du Smash Ultimate maintenant? Parce qu'en fait, là, je me rends compte que si je veux, à mon avis, débloquer le gardien, il me faut encore faire 3-4 heures de live. Même si je veux le débloquer, hein, le gardien, hein, mais bon. Ah là là. Et du coup, la nouvelle arme qui est ici. Et du coup, il faudra vraiment que je me fasse tout ça hors live, en fait. Je pensais que le DLC, tu vois, il... ça reste un DLC d'un jeu Hyrule Warriors, donc je pensais que ça me durerait genre une demi-heure, une heure, et au final, non, il y a quand même beaucoup de gameplay qui a été ajouté, donc ça fait super plaisir. On sauvegarde, et du coup, bah, moi, je passe sur Smash Ultimate. Une petite DR? Une petite DR, est-ce que du coup, j'essaierai la nouvelle arme de Link? Du coup, il faudrait que j'achète le coup de patte des reliques. Et si on utilisait l'incommensurable puissance des reliques pour créer une arme formidable? Let's go. Enfin, le fléau de gardien, une arme alliant la puissance et l'agilité des gardiens, est terminé. Link, j'en suis sûr que tu sauras maîtriser cette arme merveilleuse. Le fléau des gardiens. Ah, oh, et du coup, il faut que je supprime une arme à Link. Ah, oh, mais ce principe, mais c'est nul. Je vais plutôt supprimer ça. Ah, et c'est comme ça qu'on débloque les... Léo à blindage lourd. Oui, yo. C'est comme ça qu'on débloque de nouveaux combos. Léo à lames antiques. Ouais. Let's go. Ça, c'est quoi? Possibilité d'acheter des pommes. Mais j'ai envie d'acheter des pommes. Je vais acheter des pommes. Félicitations. Et ça me sert à quoi d'acheter des pommes? Ok, bon. Ça reste un jeu Hyrule Warriors, hein. Et du coup, je vais tester vite fait un petit coup les... Comment on les appelle? Ah oui!
Ah, du coup, ça me débloque toutes les nouvelles quêtes ex. Ok, bah je vais les faire immédiatement. La seule que je peux faire, en fait, c'est celle-là. Nouveau combo pour le fléau. L'instructeur du centre d'entraînement à la lance réfléchit à une nouvelle méthode d'entraînement qui devrait être utile pour maîtriser le fléau. Et du coup, quelle est la spécificité du fléau ? Copier les armes ennemies avec le fléau. On peut voler les armes aux adversaires. Copier une arme ennemie avec ZR pour augmenter la puissance de vos attaques. Une fois l'arme copiée brisée, vous ne pouvez plus copier d'arme pendant un moment. Mais c'est génial ! Mais un max de plaisir en fait. Bon bah du coup je vais faire une petite dernière quête parce que là je suis trop chaud pour essayer la nouvelle arme. Bon on va faire la quête ici, possiblement. Recherche... Ouais non d'accord, il faut être vraiment trop haut level. Je suis pas encore assez loin dans le jeu pour faire ça. Mais il faut être 85. J'en ai débloqué une autre des quêtes mais elle est où? Là, juste ici. Ex, entraînement de Link au fléau. Et d'accord, bon. Bah du coup allons-y hein. Et il faut que j'ai l'arme fléau. Et elle est où l'arme fléau? Là. Acheter des pommes. Et ça sert à quoi d'acheter des pommes? Acheter 6 sur 6. Partir au combat. Alors, d'accord. Le jeu me dit que je peux acheter des pommes, mais à quoi ça sert du coup? Il y a un truc que j'ai pas compris là. Dans Breath of the Wild, elles servent à quoi les pommes? Elles servent juste à se régénérer. Ah mais oui, je suis trop con, du coup, oui. Ça sert à pouvoir se régénérer pendant les niveaux, en fait. D'accord. Non, sérieux, The Real Manji? Il y a un nouveau Pokémon Gigamax sur épée et bouclier. Ils auraient fait, pour la première fois, une mise à jour gratuite qui rajoute du vrai contenu au jeu. Parce que les DLC, ils étaient pas gratuits, hein. Est-ce que tu veux pas me spoil sur quel est le nouveau Pokémon Gigamax? Parce que du coup, tous les Gigamax, je les connais, donc je sais si c'est un ancien ou un nouveau. Tu veux pas me dire c'est lequel? Du 18 juin au 18 juillet. Un nouveau Gigamax? Ou alors c'est juste un Gigamax qui va être plus présent? Dis-moi c'est lequel, le Pokémon? Dans le site de Micro... Ah bon? L'entraînement de Link au fléau. Ok, pour l'instant, un gameplay assez classique, comme avec des épées. C'est un peu des épées de longue distance, ok. Ça reste un fléau, c'est normal. Wow. Et là, on peut switch sur la paravoile. Ok. Ça, c'est pour regrouper les ennemis et leur faire mal. Le coup point faible, à quoi il ressemble? Wow. Oh. Je crois que ça va être ma nouvelle arme favorite, ça y est. Nous devons rester sur notre position. Ah, il reste sur sa position, du coup, le mec. Ok. Et maintenant, si je copie une arme adverse, à quoi ça ressemble, du coup? Après utilisation de prolongée, des armes copiées finissent par se briser. Vous pouvez en copier d'autres pendant un moment. Ok. Ah oui, d'accord. J'ai vraiment volé une arme à un ennemi. Du coup, elle s'est mise dans mon dos. Et maintenant, je peux la prendre avec mon fléau et faire de nouvelles attaques. Mais si j'ai... Non, mais attendez. Ça veut dire que techniquement, les combos, ils sont infinis, là, du fléau, en fait. Mais c'est génial. Non, mais ça y est, vraiment une nouvelle meilleure arme du jeu. Et ensuite, faut attendre que ça se recharge. À quoi ça ressemble l'attaque spéciale avec un fléau, du coup? Oh là là, et Gleur qui rebat. Justement, Gleur, on va passer sur du Smash Ultimate. J'essaye juste la nouvelle arme de Link et je crois que c'est la meilleure arme qu'il ait jamais eue dans Hyrule Warriors. Si cette arme-là, elle est dans le vrai jeu Breath of the Wild, dans Breath of the Wild 2, il y a intérêt à ce qu'elle y soit, hein, parce qu'elle est incroyable. On peut voler les armes aux ennemis, mais c'est trop bien. Genre, regarde, là, je peux voler un arc, par exemple, je pense. Est-ce que je peux leur voler un arc? Ok, je peux pas leur voler l'arc. Peut-être parce qu'en fait, je les ai one-shot. Il faudrait que je vole une épée. Genre, tiens, eux, ils ont une épée. Hop, je vole une épée. Ça la met dans mon dos. Clac. Et maintenant, je peux utiliser l'épée des ennemis au bout de mon fléau. C'est incroyable. Ok. Waouh.
Ok. J'ai pas essayé l'attaque spéciale. À quoi elle ressemble? On va voir. Punaise. Oh la vache, la violence. Ça y est, bah du coup, nouvelle arme favorite. Si cette arme-là, elle est dans Breath of the Wild, ou alors carrément, il est un jour dans Smash... Genre, typiquement, si un jour ils sortent un Super Smash Bros. 6 et qu'ils sortent Link, est-ce que ce serait pas une nouvelle arme de Link? Parce qu'elle est incroyable, en fait. Est-ce que je peux leur voler les lances qu'ils ont, là? Punaise, j'ai pu leur voler leurs lances. Mais c'est... Mais... C'est quoi cette arme? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle arme? Est-ce que... Je sais pas si tu l'as déjà essayé, Blue FR, mais je crois que c'est vraiment mon arme préférée. Je suis subjugué par le truc qu'ils ont réussi à nous créer, quoi. Pile au bon moment. Ouais, c'est ça, Glur, t'arrives vraiment pile au bon moment, quoi. Là, il me reste encore 100 ennemis à tuer, et puis c'est gagné, quoi. Profite des belles cinématiques du jeu. Donne-moi ton arme, donne-moi ton arme. Merci. Là. Non mais c'est incroyable du coup les dégâts que ça fait. Tiens, le Capitaine Ilian, on va le démonter complètement. Et du coup, Glur, je t'ai même pas demandé ton cours de guitare, il s'est passé comment? Je suppose qu'il s'est bien passé, hein. Sinon tu m'aurais dit, ah, tiens, il y a ça qui a pas été et tout, mais... Du coup, j'espère que Glur, tout va bien. Ah, Dunaconda, oui, Dunaconda, il avait déjà un Gigamax, hein. Ça veut dire que, ouais, non, c'est... Ça veut juste dire que du coup, le Gigamax Dunaconda, il apparaît plus souvent. Mais effectivement, Dunaconda, il avait déjà un Gigamax. Je me suis dit, si le Pokémon, si Game Freak, il se mettait à créer des nouveaux Gigamax sans prévenir personne et tout, bon. Et en plus, du coup, s'ils le font gratuitement, ils vont jamais avancer sur les remakes de fin d'année. Non, non, Dunaconda, c'est totalement un Pokémon qui avait déjà sa forme Gigamax. Et de toute façon, ils font ça tout chaque mois. Ils mettent un nouveau, enfin, un Pokémon Gigamax qui apparaît plus souvent. Quelle arme il faut que je vende du coup encore? Bah du coup on va passer sur du Smash Ultimate. J'espère du coup que t'es prêt, Blue FR, nous y sommes. C'est le moment. Par contre vraiment, la nouvelle arme, trop bien. Ça fait combien de temps maintenant que t'en fais, Glur, du coup de la guitare? Il me semble qu'il y a 2 semaines tu m'avais dit que tu commençais les cours, donc ça doit faire à peu près 2-3 semaines maximum, non? Si j'ai bien compris, hein. C'était excellent, je vais développer. Bah vas-y, dis-moi ça, Glur, tu m'intéresses. Là, quand tu parles de musique, forcément, tu m'intéresses. Et bah du coup, bah, nous, on va passer sur Smash Ultimate. Et re à Wittercraft, t'arrives pile au bon moment aussi, du coup, vu que justement, je vais jouer du coup avec mon ami à Smash Ultimate. T'auras un code pour un cadeau in-game, si je veux. Oh bah, si tu l'as, bah juste vas-y, je prends en fait le code pour un Dunaconda. En général, ils ont des très bons IV, les bonus comme ça, donc moi, ça me va. Je retourne une dernière fois ici, pour voir s'il n'y a pas du nouveau... S'il y a du nouveau, obtention du fléau à l'âme antique. Le fléau du gardien a été créé à partir de pattes de gardien, et je me demande si on pourrait pas développer encore son potentiel en lui donnant une forme plus agressive. Hyper violent du coup, Pharas. Fléau à l'âme antique, mais est-ce que du coup ça change complètement l'arme? Parce que là je vois que c'est une arme de niveau 1. Je sais pas si c'est une nouvelle arme ou pas. Bon, du coup, je vais supprimer une ancienne arme qui me sert à rien. Voilà, c'est fait. Et du coup, ben, let's go passer sur Smash Ultimate, quoi. Je vais juste sauvegarder ma partie. Bon, du coup, je laisse Glur expliquer, du coup, comment s'est passé son cours. Cra, tout à l'heure, hors live, je vais me faire tellement un plaisir toute la soirée à jouer à Hyrule Warriors. T'inquiète, Wittercraft, il va te répondre, Glur. C'est juste que du coup, là, il est en train de nous faire un long message pour nous expliquer comment ça s'est passé son cours et tout. Ah bah tiens, justement, son message. Je lance Smash Ultimate et je regarde ton message, Glur, immédiatement. Let's go, vas-y, bah Blue FR, on se rejoint sur le Discord. Je lance le Discord, Blue, donc allons-y.
Je change le titre du live et je lis ton message, Glur, promis. Je change juste le titre du live. Et voilà, ça y est. Alors, le message de Glur. En gros... Ok. Oh, mais t'aurais pu me prévenir, Blue, que tu peux pas venir vocal. Bon, bah, y a pas de souci. Tu peux pas venir vocal, t'aurais dû me le dire immédiatement. Bon, bah, du coup, faut que je quitte le Discord. Si tout à l'heure, tu peux venir vocal, n'hésite pas. Mais moi, je voulais te réentendre et tout. Tu m'avais dit, en plus... Enfin, à mon avis, c'était pas prévu que tu viennes pas vocal, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, tiens, on en parlera tout à l'heure sur Smash Ultimate, de Persona 5 et tout. Attends. Attends, quoi? Tu peux venir, mais pas sur Discord. Hein? Je comprends pas. Tu peux venir vocal, mais pas sur Discord. Oula. Bon, je vais déjà ouvrir l'arène sur Smash. On parle du reste après. Bref, le message de Glur. Je te l'ai promis, Glur. Crée une arène. Alors, en gros, t'as montré du coup à ton prof un remix incroyable qui vient de chez Family Jules. Jules, évidemment. Ok. Il t'a montré comment jouer l'intro. Encore beaucoup de travail pour y arriver. Bah, c'est normal, à la musique, forcément que t'auras toujours énormément de travail pour réussir un morceau, surtout si c'est un morceau pas simple. Mais effectivement, du coup, beaucoup de travail, mais je sens que je vais le faire. Alors, juste le fait que tu dises « je sens que je vais le faire », c'est que t'es investi, c'est vraiment que tu veux, en fait, réussir. Donc c'est très bien, Glur. C'est très très bien. Et du coup, bien le bonjour à toi, Matt83, ça fait plaisir, ça fait aussi un petit temps que je t'avais pas vu du coup sur le jeu. C'est cool, c'est coolos de te revoir. La dernière fois que j'ai joué à Smash Ultimate, c'était avec Vicky, il y a plusieurs semaines. Yes, je suis en train de pleurer là, intérieurement. T'as pas les droits pour venir? Si, t'as les droits pour venir. Je fais un ou deux combats avec Ness et ensuite je prends des nouveaux persos, du coup, tranquille. Je lui ai pas mis les droits. Ah yes. D'accord, mais dis, il fallait juste me dire, j'ai pas les droits. Pardon, Blue, effectivement, je suis bête. Ouais, mais vu que t'es toujours en mode hors ligne... Ah, bien le bonjour. Vu que t'es toujours en mode... Comment il va Blue faire? Allez, vas-y, coupe le son de ton live. Oh. Ah, oh, punaise. Ça y est, le chat, vous avez le retour de BlueFR. Ça fait un mois qu'on t'a plus entendu, Blue, sur ma chaîne. Ou même que moi, je t'ai plus entendu, en fait. Ça fait plaisir. Comment il va? Il a travaillé pendant tout ce temps. Enfin, il a travaillé. Il a fait un travail, quoi. On en parlera tout à l'heure hors live. Ouais, trop bien. Il est sympa, quand même. Oui, c'est normal, c'est normal. Je sais. C'est pour ça que j'active Discord maintenant. C'est bon, c'est fait. C'est réglé. Et maintenant, alors, t'entends. Petit test, je vais regarder. Vas-y, vas-y. Ok, c'est bon. C'est bon, parfait. Est-ce que sur le son le live, est bon? Le son, je sais pas. Est-ce que les gens peuvent dire dans le chat s'ils entendent bien? Ouais, confirmez-nous si le son de Blue, j'allais dire de Glur, si le son de Blue n'est pas trop fort ou trop faible, et puis on est parti, quoi. Ouais, et si mon ventilo n'est pas trop fort, parce que du coup je l'ai mis un peu à fond, il fait chaud. Non, t'inquiète, on l'entend pas. Et du coup, Matt, il nous dit que du coup t'étais beaucoup occupé, tu faisais des travaux et tout pour changer de chambre. Bah du coup, si maintenant tu penses que tes travaux sont terminés, et que du coup sur la chaîne Twitch tu pourras venir plus souvent, ça me fait trop plaisir. En tout cas, j'espère que du coup t'as une jolie chambre, et que tu pourras regarder mes jolis streams dans ta jolie chambre, quoi. Ils sont sympas, mes streams. Et du coup, Glur qui veut jouer, et à quand les Viewer Battle? J'ai l'impression d'y répondre tous les jours à la question. Dès que je parle de Smash, il faut que je réponde à la question. Désolé de prendre Ness, hein, Mathias, je t'ai promis que je le prenais pas trop, donc je le fais 2-3 games grand max avec, et puis je change ensuite. Ouais, on commence avec les persos qu'on sait jouer. Voilà, c'est ça, après, on commence sur le chapeau de roue, c'est ça. Et ouais, du coup, pour répondre, Glur, les Viewer Battle, j'ai dit, quand j'ai une plus grosse commu, pas très grosse, pas genre 1000 viewers, hein, genre moins de 500 follow, je pense, genre entre 200 et 500 follow, quand tu auras un peu plus de gens du coup sur les lives, qu'on aura une moyenne, on va dire, constante d'au moins 15-20 personnes sur les lives, certainement dans quelques semaines, donc c'est pas tout de suite. Bah du coup, à ce moment-là, j'organiserai des viewer battle, mais pas que sur du Smash, il y aura du Smash, il y aura du Mario Kart, et il y aura certainement du Splatoon aussi. J'y ai réfléchi, parce que je me suis dit que j'ai une commu qui adore Nintendo,
Et donc du coup il y a beaucoup de gens qui aiment bien Splatoon comme toi Gleur. Donc ne t'inquiète pas, je vais organiser des petits trucs franchement très sympas, comme dirait l'autre. Des trucs franchement très sympas quoi. Et là du coup je suis en train de me faire canarder par une Pyra. Il est en train. Mais Mitra d'ailleurs. Maintenant Pyra. Mais du coup je me fais canarder complètement. Mais maintenant j'ai l'habitude un peu plus de parler en même temps que je joue. Même si encore une fois il faut que je me concentre un peu plus. C'est vrai, c'est vrai. T'as vu, franchement, je comble bien les blancs et tout, enfin, je comble bien les blancs. J'arrive bien à commenter le match, à parler avec le chat et tout. Alors, ceci ne nous regarde pas. De quoi? Ah non, mais arrête, oh mais... Oh punaise, oh là, tu te serais pris un truc fort là. Le rock fort. Tu t'es bien moqué de moi hier sur mon chat de Smash Ultimate, de Super Mario 64 avec Vicky hier. C'était bien de se moquer? Ouais, franchement, non. Génial. Mais si, si. Tu sais, quand vous avez parlé du Roquefort et tout. Ah oui, d'accord, mais le mec, il prend tout comme une insulte aussi. Ah bah, évidemment, tous les jours. Ah là là. Si... Ah, yes. Ah, si Matt était là, du coup, il pense que je serais mort sur Smash Ultimate, ça fait plaisir. Mais je sais qu'à mon avis, je dois avoir une communauté hyper chaude. Il y a quelques temps, j'avais fait un petit tournoi avec des gens de la communauté justement et je m'étais fait démonter. Hein, on va pas se le cacher, je crois que j'avais genre gagné 3 matchs en 4 heures, enfin même pendant 3 heures de live. Donc je sais typiquement que ma communauté est beaucoup trop forte. Et typiquement, on va dire au revoir à Mitra, Pyra, pardon. Et Pyra. Du coup, ouais, effectivement... Elle est du mal, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, t'étais pas sur Hyrule Warriors? Comment tu sais, les gens de Ninist, effectivement... Oh non, mais du coup, effectivement, il y a les gens de Ninist dans le chat qui est une pro Dio de Kunt. Ah là là, mais c'est pas possible, à chaque fois elle vient pour me mettre la pression, mais ça fait plaisir. Et oui, du coup j'étais sur Hyrule Warriors pour tester le DLC, je l'adore. Le DLC est incroyable, j'ai beaucoup aimé. Un très bon DLC. Il rajoute pas mal de choses, je pensais qu'il rajouterait genre une heure de contenu, et de ce que j'en ai vu, à mon avis, il y a beaucoup plus de contenu que ça. En tout cas, c'est très cool, j'ai même pas encore débloqué le nouveau personnage, il me semble que du coup c'est le gardien, le nouveau personnage. En tout cas, trop cool. Légende Ninist, incroyable, avec le Dio de Kunt. Oh là là. Dio Duncan. Ouais, ouais, je sais, Dio Duncan, c'est un personnage qui est joué par personne, pourtant, parce que justement, il est en bas des tier list, et en plus, c'est pas un perso qui est... On va dire, c'est un perso qui est amusant, il est très amusant, mais c'est pas un perso qui est... Je sais pas, en fait, il est pas apprécié de la communauté, ou je sais pas, c'est peut-être juste parce que c'est pas un perso iconique, mais moi, je le trouve incroyable, ce perso. Genre, les gens qui jouent Dio Duncan, vraiment, c'est des gens, du coup, qui apprécient le gameplay et tout, je trouve ça incroyable de jouer Dio Duncan, quoi. Moi, j'ai tendance à jouer des persos beaucoup trop overhypés, genre Ness, Ganondorf et tout. Ouais, des personnes de merde, quoi. Oh, faut pas dire ça, arrête. Si je demande à les gens de Ninist, est-ce que Ness est cancer, vu qu'elle, elle joue à bien, bien haut niveau. D'ailleurs, j'aimerais bien ta réponse, les gens de Ninist, si t'es là. Est-ce que tu trouves Ness cancer? Tous mes amis à bas niveau, ils me disent que Ness est cancer, mais pourtant, à haut niveau, tout le monde me dit que Ness est pas du tout cancer. Non, 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 c'est pas dit méchamment, mais on n'est pas sur du haut niveau, nous, on est là pour s'amuser. J'avoue On joue pas pour une compète. Ouais, bah non. On n'est pas des... Hein? Voilà, on n'est pas des pros. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Bien, ouais, ça se voit. Ness, il est cancer qu'à bas niveau, en effet. Ouais, d'accord, donc lui nous confirme bien que, en gros, quand tu sais pas gérer Ness, il est ingérable. C'est con à dire, mais quand tu sais pas gérer Ness, que t'es à bas niveau, il est un peu ingérable. Mais quand tu sais... Ouais, bien joué. Mais quand du coup, t'es à beaucoup plus haut niveau, tu sais que sa principale faiblesse, c'est sa lenteur pour retomber au sol. Il est horriblement lent. Presque pire que Rondoudou pour retomber au sol. Et en gros, Ness, c'est typiquement le personnage du jeu avec Rondoudou, mais surtout Ness du coup, vu que Ness, il est assez bon dans les tier list. C'est le perso où il faut jongler à fond avec Ness. Il faut vraiment garder de la distance avec lui, mais pas trop non plus. Et il faut jongler avec lui, ne jamais le laisser retomber au sol. Bon. Bah voilà, bah non, maintenant je sais. Ouais, je l'ai déjà dit, hein, que Ness c'est un perso très... Ah, c'est peut-être pas à toi que je l'ai dit, c'est à Ryo. Mais ouais, Ness, il faut toujours venir le chercher quand il est dans les airs. Ryo, il est revenu quand même entre temps. Il a fini de manger. C'est vrai, il a fini de manger, effectivement. Oh là là. Parce que justement, j'étais pas là pendant si longtemps, c'est entre autres parce qu'en fait, Ryo, il m'a invité à manger chez lui. Non, mais arrête de me dire ça. Et en fait, si tu l'as si, parce qu'après, quand il est revenu, en fait, après, il m'a dit, viens manger. Et je suis en mode, ouais, non, je suis pas sûr, et il est quand même venu. Oh. Et du coup, bon, bah là, je suis revenu parce que j'ai pas pris le dessert. Non, t'es le pire, ouais. Vous avez été faire le restaurant coréen avec Vicky, tout le monde sauf moi, c'est ça, je suis le seul qui a pas été prévenu. Et les autres. Ouais, voilà, vous avez été tous faire le restaurant coréen sans moi, c'est ce que j'ai compris finalement. Ça fait plaisir, quoi. Let's go, les gars. Oui. Bon, je suis très mauvais, mais c'est bien, là, j'ai l'impression que, du coup, tu as compris qu'il fallait effectivement jongler avec Ness et plus le laisser tomber, mais c'est pas que quand il est au-dessus de toi, Ness. Genre, typiquement, quand il est ici, là, dans le vide, il faut aussi que tu viennes vraiment le chercher. Après, ça, c'est avec tous les persos du jeu, mais vraiment, surtout Ness, quoi. Ne jamais, typiquement, voilà, ne jamais laisser revenir un Ness au terrain.
Bon, alors, effectivement, je suis peut-être un peu mauvais aujourd'hui. Hein. Oh, pas qu'aujourd'hui, hein. C'est ça? C'est ça que t'allais dire? Je te vole tes phrases. Allez. J'ai rien dit. Ouais, non, mais je te connais, toi. J'ai pas hier sur mon chat, tu m'as démonté avec Vicky, là, avec tes vieilles refs, là. Ça fait plaisir, quoi. C'est bien. Ouais, et toi qui comprends pas le marchand, oui, et non. Marchand, évidemment. Bon. Qu'un mange. Dommage qu'elle est lourde, Pyra. Non, non, c'était sûr qu'elle allait pas mourir. C'est un perso lourd, à l'inverse de Mitra. What? Ouais, ouais, ouais. Tu le dis, hein, si c'est chiant, hein. Bon, n'hésite pas à le dire. Hein. 10 minutes de timer, oui, bah de toute façon, on fait pas des... C'est vrai que je mets 10 minutes de timer, mais quand je joue avec mes amis, hein, je sais qu'on va pas jouer en mode hyper en phase de neutral pendant 24 heures, c'est bon. 10 minutes de match, de toute façon, on les finit toujours en 4-5 minutes grand max. Bon, allez, avance, là. Allez, viens dans mes attaques, fais un truc. Oh là. Alors par contre, comment ça se fait que tu joues Pyra? Enfin, tu joues Mitra alors que je suis à 119%? Ouais, il faut jouer Pyra, hein. Allez. Let's go. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très joli ce que t'as fait. Allez, c'est bon, tu me laisses jouer les persos que je veux, du coup. Restaurant coréen sans légende ministe. Non, je suis sûr. Tu joues vraiment mal, tu sais que tes attaques, faut que ça touche. Mais t'es là dans okay. Et légende ministe, effectivement, du coup, à mon avis, je suis sûr que du coup, si ils organisent un restaurant coréen, tout le monde sera invité sauf moi. Qu'est-ce qu'ils arrêtent pas de me dire? Je serai le seul à pas être invité, donc je suis sûr que même légende ministe, elle sera invitée. Est-ce que tous les gens du chat sont invités au restaurant coréen, du coup, Mathias? Mathias? Alors, je suis pas sérieux, mais j'ai fait... C'était très beau. Non, oui, j'allais le dire juste après, mais toi qui fais une grab, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable, quoi. J'ai réussi à faire une grab, mec. Waouh, mais c'est génial ici. Et donc, du coup, est-ce que tous les gens du chat sont invités au restaurant coréen? Vas-y, réponds. J'attends ta réponse, hein. Ah, dommage. Ouais, ouais. Et est-ce que du coup, moi, je serais invité au restaurant coréen? J'ai pris l'habitude de jouer, là, ça fait quand même depuis au moins peut-être un mois que j'ai pas retouché au jeu. J'ai un peu du mal. La dernière fois que j'ai touché au jeu, c'était il y a 2 semaines pour faire 5 games avec Vicky. Ça va. On doit avoir un niveau à peu près équivalent. D'habitude, t'as toujours été meilleur que moi sur Smash. Des fois, tu me mettais de ces défaites-là, ces victoires plutôt. Ouais, mais je jouais pas avec Pyra et Mistra aussi. Oui, c'est vrai. Tu jouais avec Corinne. Corin. Comment va? Yes. Oh punaise. Yes, let's go. C'est what the fuck, les amis, quoi. Oh, je spam les grabs, je suis nul ou quoi? Eh, hey, mais je suis nul ou quoi? Oh non, ça va. Oh punaise, pardon. Ah merde, pardon, j'avais pas vu ton message, Gur, mais effectivement, l'eau ça mouille et le feu ça brûle, quoi. Ouais, hey, c'est avec ma fameuse phrase, quand tu sais pas gérer NES, il est ingérable. Bon bah forcément, du coup. Oh, hey, oh. Ça me rappelle quand j'ai regardé le 3, j'avais un de mes potes, il m'a dit, enfin je lui ai demandé, du coup c'est quoi Metroid? Il dit, je sais pas, je crois que c'est un Metroidvania. Oh Metroid, je sais pas, je crois que c'est un Metroidvania. Non mais on est où là? T'as vraiment dans des premiers degrés, qu'est-ce que c'était Metroid? Non mais je l'ai dit, je connais pas trop le jeu et tout, je sais pas c'est quoi comme non. Truc. Oh, et du coup, mes potes, il m'a dit, ah mais je crois que c'est un Metroidvania. Non mais punaise. Ah oh, mais c'est génial ici. Oh, punaise, c'est la meilleure phrase, il faut que je la ressorte. Metroid, je crois que c'est un Metroidvania. C'est le principe en fait de Metroid et de Castlevania, quoi. Let's go. Bon, Je sais pas si vous savez, mais GTA, c'est un GTA-like. Ouais, GTA, c'est un GTA-like. Non mais, par contre, on en parle du fait que t'es reverse la partie comme ça à ce point. Bah, on joue à haut niveau, On joue à haut niveau, qui dit. Non mais en vrai, par contre, premier degré, depuis que je t'ai dit qu'il fallait un peu plus être aggro sur NES, j'ai l'impression que tu joues mieux contre lui. Donc, juste bien joué en fait. Bah, j'ai regardé des vidéos. Ah, c'est vrai, du coup, tu t'es informé sur la chaîne de Tamalou et autres. T'as été voir les vidéos de Tamalou sur Pyra? J'ai regardé Little Zed. Ah, yes, d'accord, ça fait plaisir, quoi. Et du coup, il joue tellement n'importe comment que du coup, je joue n'importe comment et ça marche mieux qu'en se concentrant. Ça marche mieux, bah oui, évidemment. Ça marche bien! Ah! Et du coup, ouais, désolé le chat hein, pour la défaite que je me suis mangé, mais c'est pas grave, on voit quand même le beau niveau de Blue qui joue Game & Watch. T'as pas intérêt à le jouer au niveau Game & Watch, par contre. Je sais pas le jouer. D'accord, oui, non. J'avais peur que tu te sois informé sur Game & Watch. C'est tellement le pire perso cancer du jeu Game & Watch. Oh, tous les persos, ils sont cancer avec toi. Non, juste Game & Watch. Mais... Et tu triches ou quoi? Oh punaise, il a fait un 8. C'est le grand 8. C'est le grand... Mais quoi? Mais d'où ton attaque, elle est prioritaire à la mienne? Mais t'es moche. Mais t'es moche, t'es immonde. Oh punaise, ton perso c'est de la mort, heureusement qu'il est assez léger. Enfin, il est même pas léger, je crois, il est médium en plus ce perso. Yes! Oh, mais quoi? Je suis un des 3 persos les plus lourds du jeu, qu'est-ce que tu me veux?
D'où tu me tues à aussi bas pourcent? Mais c'est pas possible, c'est pas bleu si peau. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues de façon tellement chaotique et hasardeuse que j'arrive pas à t'anticiper, c'est fou. C'est le pire truc ça. Quand tu joues un perso que du coup je ne connais pas, enfin surtout je sais pas comment tu joues avec. Yes. J'arrive tellement zéro à t'anticiper. Bah j'appuie sur toutes les touches et ça passe. Oui bah j'ai remarqué. C'est infâme. Yes, ça a pas fait le bon. Oh mais je pensais que t'allais venir là. La musique qui met l'ambiance quoi. C'est génial, j'adore ce perso. Non, tu n'adores pas ce perso, tu vas arrêter de le jouer. Sinon moi je joue Ness, mais Ness il est pas cancer. Il est pas cancer Ness. T'as intérêt à le dire, un jour tu le diras, tu peux l'entendre le dire. T'es qu'un connard. T'es qu'un connard. Non mais quoi, mais quoi, mais quoi. Glurzge. On en est où là? Mais c'est pas possible. Arrête de spammer. Mais je spamme pas. Oh ya 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 ya. Il a défaite du joueur franco-français là. Franco-luxembourgeois. T'as pas intérêt. Mais t'as pas intérêt. Mais. Non. Non. Pas comme ça, pas maintenant. Oh oui. Mais what the fuck les gars quoi. What the fuck les amis quoi. Mais c'est pas possible. It's time to stop, mais oui, arrête de jouer. Les gens dans le chat ils te demandent est-ce que t'arrêtes de jouer Game & Watch là. Ne joue pas Game & Watch. Mais si. J'ai envie d'insulter ton perso mais on est en live. Je le ferai hors live. Mais mec tu m'insultes tout le temps, même hors live. C'est vrai, c'est pas faux. Mais mange. C'est vrai que j'ai cette attaque là. Non t'as pas cette attaque, t'as pas intérêt à l'essayer. T'es mort. Oh non mais quoi? Mais d'où tu fais une esquive après? Mais quoi? D'où tu fais une esquive après un up B? C'est vrai que Game & Watch peut faire ça. C'est pas faux. Mais mange. Non 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 non. Alors attends, il y a Glur qui part. Bah justement pour que du coup les battles ce soit pas les mêmes personnes à chaque fois qui m'affrontent moi ou même qui s'affrontent entre eux. Je préfère que du coup ça tourne plus, un peu plus, mais sans que ça tourne trop. Genre que les personnes puissent faire à peu près 3-4 matchs et tout. Genre je verrais bien un roulement comme ça. Genre chacun peut venir faire 3-4 matchs, ensuite on switch et tout. Bah c'est la bonne console pour faire ça. De quoi? Ah oui, c'est mieux de switch, ouais. C'est drôle, j'avais pas compris la blague. Non mais la blague est valide, elle est technique mais elle est valide. Allez. Bon, du coup on essaye des nouveaux persos Toujours la même question, il faudrait que je le mette dans le chat. On peut vous join, pas aujourd'hui, mais je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, mais du coup t'es pas là. D'ici très très bientôt, quand j'aurai un tout petit peu plus de gens sur Twitch, je ferai des viewer battle, même toutes les semaines, où j'essaierai de faire un petit tournoi multiplateforme, pas multiplateforme, mais multijeu, où du coup j'essaierai de mettre du Smash, du Mario Kart et du Splatoon. Genre, par exemple, tous les dimanches, ça peut se tenter. Genre 2 heures de Splatoon, 2 heures de Smash et 2 heures de Mario Kart. Et bonjour, Classic Show. Quoi? Ah, Jigshow! Oh oui, Jigshow dans le chat qui m'avait dit qu'il passerait peut-être pas, du coup, parce qu'il avait peut-être une mauvaise connexion, mais au final il passe, mais ça fait plaisir. Je vais prendre un petit peu Sephiroth. Regarde le match de foot. Ah, mais c'est trop bien! Let's go Sephiroth. Ouais, alors j'ai jamais joué Ganon. Ah, c'est toi qui joues Ganondorf, d'accord, d'accord, j'ai pas calé, je pensais que c'était moi qui était en train de jouer Ganon, ok. Et du coup, Jigshow qui passe vraiment juste pour faire un petit coucou, mais ça fait plaisir quand même d'avoir juste l'intention de venir, de passer. Oh putain, il est lent. C'est le perso le plus lent du jeu avec Karul et Bowser, quoi. Même pas Bowser, non, juste avec Karul. Surtout que là, du coup, t'es mal tombé, hein, contre un perso comme le mien. Alors, ok, moi j'étais en mode, ouais, on va tester des nouveaux persos et tout, et puis là, toi... Sephiroth, premier degré, tu vas dans mes stades, j'ai dû faire 15 parties avec, hein. C'est juste que je l'ai fait beaucoup ces derniers temps. Mais j'ai dû faire genre vraiment 15, allez, 20 parties grand max avec. C'est juste que du coup, effectivement, vu que ça reste un perso récent, je l'ai joué 20 fois assez récemment, mais ça va, c'est pas beaucoup. Comment il va? Ouh la vache! Ouais, alors là t'as failli te prendre un truc hyper sale. Hein. Bien joué pour le kill. En même temps, je suis à perso léger et j'avais pas encore les ailes donc c'est normal. C'est vrai qu'il est léger. Et oui, il est tout grand mais il est léger.
Eh, c'est moi ou quoi? Il est tout grand, mais il est léger. Let's go. Attention au tempi, hein. Il a du shield poke. C'est quoi son... Ah oui, c'est quoi son débat du coup? Son débat que t'as appelé ça? Bon, tu peux l'appeler comme ça, on va dire qu'on n'est pas à très haut niveau. Oh, okay. Wow. Ne jamais teabag. J'ai tendance à trop le faire parce que j'ai l'habitude du online. Oui, en online, je teabag, je suis la pire personne sur Terre. Yes! Non mais bien joué, ça passe. Non mais des fois, il faut tenter des trucs comme ça et ça passe, bien joué. Vu qu'on n'est pas au niveau, c'est juste félicitations de... Le spam, il me dérange pas, enfin c'est pas du gros spam, t'as fait deux fois la même attaque, ça. Mais je spam pas? Ouais, c'est vrai. Ah, attention, Chipo. Ah, yes. Oh, bien. Oh, ton attaque est plus rapide que la mienne. En perso, est vraiment... Oh, je me suis retourné. Ouais, tu peux le faire qu'au début de l'animation. Tu peux le faire qu'au début de l'animation, c'est pas comme Byleth. Bon, cette attaque, elle est vraiment... Une fois que t'es en bord de... Ouais, en bord de terre. Si, la brouette, elle marche, mais il faut vraiment être frame perfect, quoi. Pour avoir l'invincibilité. Ah, c'est dommage, ça. D'accord, voilà, je mets le bouclier tout le long et au moment où les trucs arrivent, elle me dit non. Non. Comme ça, tu veux dire? Quoi? T'avais le bouclier, d'où? Mais what the fuck? Bah, parce que ton perso il est gros et il a la tête et les jambes qui dépassent du bouclier assez ouais, c'est rapidement. C'est toi qui es gros, mec. Non, il est pas gros, il est grand. Bref, tu m'as compris. Il est grand et du coup son bouclier il est trop petit pour lui. Oh, ça passe. Yes. Mais après, c'est vrai que je sais un peu plus jouer Sephiroth que toi, tu sais jouer Ganon. Donc, Ouais, mais j'ai voulu faire, c'est le petit coup, comment c'est, un jab ou un truc comme ça? Ça non, dépend. Ouais, oui, ah oui, un jab. Petit coup, oui, mais du coup, ça fait l'attaque chargée à chaque fois. Ouais, le smash, ok. Ah, jab, pas plutôt... Ouais, non, si, jab, il me semble. Tilt, forward tilt, peut-être. Bref. En tout cas, incroyable. Allez, à plus, je vous laisse. Bon live, merci beaucoup, Jigshow, d'être passé juste pour faire un coucou. L'intention est vraiment trop gentille, quoi. Je switch, hein. Je pense, en vrai... Si, le bouclier contre les boules. Le bouclier contre pas les boules, si, le bouclier contre totalement les boules, largement. C'est juste que du coup, Ganondorf, comme il est grand et assez imposant, son bouclier, il est petit comparé à lui. Mais si. Oh non. Je suis désolé, mais... Super, d'accord. Moi, je dis, on va tester des nouveaux persos et lui, il joue comme ça, bon bah... On teste d'abord des persos que j'ai l'habitude de jouer. J'ai fait qu'une seule game avec Sephiroth, j'aurais pu le faire genre 5 fois de suite. Ok, ouais, allez, bye là. Après, je prends des nouveaux persos, pas des nouveaux, des persos que je sais pas bien jouer en tout cas. Ah, bah Glur qui veut jouer mais que personne ne peut jouer avec lui. Mais t'inquiète, Glur, ça se trouve même dans 2 semaines, ça se trouve j'organiserai déjà des tournois avec des gens. Ça dépend de l'évolution de la chaîne, mais si ça continue comme ça, genre qu'il y ait à peu près 1 à 3 follow par jour et que le nombre il continue de croître de viewers, ah, ça se trouve dans 2 semaines, même pas, 1 semaine et demie, j'organise des tournois viewers. Donc t'inquiète. Ça va se faire. En plus, je serais tellement impatient d'affronter Glur du coup. Merde, c'est vrai que je joue un autre perso. Let's go. C'est quand qu'il y a des coups critiques là? Il y en a pas eu. Je t'ai mis 2 coups, il n'y a pas eu de coups critiques. Non mais il est où le jeu là? Mais c'est de là... Tu triches en fait. Ok, j'ai eu le double premier secours, ça c'est cool. Je spam pas? Ouais, t'inquiète. Allez, meurs. Ok, mon shield qui ne veut pas se mettre. Oh, ça passe pas. Ouais, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Oui, salut, ça c'est vrai. Ça, par contre, ça aussi c'était vrai du coup. Oh, le petit combo que tu t'es pris là. J'avais anticipé ton saut et tout, c'était cool ça. Oh, wow, c'est mort. Ouais. Ah oui, tu préfères quand il y a 3-4 personnes dans l'arène ou que du coup il y ait. Effectivement, du coup, qui est plein d'arènes et tout, ok. T'inquiète pas, Glur. Là, c'est juste aujourd'hui parce que ça fait un mois. Je peux jouer dans l'arène si tu veux. Arrête. Non, mais du coup, là, ça faisait un mois que j'avais plus de nouvelles de Blue FR, donc ça me fait trop plaisir de rejouer avec lui. Et du coup, j'en profite pour le faire en live. Parce que du coup, je sais que ça peut plaire à des gens de voir un peu de Smash Bros comme ça entre amis tranquille. C'est vrai que son up smash, il est ridicule au héros, malheureusement. À l'inverse de celui de Lucina qui est beaucoup trop traqué. Yes. Ah oui, tu viens me rappeler un personnage qu'il faut que je joue du coup. Lucina. Allez. Lucina, tu vas jouer, c'est ça? Pas spécialement, okay. Non, mais ok. Ouais, si tu me sors Mars. Ah, bonjour. Ok, d'accord, mon perso, il est beaucoup plus lent que ce que je pensais. Oh bah, Byleth, c'est un perso lent, hein. Quand tu sors de Pyramitra, à mon avis, même Pyra, elle est quasi plus rapide que Byleth.
Oui, Pyra, elle est plus rapide. Ah, d'accord. Oh, bien, le shield de le sweet spot. Attention à toi. Ah, oh, trop tard. Oh, bien, ouais. Perfect shield. Bon, il t'a pas servi à grand chose vu que c'était une attaque à distance, mais bien. Allez, gaffe, oh. Gaffe à pas trop... Tu viens dans la zone rouge, là, la death zone. What? Bah pour... oh non, The Real Manji qui m'oblige à jouer des persos cancer. Il veut que je joue Simon Belmont. Yes! Mais je sais pas le jouer et il m'a complètement démonté la dernière fois, mon Simon Belmont à The Real Manji, alors même qu'il connaissait pas bien Smash. Juste une fois, je l'avais bien eu, du coup, parce que j'ai eu la chance de lui spammer et c'est passé, mais... C'est vraiment un perso à spam, hein. Oh, bien, tu m'as eu? Oh la vache! Eh, hey, tu m'as quasi zéro to death, hein. Bien joué. Félicitations, cette victoire, tu la mérites. Allez. Et du coup, pareil, Gleur, du coup, Matt qui a le même avis que Gleur là-dessus. Mais c'est trop bien. Mais vous inquiétez pas, c'est promis, il y aura du viewer battle sur la chaîne dans 2 semaines à peu près, je pense. On va dire entre 1 semaine et 3 semaines, selon l'évolution de la chaîne. Ça va venir très bientôt. Et ça va venir le dimanche, du coup. Le dimanche, ça va être la grosse journée de stream. Actuellement, le dimanche, c'est la journée où je stream le moins. Je fais juste 1h30 de live de Ponce. Mais du coup, le dimanche, ça va devenir des grosses journées, ça va être sympa. Et du coup, ben... Tu changes de perso ou... Bah, The Real Manji m'oblige, malheureusement. Ok, je vais jouer fer, mec. Ah là là, Mat83 c'est le Gleur du sud, et du coup Gleur c'est le Mat83 du nord. Incroyable. Je préviens, ah Gleur, est-ce que vous pouvez ne pas spoil, hein, mais est-ce que ça m'intéresserait de savoir quels sont vos mains sur Smash Ultimate? Ah, tu reprends, ok, bah du coup, bah go. Quand tu veux, hein, vas-y. Non, attends, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est ça qui est beau dans Smash Ultimate? C'est quand on joue les persos cancer. Ah, c'est horrible le fait que ça fasse et réflecteur et absorbeur, absorbation, Il fait l'hélicoptère avec sa chaîne. Ah ok, ça marche. Oui, non, mais non, côté non, non, quand même, attends, ouais, oh. Il y a des limites à la connerie. Didi. Non mais... Moque-toi de mon Simon Belmont si je gagne avec Simon Belmont alors que j'ai perdu contre avec un de mes mains contre ton machin là. Imagine, j'ai perdu avec mon Ganondorf et je gagne avec Simon Belmont. J'y crois pas trop. What the fuck, les gars, quoi? Non mais, ce up smash, enfin ce up B avec 3 frames de latence, il est horrible. C'est le pire up B du jeu, enfin, au contraire, non, du coup, c'est le meilleur, mais... Wow, wow! On va se calmer. Ok. Dommage. J'ai cru que t'allais faire un objet... Ouais, je savais que t'allais anticiper un spam d'objets. Oh, bien, bien! Je viendrai pas jouer si on a besoin de rouler. Attends, c'est-à-dire de rouler. Bah, il y aura forcément du roulement, hein. Je peux pas jouer à peu près 3 heures contre la même personne. Ça paraît logique, il y aura forcément du roulement, mais ce sera du roulement genre 3-4 games à la suite. Ce sera pas genre une game chacun. Ce sera chaque joueur fait à peu près 4-5 parties, et puis du coup ensuite on switch de personnes. On est sur la bonne console, c'est marrant. C'est marrant. Ouais. Ou alors peut-être même que du coup je jouerai peu et que du coup je regarderai surtout les viewers du coup se battre et moi je ferai le commentary des moves et tout. Ça peut aussi se tenter de faire une première partie où j'affronte les viewers et là une deuxième partie où du coup on a plus de roulement et où du coup ça devient un mini tournoi quoi. Et où je commente et du coup ça peut être sympa. Il faut que je vois la formule que je veux adopter pour les tournois de Smash Ultimate, mais comme c'est un truc compliqué, c'est pour ça aussi que je me laisse du temps. Je vais pas le faire à l'improviste aujourd'hui. Genre, quand on me demande aujourd'hui, est-ce que tu veux faire du roulement, enfin, de affronter des joueurs et tout, c'est trop chiant. Il y a tellement de moyens de faire des tournois sur Smash Ultimate que il faut vraiment que je réfléchisse à la façon de le faire. Je veux pas le faire comme ça à l'improviste, ouais, ce serait ouais, pas bon. Tu peux rebondir sur le truc. Ouais, oui. Même sur toi, en fait, je peux rebondir normalement, pas que sur ton bouclier. Ouais, mais ce bouclier, je savais pas ça. Oh. Et moi, je peux rebondir ou pas? Non. Non. Tu as dit, il rebondit en plus. Non, mais on est où, là? Mais on est où, là? Ça va, t'en as pas marre?
Non. Un 2. Moque-toi. Hein. Edwin tape un 6, lui. Eh, hey, 1-2. Ah, du coup, Matt, tu joues Karoul, c'est vrai? Ok. Ah non, ce sera pas quitter l'arène si on perd. Non, ce sera, bah, c'est ce que je viens d'expliquer, Glur, au contraire, largement. Ce sera genre, on fait 4-5, je fais 4-5 games contre la même personne, parce que si j'en fais qu'une seule, le mec il sera pas chaud. Donc je fais 4-5 parties contre la même personne, et ensuite on roule. Mais c'est pas genre une game, et ensuite le mec il part. Non, quand même, pas exagéré. C'est pas bien de faire ça, au contraire, oui. Captain Falcon et Joker, quoi. Ah oui, d'accord, tu, Glur, tu joues vraiment Joker. Oh là là, j'aimerais tellement bien savoir le jouer. Mais en plus, le truc avec Joker, c'est qu'il réveille le goût, quoi. Joker réveille le goût, c'est marrant, ça. Allez. Du coup, il faut qu'on joue à Persona 5. Enfin, il faut que je joue à... Tu m'as démonté mon Belmont, hein. Bref. Ouais, bah après, c'est Belmont, quoi. Ah, et The Real Manji qui mène Kazuya alors qu'il est toujours pas sorti. Je te verrais bien le jouer, Kazuya, du coup, The Real Manji. Mais il faut que t'achètes les DLC. Ah, mais tu les as déjà. T'as déjà le Fighter Pass 2, effectivement. Oh là là. Bon. T'inquiète, on joue en avance. Mais Kazuya, d'ailleurs, il y a une belle annonce du perso le 28. Alors, attention, il y a drama qui arrive parce que j'ai vu Kazuya et j'ai lu Kenza. Moi, j'aime Kazuya. La Kazouillette. C'est marrant, ça. C'est rigolo drôle. Moi, t'as ton nouveau main, la Kazouillette. Bah, let's go, jouer Kazuya, quoi. Bon, il y a un perso que j'aime plus que l'autre, quoi. Genre, Kazuya, il est bien, quoi, Kazuya. Let's go. Ah, The Round Monkey, du coup, qui a parlé avec la personne où il y a son tonton qui travaille chez Nintendo, du coup. Ouais, évidemment, j'ai les contacts. Oh là là, vachement. Ouais, donc, t'inquiète. Ah, en vrai, je dois vraiment jouer des persos que je joue rarement. C'est ce qu'on avait dit. Des persos que je joue rarement. Steve Ness. Non, allez. Quoi? Moi, j'ai envie de te dire que je le ressens vraiment. Tu ressens quoi? C'est... Steve! Allez. Non, mais par contre, t'es vraiment qu'une... On est tous à 7 personnes de Nintendo. Très belle phrase, c'est du vraiment, coup, effectivement. T'es vraiment un fils de Notch, mec. Fils de Notch. Voilà. Voilà. Smash! Pas besoin de faire 4 games d'affilée. Non, oui, si je propose, Glur, ouais, il faudra vraiment que j'explique. Mais ça sert à rien de poser les questions maintenant, il faut que je vois comment j'organise ça, c'est vraiment pas le moment de... Mais effectivement, Glur, quand je dis 4 combats contre la même personne, ce sera 4 combats contre moi, du coup, effectivement. Hein. Parce que entre vous, à mon avis, ce sera du roulement, hein, si je vous fais vous affronter entre vous. Enfin, ce sera du roulement même, d'ailleurs. Mais t'inquiète pas, tout ça, il faut vraiment que je vois avec la communauté qu'est-ce que la communauté préfère. Je pourrais peut-être même faire un vote sur Spropol ou des trucs comme ça. Il faudra que oui, je vois... Oui, c'est 100% commu, quoi. Voilà, 100% commu. Il faudra que je vois typiquement qu'est-ce que... Bah, juste qu'est-ce que les gens favoriseraient comme type de tournoi Smash Bros Ultimate, quoi. Wow, à se calmer, déjà. Mais quoi? Mais je suis nul ou quoi? C'est vrai. Ouais. Moque-toi. C'est ce que tu fais déjà, quoi. T'es moque. T'es 100% arrêtez commu ou quoi? C'est pas gentil de triquiter. Mais je spam pas! Oh le backslash, smash. Backslash! Ça va de spammer? Mais je spam pas! Ouais, t'inquiète. Ah! 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 Oh là là! Avec les voix de Rex et Pyra dans la version anglaise. Moi j'adore les voix anglaises de ce jeu. J'y joue avec les voix jap, mais les voix anglaises sont incroyables. Elles sont dégueulasses. I'm really failing! Moque. Rex and Pyra. Et hey. Ils sont trop bien. Ils ont traduit le jeu déjà, sois content. Allez, let's go. Moi j'apprends le japonais donc ça va. Hein. Ouais, c'est vrai que toi du coup tu fais du jap. Tu fais du shunai du Japon quoi. Le chinois du Japon, c'est quoi ça? C'est la pire phrase. Oh bien. Enfin non mais très bien. Shield. Oui voilà, de toute façon, effectivement, t'as tout à fait raison, The Real Manji. Quoi que je choisisse pour quelle, peu importe la formule que je choisis, même si je fais plusieurs formules différentes pour Smash Ultimate, ça pourra jamais plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui auront des préférences pour l'un ou pour l'autre. Il faut pas que, en vrai, c'est ça. Il faut pas que j'essaye de contenter un maximum de gens. Il faut que j'essaye déjà de contenter moi, de faire un truc qui me plaît, un système de gameplay qui me plaît. Faut que tu fasses comme tu fais d'habitude, quoi. De quoi? De quoi? J'ai pas compris. D'accord, bah yes. Smash.
Let's go. Non mais, t'en as pas marre de spammer? Mais je spamme pas. Je spamme pas. Oh. C'était ridicule ce que j'ai fait. Bon, ça spamme ou quoi? Ah, mais je spamme pas, qu'est-ce que tu fais? Ah si. en plus, t'as vraiment pris Steam en fait, mais tu joues tout le temps en plus ton perso. Oui, ça c'est vrai. Oui, salut, ça c'est vrai. Et ouais, effectivement, Steve, lui, par contre, je peux pas dire que je l'ai pas main. À l'inverse de Sephiroth, Steve, c'est vrai que je le joue beaucoup. Moi, je suis en mode I'm really feeling it, mais c'est tout. Ah bah, moi aussi, je découvre des persos là. Bah, après, j'ai envie de te dire I like a good challenge. Arrête de faire les voix anglaises. Ouais, les voix japonaises. T'as changé le japonais, non? Oh là là, je parle très bien le Japon. Et moi, moi j'adore la langue vietnamienne, c'est si logique. Arrête. Non, pas ça. Ah non, j'ai même plus à boire en plus, j'ai soif. Envie de boire quoi. Il y a tous des ados dans ma ville qui jouent à Smash. Let's go les gars quoi. Mais Smash c'est un très très bon jeu. C'est tellement un jeu typiquement à communauté comme ça où je suis très impatient de le faire avec des gens. Une arène en stream. Ah là là, et ça bonjour, fait plaisir. Couche pour bébé. Ah mais couche pour bébé, mais bien le bonjour, ça fait longtemps que je t'avais plus vu sur un stream, ça fait trop plaisir. Comment il va? Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je t'avais plus vu, ça fait au moins genre une semaine. Et du coup, ouais, t'as loupé beaucoup de follow, toi, du coup, Blue. Effectivement, mais du coup, ouais, couche pour bébé dans le chat. Ah là là, couche pour bébé. Je sais même plus sur quel live tu m'avais découvert couche pour bébé. Il me semble que c'était à live Mario, il me semble, non? Est-ce que tu te souviens? Parce que si c'était sur Mario 64, typiquement, j'en fais tous les vendredis à 14h, donc n'hésite pas à passer un de ces quatre, si tu veux. Et quel perso vais-je jouer? Tiens. Ah, y a vraiment trop de choix. Premier degré, là je viens de prendre Samus, je te le dis, hein, c'est un perso que j'ai pas mal joué, enfin, plus un temps, genre il y a un an. Mais du coup, ça va, Pikachu. Ouais, tu m'avais découvert sur Mario Odyssey, je sais pas si Mario 64 t'intéresse. Du Mario Odyssey, j'en fais tous les mardis, et du Mario 64, du speedrun de Mario 64, j'en fais tous les vendredis, donc n'hésite pas à passer un de ces quatre si tu veux. Ok, ça c'est gagné. Ah oui, c'était même dans le royaume de la cuisine où t'avais découvert ma chaîne. Ok, je me souviens même exactement où j'étais dans Mario 64 quand t'avais découvert la chaîne Twitch et que t'avais follow et tout. Je me souviens, effectivement. Mais du coup, ouais, Samus, là, tant que je la joue, ça me fait penser à un truc. Genre, tu me parlais tout à l'heure du jeu Metroid. Est-ce que t'es hype pour le jeu? Est-ce que tu penses te le prendre ou pas? En vrai, je pense, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais découvrir la série Metroid certainement avec ce Metroid Dread parce qu'il a l'air incroyable. Genre, typiquement, les méchants là qui ressemblent à GLaDOS. À GLaDOS de Portal, bon, c'est incroyable, le design il est trop bien. Et puis franchement du coup Samus elle est très très belle avec l'armure comme ça, on dirait l'armure qu'elle a dans Metroid Fusion, avec des couleurs un peu différentes. D'ailleurs au début tout le monde a cru que c'était un remake de Metroid Fusion. Et donc du coup j'aimerais tellement m'initier à la série Metroid grâce à ce Metroid Dread du coup. Je l'ai même mis, je suis tellement hype pour le jeu qui sort le 8 octobre du coup, que je l'ai déjà mis dans la liste sur Discord des prochains jeux qui seront faits sur la chaîne. Vraiment tellement je suis sûr de me le prendre et de me le faire day one en fait. Genre, premier degré, je suis pas hype par la série Metroid, mais là, du coup, depuis ce jeu-là, j'ai vraiment trop envie, quoi. Si tu le fais, du coup, toi aussi, BlueFR, j'aimerais trop ton avis sur le jeu. Du coup, si on découvre la série en même temps, ça va être trop cool. Ouais, bah, let's go. Eh, oh, wow. Yeah, bon, bah, au revoir, Pikachu. Non, tu peux remonter. Voilà, Pikachu, il est connu pour sa bonne mobilité. Arrête de réellement d'utiliser tes points de chaîne bêtement. Ne me fais pas jouer Samus sans armure. Non mais punaise, je te déteste. Heureusement que Samus sans armure elle est pas dans Metroid Dread quoi, qu'il y aura que Metroid en armure. Voilà, Metroid sans armure. Bon. Eh, t'as vu? Alors du coup ça fait quoi de jouer Metroid Prime 4? Ah oui. Et y a des gens qui ont pas compris aussi, qui se sont dit, attends, ils ont pas sorti Metroid Prime 4 et ils annoncent Metroid 5. Genre les gens ils ont pas compris que Metroid et Metroid Prime c'est pas la même série en fait. Y'a des gens qui ont totalement pas compris à la base. Mais bon bref. Moi j'ai pas compris. Bah c'est connu. Tu peux m'expliquer mec? Bah Metroid c'est les jeux en 2D et Metroid Prime c'est les jeux en 3D, mais je sais que t'as compris. Ah oui, fais gaffe aux attaques suicides. Hey Dalida, elle a joué à Smash ou quoi? Allez mec, c'est pas drôle. Oh si c'est vachement enfin, drôle. Enfin, yes. Enfin, il l'a fait. Super Pikachu. Mange. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur cette arène là, du coup. Je la fais à chaque fois l'anecdote, mais vous voyez le machin qui saute en fond, le machin noir là, le. Comment on appelle ça? La tortue noire, je sais pas si elles ont un nom, enfin elles doivent avoir un nom, mais je sais pas. Allez. Bref, la tortue noire là-bas, du coup, elle a été rajoutée au tout dernier moment dans le niveau, et les développeurs ils étaient même pas au courant. Il me semble même que c'est la femme d'un développeur qui l'a rajoutée au dernier moment dans les fichiers du jeu. Et genre, c'est seulement à la sortie du jeu qu'ils se sont rendus compte qu'on a rajouté un jump comme ça derrière avec un personnage qui saute. Elle est géniale cette anecdote quand même.
Ah allez. Aïe. Ok, mais on peut le placer, c'est énorme. Couche pour bébé qui m'a découvert il y a seulement genre 2 semaines et qui me dit que je suis son streamer préféré, même si malheureusement, à cause de mes horaires, il est toujours au collège quand du coup, quand je fais des streams. Mais je suis désolé pour toi. Effectivement, j'essaye de faire des lives un peu plus longs en ce moment. Je pense que ça se ressent depuis 4-5 jours. Avant, je streamais de 14 à 16 heures. Maintenant, je stream à peu près de 14 à 17 à peu près, donc un peu plus longtemps. Mais du coup, pendant les grandes vacances, j'espère que couche pour bébé qui sera plus dispo. Je l'ai fait de 15 heures. Attends, quoi? Ah, c'est sûr. Non, laisse tomber. Attends, j'ai pas compris. Yes. Ah, bien. Oui, du coup, t'essaies de te lever plus tôt, genre à midi. Non, mais premier degré, tu sais que encore il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, du coup, maintenant je me levais vers 17h. Et maintenant, grâce à la chaîne Twitch, je m'oblige tous les jours à me lever à midi et demi. Genre, premier degré, la chaîne Twitch, elle me fait me recalibrer un petit peu dans un rythme de vie un peu mieux. Genre, entre 17h et midi, c'est mieux midi. Tu reprends un rythme de vie plutôt normal en tant que à midi. Arrête. Mais en vrai, premier degré, on m'a dit que c'était bien que Twitch me force à me. Au lieu de me lever à 14 ou 17h, qu'elle me fasse me lever à midi et demi. C'est très cool. Et du coup, malheureusement, à cause de The Real Manji, je dois malheureusement jouer Samus sans armure. Pourtant, je me suis amusé avec Samus sombre. Samus sombre, incroyable ce perso, hein, par contre, je l'adore. Metroid, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Fusion et Metroid Dread. Voilà, c'est ça la chronologie exacte des Metroid. Enfin, des Metroid 2D en tout cas. J'ai dit que je jouais qui? Metroid sans armure. Samus sans armure. Arrête. Je joue Metroid sans armure. Prime 4. Allez. Je joue Metroid Prime 4. Oh là là. Oh là là, punaise. C'est drôle. Tu connais Tiasma 23? Oui, Tiasma 23, il est passé sur mes lives il y a quelques... Il passait souvent sur mes lives il y a quelques semaines. Il m'avait découvert sur un live Mario Galaxy. Faut que je termine Mario Galaxy bientôt. Oh, c'est rigolo, Gleur, comme il dit. Allez, viens jouer Metroid sans armure. En vrai, prends un perso que tu sais pas jouer du tout, parce que Samus... Faut que j'arrête de dire Metroid. Samus, je ne sais pas la jouer du tout sans armure. Bah c'est trop bien, du coup, que Tiasma 23 et toi, du coup, vous êtes frère et sœur et que... Enfin, vous êtes frère et frère, pardon, voilà. Voilà, vous voulez. C'est bien que vous êtes frère et frère et que du coup, du coup, que vous vous intéressiez à ma chaîne Twitch. C'est trop bien, merci beaucoup. Et du coup, Gleur, est-ce qu'il y a un perso, je voulais te demander tout à l'heure, pardon, j'ai oublié, est-ce qu'il y a un perso sur Smash Ultimate que tu trouves cancer et que t'aimes pas du tout affronter? C'est pas pour le prendre, hein, Gleur. Pardon, la boulette. Mais ouais, non, est-ce qu'il y a un perso sur Smash que t'aimes pas affronter? Ne me sors pas Ness, hein, par contre, parce que là, on va arrêter de se parler. Moi, je fais jouer Splatoon, mec. Ah, bah moi, je joue Metroid sans armure. Allez, let's go. Tu joues Metroid sans Prime. Metroid sans Prime 4. Let's go. Allez. Allez, bah, du coup, ça, c'est Samus avant qu'elle sub à la chaîne. Oh, c'est Samus avant qu'elle soit cancel, avant que Metroid Prime 4 soit cancel et qu'il soit refait 2-0, quoi. Ça fait plaisir. Oh là là. Pauvre Seven qui attend depuis déjà combien, 4 ans Metroid Prime 4, ça fait plaisir. C'est pas le seul, mais je suis trop chaud pour un Metroid Prime 4, quoi. J'ai pas fait les 3 premiers, donc je serais tellement chaud aussi, comme Farod, pour qu'il y ait une trilogie qui sorte, pour que la trilogie soit refaite comme sur Wii. La Nintendo Wii U. Non mais ça va de jouer Metroid là, enfin de jouer Splatoon. Hey, t'es content, Gleur? Ça y est, oh, je joue à Splatoon sur ma chaîne Twitch. Ça y est. Du coup, faut que tu joues uniquement avec l'arme à feu. Hey, mais c'est Splatoon 3 ou quoi? Attends, ils sont beaux les graphismes de Splatoin 3. Oh punaise. Putain, mais j'ai gagné, c'est bon, là je suis en train de gagner. Et du coup, et les couleurs, ça va être rouge contre blanc, mec. Mais tu sais que premier degré, Gleur, il m'a fait une anecdote là-dessus hier, sur Splatoon rouge contre blanc. Je sais pas si t'étais là et j'étais tu l'as là, vu. Ah, tu l'as vu, c'est ça, d'accord. Oh, on peut passer par en dessous, c'est, ah, c'est génial, bah, c'est non? Génial, c'est comme Kirby. Kirby, il devient aussi tout petit quand il s'abaisse comme ça. Tu dégages! Mais non, mais... Piou, piou, piou! Metroid contre Splatoon, quoi. Metroid Prime 5, quoi. Et c'est le meilleur crossover, en fait. Oh, oh, oh la boulette, si je t'enlève une stock déjà, c'est honteux pour moi. Hein. Vu le niveau... Genre, tous les persos du jeu, à peu près, j'arrive à les gérer. À la rigueur, peut-être, du coup, j'avoue que... Genre Duck Hunt et comment il s'appelle le personnage tout plat là, Game & Watch, j'ai un peu du mal même si j'aime bien les jouer. Et par contre Samus c'est vraiment le perso que j'aime pas jouer. Je dis ça parce qu'il est tout plat. Il est tout plat non? Il est tout plat. Ouais, voilà, il est tout plat quoi. Bah il est tout plat sur Twitch. Il est tout plat quoi. Allez je t'enlève une stock au moins. Oui. Oui je t'enlève une stock. Je me suis pas relevé. Je me suis même pas relevé, genre mon personnage il a fait non je reviens. Ah.
C'est vrai, couche pour bébé, du coup, c'est toi qui as fait découvrir ma chaîne Twitch à Tiasma23. Trop bizarre comme phrase, hein. Ah, c'est là, couche pour bébé et tout. Mais du coup, c'est toi qui as fait découvrir ma chaîne à ton frère, du coup, bah, c'est trop bien en fait. Bah, du coup, merci beaucoup, hein. Et oui, couche pour bébé qui a la flemme d'écrire bien. Bon, du coup, Gleur, effectivement, Gleur qui est exactement comme moi là-dessus, même sur plein de choses, en fait, il est exactement comme moi, fan de Nintendo et tout. Gleur qui est très embêtant sur l'orthographe. Tu sais, tu te rappelles quand je t'embêtais sur l'orthographe ou même sur la grammaire à l'oral et tout. Hein, Mathias? Ouais, et toi en plus tu parles mal en plus déjà en français. Moi je parle mal. Tu fais des cours et des fois tu dis tu fais des si qui aiment pas les ré et tout. Oui, c'est vrai. Bah, ça m'arrive aussi de faire des erreurs, mais en général j'essaie de m'en rendre compte. Ou alors des fois je m'en rends compte mais je ne dis rien parce que j'ai pas envie de prouver aux gens que j'ai fait une erreur, quoi. Parce que je suis le meilleur, non? Allez. En plus, t'as l'avantage et tout, et t'arrives pas, c'est génial. Miguel. Wow. Mais mange. Mais arrête. Go. Let's go. Mais arrête de bien jouer contre oui, moi, mec. C'est ce que j'allais dire, arrête de bien jouer, laisse-moi gagner, on est en live. Si tu veux gagner, tu le gagnes hors live. Non mais c'est pas bleu cipo là. Non, en vrai, j'ai aucun regret à perdre. Bon, de toute façon, je pense que on a à peu près tous compris que je vais la perdre celle-là, mais je joue genre Samus sans armure, quoi. Qui est un des meilleurs persos du jeu, mais que je ne sais pas jouer parce qu'il a vraiment un gameplay hors du commun. Il? Bah, le personnage, oui, elle, mais le il dans le personnage. Le personnage a un gameplay hors du commun. Ok. C'est une très bonne attaque, le coup du rouleau compresseur là qui m'a fait. Eh, bien joué, je t'ai même pas enlevé deux stocks. Voilà. Bien joué Splatoon. Yes. Eh hey, mais c'est Splatoon 3 ou quoi? T'as vu, je suis trop bien à Splatoon, mec. Et moi je joue trop bien à Metroid Prime 4. Ah bah non, du coup. Ah là là. Ça pique, mais ça. N'en parlons pas. Du coup, j'en profite pour rappeler que si vous avez des points de chaîne que vous souhaitez utiliser, regardez, du coup, vous cliquez sur la petite pièce de Super Mario Bros 3. En dessous du chat, vous cliquez dessus et vous pouvez acheter une récompense gratuitement, du coup, avec vos pièces. Et du coup, vous pouvez me faire jouer n'importe quel personnage de Smash Ultimate. Là, vous avez la liste. S'il y a un perso que vous voulez me voir jouer, n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne. En attendant, je pense que je vais me sortir un petit donkey. Hey, il y a les deux Matt qui sont dans le chat. Bien le bonjour à Matt83 et du coup à Matt5758 qui est de retour. Souhaitez-vous bien le bonjour, Matt et Matt dans le chat, quoi. Hey, mais en plus, y aurait-il pas BlueFR dans le chat? Du coup, Mathias, comment il va, Mathias? Let's go. Et bien, salut à toutes et à tous. Ah, oh, ça va être trop intéressant. Deux persos lourds comme ça, assez bourrins et tout. Ouais, et tu sais, je vais juste voir la map. Et tu crois que Bowser, il est venu sur cette map en passant avec un sous-marin? Il est venu en passant avec un sous-marin. T'as vu la vidéo de Farod, toi? Toi, t'as vu la vidéo de Farod? Ouais. Elle est incroyable ou pas? Elle est pas incroyable? Est-ce que c'est pas la meilleure vidéo de 2021? Non, la meilleure vidéo de 2021, ça va être celle de Mr. Flesh, le reset system sur Professeur Layton. Non mais tu sais qu'il a vraiment annoncé qu'il allait faire du coup un reset system sur Professeur Layton, et il m'a même dit du coup sur Twitch que ce serait plus axé sur les trois premiers jeux, donc ceux qui ont été les plus joués par les joueurs, donc c'est trop cool. Genre ça va tellement pouvoir démocratiser peut-être un petit peu les Layton, ça va être incroyable. J'espère qu'il parlera du maître du masque dans la vidéo, quoi, de Layton 5 du coup, et le masque des miracles. Par contre, je me fais soulever, quoi, par ton Bowser. Voilà, littéralement, oui. c'est rigodrôle, ça. Hein. Moi aussi, je peux tourner sur moi-même. Hein. Ah, arrête. Ça tue alors que tu es un perso ultra lourd. Ouais, bah toi, t'es lourd, mais pas dans le sens des... Oh là là, c'est drôle de te moquer, vas-y. Pas de la moquerie, c'est la vérité. C'est ça que t'aurais dû dire. Mais quoi? Mais ton perso, mais il est fumax! Attends, ce thème, il est pas dans Dragon Quest 11S? Je sais pas si t'as la musique, mais... J'ai pas du non, j'ai pas la musique. Ouais, okay. Non, moi, je suis obligé de jouer sans musique. Ouais, parce que sinon, parce que sinon on l'entend en reverb sur Twitch. Merci, du coup, de te couper du jeu pour nous. Si je perds le match-là, je voudrais trop en refaire un contre ton Bowser, parce que je comprends pas comment ça se fait que je t'ai pas genre enlevé une seule stock. Bien joué, bien joué. Le backer qui fait extrêmement mal de Bowser, on le connaît, c'est comme celui de NES. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est Godzilla contre King Kong, mais c'est exactement ça en vrai. Est-ce que ça te dérangerait pas de reprendre un coup ton Bowser, qu'on se refasse un petit coup le match?
Bah, j'ai joué Bossware. Bossware, l'effroyable Bossware. D'ailleurs, je comprends pas qu'en personnage Echo ou même juste en costume Mi, ils aient pas mis Bowser noir de Professeur Layton. Bowser noir de Mario et Luigi voyagent au centre de Bowser. C'est tellement le plus beau des Bowser de toute la série, de toutes les formes alternatives de Bowser. Le Bowser noir comme ça en tout violet et tout, il est magnifique. Ils auraient dû mettre, le Bowser de Bowser Fury. Ah non, du coup, bah non. Mais en vrai, il y a plein de persos comme ça où ils auraient pu faire des persos Echo ou des costumes alternatifs, comme ils ont fait pour Olimar et le... Comment il s'appelle l'autre? C'est Louis, il me semble. Olimar et Louis, il me semble. Comment ça se fait qu'ils ont pas fait genre Bowser et Bowser noir? Louis, c'est le mec dans le 2. Ah c'est oui. C'est Alf. Ouais, c'est Alf, d'accord, ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, je me suis fait 3 stocks, je me suis fait exactement 3 stocks par son Bowser. À mon avis, c'est parce que j'ai pas assez joué avec le Forward B. Il faut que je l'utilise un peu plus. Mais Donkey Kong, c'est un perso. Oh, mais il y a la roulette de Donkey Kong que j'ai quasiment pas utilisée alors que c'est une de ses meilleures attaques. Je suis trop con, mais oui. Normal que j'ai perdu. Les deux meilleures attaques de Donkey Kong, je les ai pas bien utilisées. Ok, ce match-là, je vais essayer de peut-être le gagner. En me souvenant de ces deux petites attaques-là. J'ai essayé de le gagner. Meurs. Non, mais. Eh, ça arrive, hein. Tout le monde peut se faire enlever des stocks bêtement comme ça. Surtout moi. Oh, je pensais que t'allais faire un. Down B. Oh punaise. Oh punaise. Je me fais ridiculiser. Il faut que je retourne la situation maintenant. Ok. Ah ça marche pas le haut. Ah dommage. Ah. Eh et il est rentré dans le château de Peach avec un sous-marin ou quoi? Mais mec, tu vois, mec en plus la map. Bah c'est la map, bah c'est pour ça que je dis ça. C'est, tu sais que l'entrée premier degré, l'entrée du coup elle est juste bah, là où t'es parti en fait, dans la cascade là. Donc c'est incroyable. Mais la vidéo de Farod elle est tellement incroyable, je l'adore quoi. Et tu sais que premier degré j'avais jamais fait gaffe parce que du coup le sous-marin effectivement il venait de... Bah que c'était le sous-marin de Bowser et que... Bah si ça je le savais mais qu'il venait de... du château de Peach et tout. Que c'est comme ça que Bowser il est rentré dans le château de Peach. Je savais même pas qu'il y avait une histoire cachée comme ça un peu du jeu. Alors pourtant je m'y connais bien en Mario 64 mais pourtant... Oh bien joué, ça tue ? Ça tue. J'ai pas vu mon pourcentage. On a eu un final ouais. Avec un OmniFan de Bowser. Oh punaise, ah oui non mais arrête. Ma Bowser qui est occupé quoi. Et du coup The Real Mandy qui a raison, Bowser tout à l'heure quand il est rentré dans le château il a fait un Akitu skip quoi, il est passé direct dans le château hein. Incroyable. Voilà. Oh, couche pour bébé qui veut me faire jouer Peach quoi. Bah du coup let's go, je vais jouer Peach pour vous Peach. Les gars. Peach d'or rose. Allez. D'or rose. Choisissez un combattant. Le side B. Ah merde, j'ai dit forward B. Side B. Oui ouais, pardon, je confonds avec le forward. Oui bon. Effectivement, pardon. Mais je dis souvent forward B, mais techniquement, c'est pas faux de dire forward B. C'est vrai que c'est très peu utilisé de la Commu Smash. Tout le monde dit side B parce que du coup, c'est la même attaque que tu le fasses en avant ou en arrière. Effectivement. T'as pas tort de me corriger là-dessus. Sephiroth, non. Déjà joué. Allez. Ouais, on dit forward B plutôt. Doucement, d'accord. Oh non, je devais jouer Peach, mais oui, je devais jouer Peach, je suis trop bête. Ah oui, pourquoi tu... Ah ouais, parce que j'ai vu Bayless et je me suis dit, tiens, il est tellement BG et tout, j'ai envie de le jouer, quoi. Ouais, d'accord. Mais non, mais en vrai, premier degré, genre, Bayless, je le trouve incroyable. Dans Smash, il a tout à fait sa place, même s'il a été énormément critiqué. Bah, j'ai tellement adoré... Oui, largement. Ah oui, mais il est trop bien. Il a été critiqué, mais il est trop trop bien. Si tous les persos, si on n'avait pas eu genre Chrome, Roy, Lucina oui. Et Marth qui avaient le même gameplay, ouais. En vrai, même s'ils étaient là, mais qui avaient eu un gameplay aussi ingénieux que Bayless, c'était let's go les gars, quoi. Oh, la map de Metal Gear Solid. Eh, mais... c'est la map de Snake ou quoi? Ah, du coup, oui. Mais genre, si je joue Snake, est-ce qu'on peut dire, ah tiens, je joue Metal Gear Solid? Pardon. Allez. Let's go. Mais je suis mauvais avec Peach. Oh, quoique, fut un temps, j'avais essayé de la main. Genre, pendant toute une journée, j'avais joué que avec. C'était contre Ryo, d'ailleurs. Genre, vraiment, il y a... Bah, c'était en mois d'août dernier, j'avais essayé de main plein de persos. Et des fois, je te sortais de ces combos-là. Mais j'ai tout oublié, hein, depuis... Genre, ça remonte il y a quasi un an, du coup. Ah, il fout de la gueule, Todd, ou quoi? Oh. Oh vache, Toad! Oh, tu viens de te réveiller ou quoi? T'as fait une sieste de 8 mois! Oh vache! Non mais ça va de grab! Mais on est où là? On a fait la même attaque, on est trop connecté en fait. Ça c'était sûr, les grabs. Ah, tu fais de la gueule, Toad! Pardon, j'adore, ça y est, je ne vois plus que ça. Je vois de la fumée verte qui sort de la bouche de Toad. Je ne vois que ça.
D'ailleurs, depuis quand Todd il est capable de faire des sports toxiques comme ça? Bah, c'est un champignon. Oui, mais depuis quand? Excusez-moi, depuis quand il est capable de le faire? Dans aucun jeu Mario, on l'a vu, personne, il me semble. Oh, ça, c'est toi qui... ça, c'est toi qui le dis, mais. Bah, dans aucun jeu Mario, on l'a vu jeter des sports comme ça. Je sais! Non, dommage. Non. Oh, dommage! Dans aucun jeu Mario, on l'a vu jeter des sports, par contre, dans les Mario Sports, il est toujours là, quoi. D'ailleurs, Mario Golf, on en parle de Mario Golf, est-ce que tu vas te le prendre? Oui! Mais je sais pas, en fait j'attendais de voir si toi tu l'allais le prendre ou pas. Bah du coup, j'attendais de voir si t'allais le prendre ou pas. Bah du coup, en vrai pour la chaîne Twitch, ça pourrait être sympa de se faire une soirée Mario Golf. Genre une soirée je découvre le jeu et une soirée on joue tous les deux. Ça pourrait me faire deux petits lives le Mario Golf en vrai, non? Bah est-ce qu'il y a d'autres gens de qui veulent... Bah Ryo je pense pas, c'est pas son truc les jeux sport Mario, faudrait que je lui demande. Donc du coup je verrai, je demanderai aux gens. Mais en tout cas, moi en tout cas je pense le prendre même si tu le prends pas. Mais je pense le prendre au moins pour faire deux, trois, enfin un ou deux tests sur la chaîne Twitch, ça pourrait être super sympa. Le gameplay n'est pas très beau de mon côté, hein, vous me pardonnerez, mais bon, en même temps, un peu avec tous mes persos, il est pas très beau le gameplay. Bien, bien joué. Tu sais que par contre, je te le dis pas, mais tu commences à grab de plus en plus et tu le fais bien hein, à chaque fois. Ouais, mais après là, c'est un perso qui fait de très bonnes grabs aussi. C'est un perso qui a de très bons grabs, comme Lucina. Ah oui, il y a cette attaque aussi là. Oh, wow. Tout le monde se calme là-bas. Oh. Tout le monde debout là-bas. Non. Princess Peach contre Bossware. C'est contre Bossware. Hey, I am Daisy. Oh, Daisy qui sera d'ailleurs dans Mario Golf. Incroyable. Oui, il y a même Pauline aussi. Attends, ah, il y aura Pauline. Ah oui, mais oui, elle avait été montrée sur les images le 3, ça m'avait choqué, mais je crois que je l'ai même pas, j'avais même pas réagi à ça, mais oui. Je suis où? Ah oui, d'accord, c'est vrai. Oui, elle peut planer. C'est le seul perso du jeu qui peut planer. Je peux faire ça aussi. C'est le seul perso du jeu qui peut planer, enfin, même pas planer, mais reste faire du surplace. Les autres persos qui planent, c'est quoi? Dracofeu, il peut plus, il pouvait, il me semble, sur Wii. Il y a quel perso qui peut planer maintenant? Bah Steve, je crois que Steve c'est le seul. Steve, non mais Tanaï, je crois même pas qu'il puisse encore. Ah, il peut à l'époque. Ah oui, à l'époque, oui. Mais maintenant, c'est Steve le seul qui peut. Il était le meilleur perso. Oui, évidemment, sur Brawl, incroyable, quoi. Eh, qui va gagner ce match? En vrai, il est serré. Il est pas dantesque, hein. Il est pas incroyable, mais il est serré. Le commissaire, mec. La blague du commissaire. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la blague du commissaire, d'ailleurs? Tu me l'as rappelé, la blague du commissaire. Faudrait que je vous la raconte hors live, la blague du commissaire sur Discord, tout à l'heure, après le live, let's go faire la blague du commissaire sur Discord, quoi. Ce sera plus Discord friendly que Twitch friendly. Oh, attends, bien. Tu fais du not safe for work. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bah, pas safe pour ton boulot. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ah oui, juste la traduction, en fait, il faut juste dans un principe de traduction. Ouais, mais moi je parle mal le japonais, j'ai jamais fait de cours de japonais. Tu parles japonais, mec. Évidemment. Oh, c'était un des meilleurs navets qui pouvait sortir du sol. Je crois que le meilleur c'est celui avec les croix sur les yeux. Oh bah je crois que c'est celui-là. Oh bah t'as loupé le meilleur navet. Ah mais elle l'a pas lancé, mais quelle conne. Ah Gleur, est-ce que par exemple toi, ou même les gens dans le chat, est-ce que vous pensez vous prendre Mario Golf? Est-ce que ça vous intéresse? Parce que peut-être que du coup, si vous le prenez pas justement, moi ça m'obligerait peut-être à le prendre, comme ça au moins vous le découvrez sur ma chaîne Twitch grâce à moi. Oh. Comme ça, ouais, il y a une très faible probabilité de sortir un monsieur, je sais plus comment il s'appelle, et ça il casse les boucliers one shot. Il one shot les boucliers, monsieur. Sérieux? Ah oui, il one shot les boucliers. Il s'appelle comment? Je ne sais plus, il vient de la série Earthbound monsieur avec Saturne. Ness. Monsieur Saturne, voilà. C'est pour ça que je le connais pas, allez, coup de cul. Oh, bien joué, en tout cas, tu joues bien, enfin, tu joues bien. On découvrait le perso, mais tu la joues plutôt avec pas la mal. Bouche cousue. Ah oui, ok. Ouais, c'est celui avec la bouche cousue le meilleur, c'est ça. La bouche cousue et la croix sur les yeux, c'est celui-là. Motus et bouche cousue, quoi. Motus. 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 Lolololotus. Il faut brasser les boules, monsieur. Madame. Ah là là, incroyable. Très bonne ref. Du coup, maintenant, bah, plus personne ne demande de jouer de perso. Ah si, Matt qui m'a demandé de jouer Steve. Oh, Matt, t'es le best. Je voulais jouer Steve. Enfin, je voulais, mais j'allais pas le jouer parce que je sais que Mathias, du coup, il aurait pas voulu. Merci le chat de me forcer à jouer Steve. Ah, n'hésitez pas à sub à la chaîne. Alors, effectivement, sur Almanji, side et forward, c'est pareil, mais sur l'attaque avec B. Parce que dans les airs, par exemple, ou au sol, sur certaines attaques, on différencie forward de back ou de side. Side et forward, voilà, oui. Side, c'est sur le côté. C'est ça. Forward, c'est en avant. C'est et ça. Back, voilà. Back, c'est derrière. C'est ça.
Alors, on a eu le bac. Moi, je m'en fous, j'ai eu le bac. Allez, entraîneuse Wii Fit. En général, on l'utilise jamais l'attaque de volée ici, on l'utilise jamais avec son inclinaison de base. On jette toujours la balle dans les airs et ensuite on fait une autre attaque pour changer l'angle d'attaque de la balle et augmenter sa puissance. Mais bon. C'est de la balle, mec. Tu sais que l'attaque là, de l'entraîneuse Wii Fit, il me semble que c'est considéré comme l'attaque la plus compliquée du jeu à maîtriser. Tellement il y a d'inclinaisons, il me semble qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'inclinaisons possibles selon les attaques et le moment, le timing et tout. C'est une attaque incroyablement dure à maîtriser, l'attaque de volée de l'entraîneuse Wii Fit. Et c'est hyper intéressant du coup parce que je pensais pas que le perso était aussi complet que ça. C'est vraiment Smash Ultimate, c'est vraiment le jeu où n'importe quel perso, même les plus... pas random, mais les moins intéressants, ils ont réussi à trouver un gameplay fou, oh, genre... Tu dis que... tout ça parce que c'est une entreprise Wii Fit, tu dis ça? Non, mais parce que c'est pas un perso... on va dire c'est pas un perso qui a fait vendre des... Bon, quoi, en fait, si, ça a fait vendre des Wii par milliers, effectivement, Wii Fit, mais bah bon... Bah oui... Yes. Vous dites ça parce que je suis Wii Fit Trainer? Oh, Wii Fit Trainer. Allez. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il là? Mais c'est génial ici en fait! Je m'en étais pas rendu compte mais. Oh! Ah, et du coup, Matt qui a jamais trop aimé les jeux de golf, bah moi en fait, le seul jeu de golf que j'ai bien aimé, et le seul auquel j'ai joué, bah c'est le sport golf sur Wii Sport quoi, c'est tout. Mais du coup, c'est pour ça que, vu que j'ai jamais joué à Mario Golf, même si je sais que c'était un peu des jeux de niche et qu'à chaque fois ils font pas trop de ventes, mais que les gens qui y jouent, ils aiment beaucoup le jeu, bah du coup, justement, c'est pour ça que je pense à 90% sûr me prendre Mario Golf du coup, et puis vous le faire sur la chaîne Twitch, il me sort dans une ou deux semaines. Donc je prends rendez-vous, on se le fait ensemble. J'espère que ça vous intéressera un petit live sur Mario Golf. Si Gleur et tout le monde est là, ça pourrait être super cool, bonne ambiance et tout. Bon, à mon avis, on va bien rigoler, c'est le genre de jeu de détente et tout, bonne ambiance. Wow! Mec, il met juste un bloc de sable et qui d'ailleurs ne tombe pas. Ouais, à l'inverse du jeu originel. Eh, remboursé, hein. Franchement, Sakurai, il a fait du mauvais travail avec Steve. Franchement, Sakurai, il sait pas faire des jeux, il faudrait qu'il arrête. Oh là là, surtout que c'est pas comme s'ils avaient mis 6 ans à choisir le moveset de Steve, tellement il y avait de possibilités et tout. Ah là, la pire insulte pour le pauvre Sakurai qui a rien demandé à personne. Oh, oh, bien joué le backer. J'ai oublié que j'avais cette attaque là aussi. Le perso préféré de ta maman, du coup, M83. Ouais, toutes les daronnes, comme ils disent les jeunes. Toutes les daronnes, forcément, ils aiment bien Smash. Ils aiment bien Smash. Ils aiment bien l'entraîneuse Wii Fit. À mon avis, il y a beaucoup de mamans, effectivement, qui ont beaucoup joué au jeu Wii Fit, justement. Ah oui, pour faire du step. Du step, c'est quoi? Ah, yes. Montez, descendez. Montez, descendez. Oh, ça tue? Non, ça tue pas. Ça tue? Yes. Ah, bien joué. Je m'y attendais pas à ce que ça tue. J'ai pris un risque et c'est pas passé. Souvenir de Wii Sport, effectivement. Entraîneuse Wii Fit. Incroyable. Je devrais faire la voix officielle. Du coup, Minecraft, c'est pas, il est pas aussi doué, enfin pas aussi bon que Wii Fit. Minecraft. T'appelles vraiment le perso Minecraft? Est-ce qu'on va vraiment faire ça, la blague, jusqu'à la fin des temps, pour toujours? Elle est quoi cette blague? C'est ça qu'on appelle un running gag. Bah oui, allez, bah let's go running gag quoi. Justement, vu que j'ai acheté le jeu Animal Crossing, je vais essayer de prendre Animal Crossing pour voir si je sais le jouer. Ah ouais, ah attends mec, ouais, c'est trop bien, Animal Crossing. Tu prends Animal Crossing aussi? Ah, on va prendre les mêmes persos. Bah si tu prends Animal Crossing, je vais essayer de prendre... Faut que tu viennes sur mon île par contre, mec. Mais je viendrai sur ton île, parce que justement hier, j'ai rejoué au jeu tout seul. Ouais, j'ai vu, j'ai failli t'envoyer un message. Et ah bah, je t'ai vu aussi, et j'ai failli t'envoyer un message aussi. Et du coup, ouais, j'ai débloqué l'option d'aller sur d'autres îles et tout. Je pense que je vais prendre Zelda. En vrai, Zelda, j'aime bien la jouer. Ah. Bon allez, je prends Zelda parce que ses attaques sont cool. Allez, d'accord, si tu changes comme ça... Allez, j'ai pris Zelda, ça y est. Ok... Bon, Est-ce que je me débrouille bien avec Minecraft, Gleur qui me demande? Bon, bah, en vrai, d'habitude, je suis plutôt fort avec Steve, mais aujourd'hui, j'ai pas... Bon, on va dire que j'ai pas été bien foufou, hein. Ah, sur ton île, à toi aussi, The Real Manji, c'est vrai que toi aussi, t'as du coup Animal Crossing. Moi, je suis nul en déco design. Si j'ai acheté Animal Crossing, c'est juste pour les premières heures, parce que du coup, je sais que je vais pas faire une grande ville. C'est juste pour débloquer le musée, faire de la pêche, faire de la chasse, et c'est tout. Je sais typiquement que je vais pas faire une maison. Si ça se trouve, je vais même garder la tente. Je vais, à mon avis, je vais juste vraiment faire la base. Je vais juste faire le musée et laisser le jeu. T'es obligé d'avoir la première maison quand même. T'es obligé de plus avoir la tente. Bah, si je rembourse pas mes dettes.
Oula. Peut-être pas à dire ça sur Twitch, Loïc. Non. Si je le... Tiens, je joue Zelda. T'as vu, je joue Zelda. Moi, je joue Zob. Ah non, non. Toi, tu joues NES. Enfin, tu joues le personnage qu'il y avait sur NES, là. NES, N-E-S, hein. Pas de Z. Je joue la NES. Let's go. Hé, hey, NES, il est cancer. Tu joues NES, là. Est-ce que je fais bien la musique avec la bouche? Non. Non. Il me lance à Beyblade. Non. Beyblade. Ah non, dommage. Hyper vitesse. Il pouvait pas spammer les attaques smash, il me semble, Link. Ah si, d'accord, on peut spammer les attaques smash, c'est bien ce que je me disais, mais il faut appuyer deux fois. Mais arrête de spammer. Mais je spamme pas. Mais je spamme pas. Ah là là, c'est marrant toutes ces vieilles rêves. Moi je trouve pas ça drôle. Tu reviendras pas, hein, je te spoil. Bah, y'a pas une strat pour remonter, j'étais en train de la faire. Si, mais elle est compliquée, et en plus de ça, il a été bien nerf comparé à Smash 4. Rob, il peut beaucoup moins remonter que dans Smash 4. Oh, bien. Ah. Ah ouais. Du coup, Zelda, la légende de Zelda, elle a été nerf aussi. La légende de Zelda, elle a pas duré longtemps, quoi. Hein. C'est, voilà, c'est l'histoire de Zelda Link qui se réveille et puis il tombe dans la farce au tout début du jeu. Il est mort. Alors, c'est Link qui se réveille dans le sanctuaire de la Renaissance et il est mort. Ça fait plaisir. Et il se noie dans l'eau du sanctuaire de la Renaissance. Oh le con. Oh le pauvre. C'est marrant. Pourquoi t'arrives pas à mettre le prochain perso, Matt? Il me semble peut-être que j'ai limité le choix du prochain perso. Genre, on peut le faire, il me semble, que 3 ou 5 fois par live. C'est peut-être pour ça. Il faudrait que du coup, à chaque fois que je fais un live smash, faut être dans les premiers à me proposer un perso. Parce qu'il me semble du coup que je l'ai limité à 5 fois le choix du perso. Pour pas que du coup, à chaque game, on me fasse changer de perso. Pour que ce soit genre de temps en temps pour bien rigoler avec des persos nuls, genre Samus sans armure. Là, je vais me faire des ennemis évidemment. En vrai, Samus sans armure, premier degré, c'est un bon perso. En même temps, c'est normal, il est trop dans la tier list. Mais c'est juste moi qui sais pas le jouer. Là, je suis putain de jeu. Juste parce que tu veux que les gens viennent voir ton let's play sur Metroid Dread. Metroid Dread. Qui arrive bientôt sur la chaîne. Ah, attends quoi? T'as pu encore proposer un nouveau perso, Manji? Bah je croyais avoir limité le truc. Bah du coup, Shake. Ah, Shake, c'est pas un perso que... Bah c'est en fait le même problème qu'avec Samus sans armure. Oh, bien joué. Putain, j'ai battu Link avec Zob. Rob. Et ouais, du coup, Shake, c'est le même problème que Samus sans armure. Pour moi, c'est des persos rapides qui ont pas de kill move vraiment défini. Donc du coup, c'est vraiment des persos à combo que j'ai du mal à jouer. Mais je vais jouer Shake. Shake ou le perso, ou même si tu fais un combo de 50 coups, le perso est à 40%. Ouais, c'est exactement ça. C'est des persos vraiment très rapides, mais malheureusement, bon. Très rapide, mais ils ont eu des problèmes, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, il est pas mal, Rob. J'ai pas vu le message de Leugler, il est incroyable. C'est plus la légende de Zelda, c'est l'épopée de Zeldouille. Incroyable. J'adore ce message. L'épopée de Zeldouille, c'est le meilleur pseudo du monde. Go faire un fangame troll, l'épopée de Zeldouille. Bref. Moi, je connais un fangame. It sure is boring out here. Voilà. Moi je connais un fangame, seul Link peut vaincre Ganon. Ah non, c'est pas un fangame. Oups, oh la boulette. Allez. Seul Link peut vaincre Ganon. Squalala, nous sommes partis. Squalala, nous sommes partis. Et du coup, Gleur, essaye peut-être que pour voir du coup. Ah, t'as joué Animal Crossing. Bah, moi je joue Zelda. Du coup, mais Gleur. Mais toi, du coup, tu joues les Sheikah. Ah, je joue les Sheikah là. Let's go. Avec la tablette Shaker. Et du coup, Gleur, essaye de voir si tu peux me faire jouer à un perso, genre si tu utilises les 500 points. Parce que du coup, Matt, il me dit qu'il peut pas. Alors que The Real Manji, il peut. Est-ce que c'est parce qu'il est modo qu'il peut? Alors, c'est trop bizarre. Parce que normalement, même pour les modos, c'est limité quand même l'achat des récompenses de live. Eh, mais on est sur Super Mario 64 ou quoi là? Et du coup, tu vas dire qu'il y a un village. Ah, il y a un village, mais il est pas dans la version d'origine. Eh, t'as tout retenu de la vidéo, c'est bien. Tu vois que t'as une bonne mémoire. C'est juste le boss. Je retiens toutes les anecdotes comme ça, c'est trop bien. Waouh. Oh dommage. Et bien. Oh, il est pas mal. Et bien, salut à tous. Salut à tous, bande de gars. Le mec il débarque dans ta vie comme ça, il toque à ta porte. Et bien, n'hésitez pas à se battre à la chaîne. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu nous en as pas fait un en live là. Un petit n'hésitez pas à... Voilà quoi. À toi, c'est ta phrase là. Je l'ai fait, mais tu l'as pas entendu. Ah, c'est vrai? Ah, yes. Bon bah, du coup, bah, n'hésitez pas à se battre à la chaîne quand même.
Wow, mais c'est génial ici. Par contre, à 122%, j'arrive pas à t'éjecter, quoi. Bah mec, tu joues Shake ou quoi? Oh non. Mais tu sais que en vrai, j'aime bien le gameplay. Genre, je m'en étais pas rendu compte, mais là, pour l'instant, le gameplay, il me plaît plutôt bien. Et bien joué pour les grabs que tu m'as fait de plus en plus, tu t'améliores bien sur le jeu. On voit très nettement, il y a une amélioration. Genre, si on voit les anciens Live Smash où tu faisais aucun grab, j'ai même l'impression que tu me bats bien plus depuis que tu fais des grabs de temps en temps pour me monter mes pourcents et tout, donc c'est cool. Franchement, d'habitude, je t'embête un peu, je te dis, hey, t'es nul et tout, mais là, franchement, premier degré, je te dis plutôt pas mal ce que tu nous fais là. Ouais. Et oui, du coup, derrière, il y a Double Rainbow. Le premier emote que t'as mis, enfin, la première emoji que t'as mis, Lagler, il est incroyable. C'est mon préféré des deux. Effectivement, cet emote-là, il est très utilisé sur Twitch. Oh là là. Double Rainbow. C'est pas une vieille ref à YouTube, ça? C'est le genre l'un des tout premiers memes qui a existé au monde. Wow. Oh, je veux... Mais non, mais je veux pas faire ça. Mais putain. T'as manette qui a des soucis ou quoi? Bah, mais je veux juste... Attends, calme-toi, je veux juste faire... Ça, voilà, putain, je vais donner un coup de parapluie. Ah, un tilt. Un forward tilt, du coup. Un F-tilt. Un F-tilt. Eh, t'as tilté ou quoi? J'ai pas compris. Bah pas parce que c'est une ref à un très vieux mot que plus personne n'utilise. Bah je sais, je suis pas bête. Ah bon? Hein? Toujours spammer le bouton. Mais je spamme pas. Arrête de spammer, mec. Mais je spamme pas. Wow, quoi? Mais c'est quoi ce perso? Mais il pue la fromage breton. Qu'est-ce que t'as contre le fromage breton, mec? Mais c'est très bon le fromage breton. C'est juste qu'il sent fort le coulommier, quoi. Ça sent le minster, quoi. Ça sort la concoyote. Ça sent la concoyote, plutôt. Est-ce que je peux le dire que je m'amuse bien avec toi, là, et que du coup, je vois pas le temps passer? Je sais même pas, je suis à combien d'heures de live? Là, c'est... Franchement, mais je le prends mal, t'es sympa avec moi, c'est bizarre. Tu sais combien de degrés, je m'en rends pas compte, mais depuis quelques semaines, on me dit que je deviens sympa avec tout le monde. Tu sais, avant, je faisais des petites blagues et tout, mais maintenant, je deviens hyper sympa, quoi. C'est cool, non? Je trouve ça agréable d'être sympa, finalement. Finalement. Finalement, bon. Bah si, finalement, c'est mieux pour toi, écoute. Oh là là. Espèce de mince. Je t'aurais pas conseillé, mais bon... Moi, je t'aurais conseillé d'être hyper méchant, violent et tout. Oh non. Ouais, quand c'est un petit ami et tout, c'est trop bien. Comme toi, quoi. Allez. Donc là, du coup, je joue Shake. Ah, bon bah... Ouais, bah tu disais que t'allais changer, moi, je trouve que t'as pas changé, au final. Oh là là. Fallait bien que je la fasse une fois. Et c'est quoi cette attaque? Elle sert à rien! Elle met 2%, elle fait rien cette attaque! Non! Non! Avec la hache! Mais attends, même pas avec la hache! Tu m'as pas touché, la hitbox elle est vraiment beaucoup trop craquée là! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal! Oh là là, bien joué! Ouais, c'est la hache, je sais, mais la hitbox était incroyable! Genre sur l'animation, on voyait pas que c'était la hache quoi! Punaise! Non mais juste GG! Oula, allô? Ouais, je suis là! Ok, d'accord, il y a eu un bruit étrange de ton côté! Oui, c'est normal. Vu qu'il fait chaud, je vais juste mettre un peu d'eau, donc je reviens. Vas-y, donc, immédiatement. N'hésite pas à remercier, être gentil avec les gens qui ont... Bah, par exemple, je peux dire merci. Regarde, on voit toujours que The Real Manji, on voit, si vous regardez en haut de votre écran, il y a The Real Manji qui a resub pour son deuxième mois. Ça fait trop plaisir, ça aide beaucoup la chaîne, du coup. Merci beaucoup à lui. Il est sympa, The Real Manji. Allez, je reviens. Vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je vais jouer. En vrai, dans le chat, j'hésite entre le dresseur de Pokémon. Parce que ça fait longtemps que j'aimerais bien le main un peu plus, et j'hésite du coup aussi avec Harmony et Luma. Elle est où? Elle est là. Harmony et Luma, les deux, c'est des persos où on doit contrôler plusieurs persos en même temps. Enfin, pas réellement, c'est plus le cas d'Harmony et Luma, mais bon, vous m'avez compris. Vous me conseillez de jouer qui? À l'unanimité, faut que vous me disiez, j'ai un doute, bref. Dites-moi, dresseur de Pokémon ou Harmony et Luma? Lequel je joue? Et Niniste qui est parti sans dire au revoir, mais y a pas de souci. Encore une fois, elle est occupée. Et ça devient une grosse streameuse, enfin une streameuse imposante, enfin comment dire, oh là, non, ça devient une streameuse qui grandit sur Twitch, voilà. Donc du coup, elle a peut-être aussi moins le temps, elle doit s'occuper aussi de plus de choses. Et du coup, The Real Manji qui part dans le sud fin juillet, bah alors faudra qu'on se fasse des lives avant. D'ailleurs, The Real Manji, comme tu m'as dit du coup, vu que tu peux pas trop la semaine prochaine, je décale le live, la soirée live Mario Kart à après, donc du coup la semaine après, donc dans 2 semaines en gros.
attrapez-les tous. Glur, du coup, Glur, The Real Manji et tout, vous voulez que je joue dresseur de Pokémon ou Harmony et Luma? Pour l'instant, du coup, Matt me dit dresseur de Pokémon. Est-ce que vous avez un avis différent? De toute façon, je pense jouer les deux à la suite, mais bon. On en profite du coup du fait que Blue soit pas là pour que vous pouviez me donner, pour que vous puissiez, pardon, me donner votre avis. Et d'ailleurs, si vous avez des choses à me dire et tout, bah profitez-en, c'est le moment, quoi. Harmony et Luma, ok. Donc pour l'instant, il y a 1-1. Glur, ton avis va décider. Tu veux que je joue Dresseur ou Harmony? Il y a 1-1, donc à toi de choisir, quoi. Sephiroth, obligé, Sephiroth, bon, Joker et Banjo-Kazooie, et je vais les rejouer avant la fin du live. Je prends tellement de plaisir à les jouer. Banjo-Kazooie, beaucoup. C'est un peu une sorte de Donkey Kong, mais en mieux, je trouve. Il a des attaques de gros bourrin, mais aussi des attaques de à distance, et c'est trop cool. Glur qui veut que je joue F-Zero. Je joue F-Zero? Bon, bah du coup, Glur qui a gagné. J'avais oublié l'existence de Captain Falcon. Effectivement, très bon perso. Premier degré, tu viens de me rappeler qu'il y avait Falcon dans le jeu, donc je joue Falcon et re du coup à Blue FR. Ah oui, du coup tu joues F-Zero, mec. Ouais, je joue F-Zero, c'est exactement ça. Moi, bah justement, on va lancer un nouveau sujet parce que je joue Persona. Oh punaise, ça y est, tu lances le sujet. Bah comme je disais dans mon live tout à l'heure, il y avait peut-être moins de gens, donc je vais le redire, mais j'ai envie de me faire Persona 5 Strikers, vu que c'est un Musso et que j'ai quasiment fini du coup Hyrule Warriors, même s'il me reste des DLC à faire. Et pour me faire du coup... Persona 5 Strikers, on m'a dit de faire Persona 5 Royal, et pour me faire Persona 5 Royal, tout le monde me conseille de ne pas acheter une PS4, ça servirait à rien, autant me prendre la PS5. Donc du coup, le fait de vouloir jouer à Persona 5 Strikers, au final ça va me revenir à quasi 700€ quoi. Parce qu'il va falloir que j'achète deux jeux plus une PS5, ça fait plaisir. Et donc du coup, bah, toi tu avais joué du coup à Royal ou à celui de base? Alors, faut que j'apprenne à jouer en parlant, enfin pas parler et jouer en même temps. Bah du coup, va bien falloir quoi, en live. J'ai galéré ma première phrase, ça va finir. Mais non, t'inquiète, tu vas avoir l'habitude. Alors, du coup, t'as joué à Persona 5 Strikers, c'est compliqué hein, c'est pour ça aussi peut-être que je perds un peu plus. Mais bon, du coup vas-y, dis-moi donc, t'as joué à Persona 5 Royal ou à la version de base qui était sur PS4? En fait, moi j'ai découvert la série avec Persona 5. Ouais, bah moi c'est pareil du coup. Le normal, donc du coup bah, je l'avais acheté. Ouais. Après je me suis dit, mais c'est génial cette série, donc du coup j'ai fait le 4. Le Weeb. Ouais, il a fait Golden. En Moselle, les Golden, c'est comme ça qu'on appelle les crottes de nez, mais ouais, Persona 5 Golden. Ensuite. Ah bon, d'accord. Yes, allez. Ensuite, après j'avais fait, il y avait eu le. Comment ça, j'ai fait le dancing, donc le jeu de rythme. Ouais. Le voilà, le 4, il y a un Persona 4 Dancing. Ok, ouais. Alors, on sait pas Dance Revolution, mais ok. Voilà, et après, j'ai du mal à jouer et parler. Falcon, meilleur secondary. Bah, je sais, mais du coup, moi, comme je disais la dernière fois, c'est grâce à YouTube, au fait que du coup, j'ai appris à parler dans le vide, tout seul et tout, pendant que je jouais, à combler les blancs et tout, que maintenant, sur Twitch, j'ai une grande facilité à jouer et en même temps parler et en même temps animer le chat. Du coup, mais vas-y, du coup, effectivement, c'est pas simple pour toi de jouer, de te concentrer Royal. Et tout. Et ouais, du coup, Royal, tu l'as fait, du coup, finalement? Ouais, j'ai fait Royal, oui. Ah, et du coup, est-ce que c'est bien comme j'ai regardé plein d'avis? Genre, il est très bien, il est même largement mieux que celui de base, mais c'est juste dommage que, du coup, les nouveaux persos, ils interagissent moins avec les anciens. C'est ça, à peu près? Ouais, en gros, c'est le 5 avec plus de... Ouais, plus de contenu, c'est juste... Ouais, plus de cinématiques, une histoire approfondie, quelques jours en plus aussi. Un trimestre, un nouveau trimestre aussi, ouais, c'est ça, ok. Qui est... Et au final, c'est très politique comme jeu aussi. Hein. C'est... Tous les problèmes, c'est très... C'est pas plus politique que éthique, plutôt? Parce que politique, ça prend pas sur la partie politique. Les deux, c'est vrai? Non, c'est un peu les deux. Bah, c'est plutôt pour montrer que les politiques sont, des connards, on va dire. Oui, bah, ça dépend. Les gens se font des grandes désillusions. Oh, terrible désillusion, comme dirait Steve Ronde, quoi. Oh, bien. Arsène, très fort. Et oui, ouais. Effectivement, Joker. Et évidemment. En fait, Persona Royal, c'est une véritable critique sur la société actuelle. Ouais, mais c'est trop bien, mais il a l'air d'avoir un gameplay incroyable. Et du coup, j'ai envie de faire Strikers. T'as fait Strikers sur Switch, il pique pas trop les yeux. Non, en vrai, il est bien. Je me suis dit, c'est certainement un des jeux. Enfin, c'est un des jeux. Un des rares jeux, on va dire. Si c'est plus trop le cas maintenant, de Switch, qui sont jolis.
Ouais, c'est vrai, maintenant il y a de plus en plus de jeux jolis. Bah, déjà, Lapin Crétin 1 et 2 bon, avec Mario et tout, mais. Est-ce que t'as joué à Is? À quoi? Is. C'est quoi? C'est le nom d'une série. Ça me dit rien. J'ai joué à Is, les graphismes. Ah, ça pique les yeux. Ah oui, non, mais là, vraiment, PS2, c'est genre quoi. Les pixels, tu les vois. Ah oui, d'accord, à ce point, ouais, d'accord. Genre, tu vois, genre, quand tu changes de pixel presque avec le perso. Ouais, bah oui, d'accord, bah c'est génial. Et oui, effectivement, Falcon le jeu était incroyable, donc, le jeu était incroyable, donc j'ai quand même pu finir le jeu. Mais, d'accord, ouais, t'as quand même apprécié le moment. C'est pas de genre désagréable un peu quand même, quoi. Moi, typiquement, c'est dommage avec Hyrule Warriors. S'il y avait une Switch Pro, immédiatement, je me refais Day One Hyrule Warriors, quoi. Parce que déjà, le jeu est beau, il est bien, mais avec les lags et tout, c'est un peu dommage. Genre, Hyrule Warriors, s'il y a une Switch Pro, je me le refais immédiatement. C'était serré. Mais du coup, ouais, très bon secondary, Falcon, effectivement, Gleur et Matt, vous aviez raison. Il y a Gleur qui veut vraiment te péter la gueule, Loïc, donc je sais pas si t'as envie. Ah, quoi? J'ai vraiment envie de te 1v1, Loïc, après le live. Bah, si tu veux, ça peut même se tenter peut-être en dernière game du live, on peut se faire genre une petite, juste une seule petite game tranquille avant la fin, comme ça tu me montres devant tout le monde comment tu me démontes complètement. Et puis du coup avec Blue... Vas-y, patiente jusqu'à 19h pour faire une game contre moi. Non, pas jusqu'à 19h, non. Je pense encore live à peu près une demi-heure, trois quarts, enfin ça dépend quand toi tu pars, mais là pour l'instant je passe un très bon moment. Et non, je ferai peut-être pas une game, je ferai peut-être 2-3 quand même. T'as Animal Crossing aujourd'hui ou... Du Animal Crossing, bah du... Ouais, Animal Crossing, j'ai bien envie d'en faire, mais je sais pas si ça se prête au live en fait. Je vais en faire obligatoirement aujourd'hui. Si, ça se prête au live. Ah oui, là. J'ai dit que j'en ferai un de ces quatre un soir, donc à mon avis, peut-être la semaine prochaine, genre pendant une heure, Animal Crossing en genre de 20h à 21h, un de ces quatre, un petit coup, ça se tente. Ah, c'est vrai, je suis dans le caca, à ce qui paraît, Gleur, à mon avis, ça se trouve, il est beaucoup trop fort au jeu. Oh, tu joues ma main. D'accord. Et du coup, on va lancer un nouveau sujet. On n'a pas fini, mais on va juste rapidement lancer le sujet. Du coup, on va peut-être faire du ARMS. Oui. Merci de me lancer là-dessus. Oui, ARMS, effectivement. On va se tenter un de ces quatre une après-midi. Ce sera pas un let's play sur la chaîne. Hein. Ce sera juste une après-midi pour rire, genre pendant 2-3 heures, un truc comme ça. Mais parce que c'est tellement un jeu Nawak et tout. J'ai utilisé Nawak en 2021. C'est... Arrête. Ne m'envoyez pas dans le chat. Allez. Le vocabulaire très funky, mec. Je suis groovy, comme ils disent les jeunes. Ça va swinguer sur le dance floor. Et oui, du coup, on va se faire une après-midi ARMS. Et en gros, dans toute cette après-midi, personne jouera Ninja là vu qu'il est cancer. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai dit on jouera ARMS et personne jouera Ninja là vu qu'il est cancer. Allô? Allô? T'avais pas vu de jouer Ninja là? Ah, mais arrête avec mon S! Je te déteste. Bref, bon, t'auras le droit de jouer Ninja là si tu veux, mais je vais me faire déglinguer. Bon, bref, en tout cas. Moi, de toute façon, je joue Dr. Coil, qui est aussi un très bon perso, mais je joue aussi Master Mummy, qui est un mauvais perso, qui est pourtant trop bien. En vrai, le jeu est plutôt bien équilibré, quand même. Et ouais, du coup, on sera une petite après-midi ARMS, comme ça, juste pour le LOL, genre, une après-midi, genre un samedi ou un dimanche. Genre, à mon avis, dans 2-3 semaines, ça tenterait du coup une après-midi ARMS. Moi, je pense que ça peut être drôle, genre comme ça, en plus, ça permettrait de parler avec le chat. Et si je joue, par contre, je jouerai, à mon avis, avec les Joy-Con, comme ça, je serai à fond dans ma chambre, en train de donner des coups de poing dans le vide comme un con. Faudrait presque que j'ai la cam pour faire ça. Moi aussi, du coup, attends, regardez. Comme ça derrière. Surtout que je fais de l'asthme, ça fait plaisir, quoi. Le mec, à la fin de live, il est mort, mais genre, littéralement. Pardon. Oh, je me moque de moi-même, je suis une horrible personne. Enfin, du coup, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit de te moquer de toi-même, parce que tu te moques des personnes qui... N'oublie pas qu'on est sur Twitch. On a pas le droit de se moquer des gens. Twitch. Bon, c'est marrant de se moquer des gens. La pire personne, hein. Let's go! Eh bien, non, parce que si tu savais que l'une des personnes qui a fait beaucoup de recherches sur comment être heureux dit que la souffrance est une énorme partie de... C'est vrai. Et la solitude, pareil, comme disait Dalida, il y a la souffrance positive et la souffrance négative. La souffrance qui... la solitude qui fait avancer parce qu'elle te permet de travailler. Et la solitude négative parce que c'est une solitude douloureuse. Mais bref. C'est très philosophique alors qu'on parlait de ARMS. Et The Real Manji qui me confirme que même ça peut être un live hyper chill, du coup ARMS, que ça peut être une très bonne idée qu'on a eue et que ça se prêterait même presque mieux à un live du soir, genre de 20h à genre 23h ou un truc comme ça. C'est vrai que ça se prêterait bien à un live du soir, on verra si on fera ça l'après-midi ou un soir. En tout cas, c'est sûr que ça sera fait en live 1 de ces 4. Ça comblera une petite après-midi, ce sera bien. Ce sera pour occuper le temps des gens, quoi. Comme moi, j'occupe le temps des autres, quoi. Allô? Ouais, comme. Allô? Et recouche pour bébé. Comment il va, couche pour bébé? Laissez-moi me présenter. Je suis couche pour bébé. Et du coup, couche pour bébé, merci beaucoup d'être revenu sur le live, ça fait plaisir. Ah mais ton attaque de merde, là, super.
Super. Waouh, mais c'est super génial. Mario. Eh, hey, Mario qui fait le Mariole. Ça, c'est la prochaine emote de la chaîne. Mario qui fait le Mariole. Wow, wow, wow. Ah bah super, oui. Super, Mario. Oh, ça touche. Tu devrais changer de point. Le comment il s'appelle? Non, pas le dragon, mais l'autre. Voilà, le machin là, je sais pas comment il s'appelle. Ah, celui que t'avais. Voilà ça. Il est très très fort parce que ça peut largement m'empêcher de revenir au terrain. Si tu le fais en bord de terrain et que t'inclines le joystick vers le bas pendant que tu le fais, ça peut être hyper cancer pour m'empêcher de revenir. Voilà. Bah voilà. Il s'est passé quoi depuis? Je me suis fait pas mal démonter. On a eu un très bon sujet de conversation où on a parlé de la PS5, de Persona 5, Scramble, Royal. On a pas fini encore la discussion. Ouais. On a pas fini avec toi. On a pas fini avec toi. C'est horrible, c'est la pire phrase. Pas fini avec toi, moi, tu vas voir. T'as quoi à me dire d'autre sur Persona du coup? Est-ce que il reprend bien les principes de gameplay de base, mi-JRPG, mi-Musso, du coup le Scramble, enfin le Strikers du coup? Alors en fait Persona S. Ouais. C'est genre, c'est un Persona 5, genre avec l'histoire comme dans Persona 5. Ouais, une bonne histoire. Quand même, ouais. Avec le gameplay de Musso. Avec un gameplay de Musso, ouais, mais on m'a dit qu'il était assez loin du Musso. Il m'avait dit qu'il était. C'est un Musso qui a une histoire, ouais. en gros. Ouais, c'est ça. Vraiment un vrai mode d'histoire. Mais on m'a dit que c'était même assez peu Musso finalement, que ça se rapprochait quand même un peu d'un JRPG, parce qu'il y a pas mal de moments où justement tu peux mettre le temps, tu peux arrêter le temps pour choisir une attaque et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Non, tu peux le faire aussi dans Zelda. Ouais, tu peux effectivement dans Breath of the Wild, tu peux le faire avec la tablette Shaker, c'est vrai. Dans Breath of the Wild. Oui, c'est vrai, parce qu'on est bientôt dans le dernier round. Arrête de te moquer de mon ancien accent sur ma chaîne YouTube. Je préviens juste, si vous m'invitez, à jouer, je me SD beaucoup. Ça veut dire quoi, je me SD beaucoup? Ça veut dire quoi? Je suis pas jeune. Je ne comprends plus le langage de jeune. Je sais pas moi. Je me subdivise à la rigueur. Parce que encore Lurk, je connais pas. Lurk, ouais, donc déjà, Lurk, je l'ai appris récemment. C'est en gros, bah quand tu restes sur un live, tu regardes mais que tu parles pas dans le chat, que juste tu profites du live. Ah mais c'est ce que je fais. Ouais mais c'est ça. Tu te self destruct. C'est ma vie. C'est ta vie, c'est ça. C'est ma vie en fait, c'est ça. Voilà. D'accord. Ok. Donc je Lurk. Envie de Lurk là d'un coup. Ah mais oh, ça me fait trop plaisir de rejouer de contre ta Corinne là. Eh, elle a ouvert un OnlyFans ou quoi? Bah non. Du coup, sacré Corinne quand même hein. Alors du coup. On va changer. Oui. Oui. du coup Blue, tu me parlais justement de Corinne. Non. Oh la boulette. Tu me dis si je spam hein. la Kenzouillette. Mais quoi? Non, le self-destruct. Et oui, évidemment, c'est ça, ça veut dire ça, SD, le self-destruct. Mais attends, ça veut dire quoi? Je préviens juste, si vous m'invitez à jouer, je me SD beaucoup. Ah oui, d'accord, tu te self-destruct beaucoup, ok, du coup. Ouais, en gros, c'est ça, tu te jettes dans le vide, ok. Mais je pensais que t'étais bon en japonais, mec. D'accord, j'ai la ref, parce que du coup, au début de live, tu sais, on a parlé japonais, mais d'accord. On a parlé japonais, mais anglais, du coup, j'ai la ref. C'est génial ici. What? Est-ce que vous passez un agréable moment dans le chat? Parce que moi, non, du coup. Bah moi non, parce que tu joues net. Oh, arrête de dire ça, va, dis donc. Oh mais arrête, mais arrête de faire des attaques. Arrête de faire des attaques qui tuent. Arrête de faire des kill moves. Mais arrête de bien jouer, mec. Arrête de jouer juste. Les remix faits à la voix quoi. Incroyable. Je vais faire le cri d'un animal, devine c'est lequel. C'était la baleine à bosse. C'est le Schumpeter. Le Schumpeter. C'est drôle ça, Joseph Alois Schumpeter, très bon économiste, enfin très grand économiste qu'on a étudié en ES. Je sais même pas qu'est-ce qu'il dit lui. Joseph Alois Schumpeter, je ne sais même plus parce que j'ai pas tout à fait écouté les cours l'année dernière, je crois que tu le sais. Hein. Vu mon parcours, maintenant je suis sur Twitch quoi. Allez, marchand et non marchand quoi. Vu que je suis sur Twitch maintenant, à mon avis, t'as dû te douter que j'ai pas beaucoup écouté mes cours de ES.
Let's go. Yes. Arrête. Oui, alors ça je sais, tout le monde me l'a dit mille fois, mais genre des milliards de fois, que je fais beaucoup trop de roulades en phase de désavantage sur Smash, et même des fois en phase de neutral je fais des roulades. Je le sais, il faut que je corrige ça, mais j'y arrive pas. Genre, même en me concentrant en premier degré, genre j'avais essayé la dernière fois dans le dernier live sans parler. Je parle pas, je me concentre pour pas faire de roulades, j'en fais tout naturellement. Donc je sais, et on m'anticipe énormément. Ryo, il arrive à me punir mais d'une force incroyable sur mes roulades. Mais je sais, mais merci du coup du conseil Matt83, ça me fait une personne en plus qui me dit que du coup il va vraiment falloir que je m'améliore sur Smash. Ouais bah moi aussi. Yes. Oh bien. Genre, je pensais que tu serais revenu un peu plus tôt. Et c'est la fin d'un match. Let's go. J'ai pas vu, ouais. Conseil d'amis. Ouais c'est ça, conseil d'amis du coup, de ne pas faire trop de roulades. Mais c'est cool de nous dire, de nous donner des conseils comme ça. Et Gleur, encore une fois, si tu te self-destructes beaucoup, y'a pas de soucis hein. Tu verras, après je te promets que je fais 3 matchs contre toi à la fin du live, y'a pas de soucis. Comme ça même, je fais pas hors live, comme ça on verra tous ton niveau en live. J'espère juste pas gagner, parce que du coup sinon je me sentirais mal. Mais t'inquiète, vu mon niveau, je vais pas gagner à mon avis. Tu peux garder Corinne hein, si tu veux, je vais essayer de jouer un perso que je joue pas souvent mais que je joue quand même des fois, donc si tu veux garder Corinne, tu peux. Non, je change un peu aussi. Tu changes? Ok, bah vas-y. Harmonie et Luma. Un conseil, joue mieux. Merci pour le conseil, Dami Gleur. Joue mieux. Ah, d'ailleurs, Harmonie et Luma qui sera un personnage visiblement dans le prochain Lapin Crétin. Mario et Lapin Crétin. Ah oui. Non, moi, par contre, à chaque fois que j'ai vu le trailer du truc et quand on voit le Lapin Harmonie, ouais, à chaque fois, ça me dans ma tête, j'ai une voix extrêmement grave. Genre, ouais. Salut, c'est Harmonie. Ouais, c'est exactement ça. En mode un peu flemmard, blasé de la vie et tout. Incroyable. Genre vraiment, ils osent se moquer des persos de Nintendo chez Ubisoft, j'allais dire chez Activision, oh la boulette. Mais n'importe quoi Blizzard. Mais n'importe quoi, c'est pas... Merde. Merde, comment il s'appelle le studio pas bien là? Ah, EA. Ah oui, avec Fortnite... Fortnite. Oh avec FIFA. Ouais, EA avec Fortnite. Yo yeah. What the hell? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis trompé de perso, non. Ah oui, d'accord, carrément. Oui, parce qu'il y a des vraies attaques, quoi, enfin... Oh. Ok, j'ai encore du mal à jouer double, du coup. Là, c'est cool que ce soit Luma qui prenne pour moi. Yes. Oh, bien. Un match-up Simon contre Richter. Ah, tu l'avais déjà dit tout à l'heure, j'avais pas lu ton message, Zeramanji. Jamais de la vie, hein. Je te préviens, jamais je vais rejouer Simon, et jamais t'as intérêt à jouer Richter, Blue. Genre, j'ai pas envie en fait. Ce serait juste Richter. Cancer. Richter, Belmont. Jean-Paul, Belmondo. Personne n'aura la ref, parce que tout le monde est jeune ici. Oh, le Luma qui est mort. Oh. Oh. Pauvre Luma qui est mort. Wow. Oh, le Luma rouge. Oh là là, incroyable. Il est trop beau. Ça change rien, hein, mais c'est juste qu'il est trop beau. Et je me suis dit, attends, le Luma rouge, dans ma tête, quoi, c'est une arme ultime. Non. C'est Super Smash Bros. Ultimate. C'est la version ultimate. Il est mort, le Luma rouge. Hein. Au revoir. Il est trop fort. Il suicide. Enfin, il se SD. Il se SD, wesh. Wesh, Harry. Il se SDF. Lol. T'as enlevé mon Winstock. Horizontal sa recovery à Harmonie. Le Luma qui attaque pendant que je ne suis pas là, ça fait plaisir. Ah, ok. Oh non, oh, j'aurais pu bien te punir là. Back air qui est pas très puissant chez Harmonie Luma, il me semble. Back ES, lol. Lolz. Lolz. Qui dit lolz? Moi. Putain. Unit, il est chiant mon perso. Ouais, putain, il est cancer, c'est net ou quoi? Tu peux mourir et changer de perso. Tu peux arrêter de bien jouer, mec. C'est ça. Tu peux arrêter de bien jouer, j'en ai marre. Ça tue. Ok, je pensais que le Luma, ah, il aurait pris les dégâts. Mais ok, il a pas pris. J'ai joué beaucoup Richter. Ah oui, super, yes. Eh, hey, c'est qui lui? Et Chrome. C'est drôle. Mais... De quoi? Non, mais ce que moi j'avais Chrome et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et oui, non, moi j'ai pas eu Chrome. Sacré Chrome.
Il lui manque voilà. Il utilise Mozilla du coup. Il utilise quoi? Il utilise Mozilla Chrome ou quoi? Allez. Oh, je sais pas qui jouer. Alors, quand on sait pas qui jouer, go prendre un ancien main de Smash 4. N'hésite pas à regarder sur mon live du coup quel perso je prends pour essayer de me battre. Ouais, t'as l'effroyable Bossware. L'effroyable Bossware. Oh, Ridley, pardon. Je joue le méchant de Metroid Prime 4. tu joues Metroid? Attends, non, le méchant dans Metroid c'est Samus, tu joues Samus là, non? Mais non, le méchant dans Metroid c'est Mother Brain, mais dans Metroid Prime c'est Riddler. C'est Mother dans Metroid. C'est Bossware. L'effroyable Bossware. Wow! Pourtant t'es un perso lourd, donc c'est bizarre que tu sois parti aussi vite. Il est trop fort, Bowser, je te dis, c'est tout. Bowser, il est bien haut dans les tier list, hein. Il est B, il me semble, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Pour un Bowser qui était toujours le perso le pire de Smash, de la plupart des Smash. Wow. Attends, c'est dans quoi, ça? Attends, j'ai oublié la ref du... Mais pourquoi? Attends, le wow, ça vient de quoi, ça? Crash Bandicoot. Mais oui! Eh oui, c'est Crash, d'accord. C'est le même de Crash. Mais je spamme pas, n'est-ce pas? Tu peux arrêter de spammer, là. Ah, c'est toi qui spamme. Comment il va? Je pensais qu'il serait pris le coup, malheureusement. C'est cool que ton perso, il ait un saut en plus. Il est vraiment bien, après Ridley est too big pour Smash quoi, mais... C'est vrai que ça fait bizarre de le voir aussi petit Ridley finalement. Et regarde, même Bowser il est plus grand, ils auraient dû le faire encore un petit peu plus grand, en vrai premier degré. Même si ça lui aurait fait déjà une faiblesse en plus. J'aurais bien vu, ça aurait pas dénoté en fait dans Smash. Il y a tellement une diversité des persos qu'un perso beaucoup plus grand que les autres, ça aurait pas été si choquant. Ils auraient dû vraiment jouer à fond avec le fait que normalement Ridley il est géant, et faire un Ridley genre c'est le plus grand perso de Smash, plus grand que Sephiroth, qui d'ailleurs est très grand aussi. Mais genre qu'en faire un perso extrêmement fort, mais du coup qui serait aussi très faible de par sa grosse taille. J'aurais vraiment voulu un Ridley où ils allaient à fond dans le délire, il est trop grand pour Smash, du coup on fait vraiment un perso trop grand. Ok, bon, je sais pas jouer Ridley. J'ai remarqué. Ridley qui a été mon premier main sur Smash Ultimate. C'est un beau kill move de Ridley ça. Et c'est gagné. Dans les dents. Juste il a perdu ses chicots quoi, le pauvre Ridley. Ça fait plaisir. Quand tu l'aggrappes pas. J'ai hâte de t'affronter Gleur quand tu l'aggrappes. Oh pauvre Matt. Oh là là. Avec Joker, tu joues plus patient. C'est très intelligent que t'aies différents types de gameplay selon le perso. Moi, dans tous les cas, je suis assez bourrin. Et je joue beaucoup avec les Smash. J'adore jouer avec les Smash. Ah, on a fait déjà 20 combats. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ah, tu t'amuses, toi? J'allais la faire. Si tu l'aurais pas faite, je l'aurais faite. Si tu ne l'avais pas faite, je l'ai entendu, je le savais, je savais pas si je devais me corriger. Si tu ne l'avais pas faite, oui, désolé. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir un connard à côté de toi? Vu que t'es pas à côté de moi, ça va, je peux pas t'en mettre une dans les dents, mais la prochaine fois que je te vois, quoi, let's go, quoi. À chaque fois que tu corriges, tu regardes la personne et là, il y a un énorme point de Donkey Kong qui arrive dans ta gueule. C'est exactement ça, c'est l'énorme Falcon Punch aussi, ça marche bien. Ou l'attaque de Ganondorf. Ganondorf. T'en as pensé quoi du trailer de Zelda Breath of the Wild 2 avec Ganondorf Mommy qui se réveille, qui fait s'envoler le château avec sa rancœur et tout? T'en as pensé quoi du trailer? Bah il était bien. Il était incroyable. Le fait que du coup, bah, à mon avis on aura plus la tablette Shaker. D'ailleurs qu'est-ce qui explique qu'on aura plus la tablette? Je ne sais pas mais... Bah après en fait le 3 complet de Nintendo. Il était correct. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il était très mauvais mais... Comme l'a dit Farron et comme je l'ai fait. Pas de goût, c'est ça, oui, voilà. C'est tout. C'est juste qu'à mon avis, c'est des gens qui aiment pas Metroid parce qu'ils y ont jamais joué. C'est des gens qui sont pas là pour découvrir des nouveaux jeux genre WarioWare et tout. Attention à Terry. Okay, hein. Mais en fait, mon perso, je comprends pas parce que je suis dans le sens là. Oui. Je fais l'attaque pour aller vers là et oui, au final, il va dans l'autre sens. Non, parce que du coup, t'as mis le joystick dans la mauvaise direction parce que ton personnage regardait dans la mauvaise direction. Terry qui est un des seuls persos qui, ou du coup on peut dire forward B et side B parce que ces deux attaques sont différentes selon l'angle dans lequel il regarde. On peut dire forward B et back B peut-être, ou je sais pas comment on dit du coup, mais en tout cas on dit pas side B pour lui il me semble.
Faut pas oublier Mario Party, bah il a l'air mieux que l'actuel Mario Party. Mais la série des Mario Party pour l'instant elle est quand même bien morte quoi. Enfin, le dernier Mario Party il était pas bien foufou. Ouais non mais Mario Party c'est fini hein mec. C'est fini la comédie comme dirait Dalida quoi. Jouer comme moi. Ça fait quoi de jouer comme Gleur? Allez. Ça fait quoi de jouer Ridley comme je joue mais ça fait Terry Bogard. Terry Bogos, comment il va? Ah t'es mort, tu reviens pas, hein, je te le spoil. Oh, t'as réussi alors que normalement c'est vraiment chaud hein, parce que premier degré effectivement du coup tu pouvais revenir mais j'avais aucune confiance en toi. Au fait que tu puisses. Oh il y a le go. Oh il a le go. Oh Dieu sait que avec le go tout peut être reverse. Notamment Ryo. Une fois, j'allais mourir et j'ai reverse 3 stocks Ryo. Les attaques alors, ah ouais alors, bah en fait il faut faire. Allez d'accord, ne me laisse pas t'expliquer, c'est pas grave. J'essaye mais j'ai beau faire. Ah voilà, voilà. Et l'autre c'est pareil mais dans l'autre sens. Alors en gros il faut mettre joystick vers la droite, enfin joystick bas, joystick droite, joystick bas, joystick gauche. En gros tu fais un arc de cercle avec le joystick et t'appuies sur B ensuite. Tu fais. Ouais mais c'est vraiment compliqué hein, de caler les go de. Les go de. Comment il s'appelle? De Blue. De Terry Bogard. Oh là là, il s'est pris les pieds de Ridley dans la tête. Il s'est pris le OnlyFans de Ridley dans la tête quoi. Ah, Edgar qui dit que les gens ont dit que l'avant-dernier Nintendo Direct était nul, alors que ouais, alors... 3. Mais après, l'avant-dernier Nintendo Direct, effectivement, il était réellement, objectivement, pas foufou. Hein. C'est pas juste une annonce qui refait un direct. Il y a plein de gens qui l'ont dit. Effectivement, il était pas foufou. Ok, il y a eu l'annonce de Splatoon 3, mais... Celui de 3, il est incroyable. En vrai, de toute façon, il est... Splatoon 3, c'était sûr qu'il y en aurait eu un autre. Oui, non, on parle de le Nintendo Direct avant le 3. Celui qui a eu ouais, au voilà, mois de février. Après, le problème en fait, c'est que les fans d'Animal Crossing, ils étaient en mode, y a pas la mise à jour à l'E3, alors du coup, Nintendo il est nul. Bah, en vrai, ils ont peut-être un peu raison parce que le jeu il est vide. Non. Non. Lopok, Ultia, tout le monde a demandé des. Mais c'est des merdes. Quoi? Non, ah non, non. Ils ont joué tellement longtemps à Animal Crossing qu'à mon avis, ils doivent vouloir du nouveau contenu. Ben, mon avis, ben, moi, je jouais beaucoup à Animal Crossing depuis l'édition Wii DS et tout, et moi, je suis là, il est très très bien. D'accord. Juste qu'ils n'ont qu'un goût, c'est tout. Non, arrête de dire ça. Tu vas m'attirer les foudres de tout le monde. Mais de toute façon, ils te connaissent. Ils te connaissent. C'était le meilleur moment de ta vie, Splatoon 3. L'annonce de Splatoon 3. Mais en vrai, on pouvait s'y attendre. Après, il y a moins de contenu que New Leaf, ça c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça aussi. Du coup, on attendrait qu'il y ait au moins autant de contenu. Genre le fait que la mise à jour marine, ce soit une mise à jour, du coup, et que ce soit pas dans le jeu de base, bon, étrange quoi. Bah non, c'est juste que bah, peut-être que c'est peut-être pour sortir le jeu plus tôt, mais c'est peut-être aussi pour pas que les gens en fait ils font tout d'un coup. Et fassent tout d'un coup, oui oui. Mais du coup faites des mises à jour régulières, faites comme pour du Smash, du Fortnite, faites une mise à jour par semaine, une mise à jour par mois ou tous les 3 mois. Là ça va faire plusieurs, ça va faire quoi, 6 mois qu'il n'y a pas eu de grosse mise à jour majeure sur le jeu. J'ai un petit peu joué le dresseur de Pokémon, donc si... Enfin, j'ai un peu joué, genre j'ai dû le jouer 10 fois en un mois, mais... Si je te démonte ton Megaman, parce que toi, je crois que t'as jamais joué Megaman, c'est ça? C'est ma deuxième fois ou troisième? D'accord, voilà. Donc m'en veux pas si mon air bizarre, il fait des gros dégâts, quoi. Hey, tu m'as envoyé de l'herbe. Hey, plante sur plante, normalement, ça n'est pas très efficace, quoi. Ah! Ok. Eh hey, mais du coup, c'est super efficace. C'est super efficace. Oh, ça me rappelle le Final Smash. Est-ce que dans le Final Smash du dresseur de Pokémon, il y a encore le super efficace comme sur Brawl? Bah oui. Ah, oh, trop bien. Oh là là, j'aimerais trop le revoir, le nouveau Final Smash du dresseur de Pokémon dans Smash Ultimate. Je me souviens plus de comment il était dans le Brawl déjà. Carapuce. Oui, j'allais switch en plus de Pokémon. Oh, c'est pas passé. Il y avait pas assez de dégâts. C'était l'action était belle quand même, le Meteor Smash comme ça. Eh, hey, laisse-moi tranquille, toi. Pas du bon côté. Bonjour, je suis Dracofeu. Dracofeu. Donc là, toi. Oh là. Suis-je si mauvais que ça? Oui. Ouais. Ah, plus... à chaque fois que je me trompe d'attaque, je veux faire le down B et je fais le down A.
Bref, je vais appuyer sur bas et A et j'appuie sur bas et B. J'ai plus le nom des attaques en tête alors, pourtant je les ai toujours bien connues. Down air et down B, ok c'est ça. Oh bien, oh hé, attaque de type peu hein. Eh oui. Super efficace. Super efficace. Eh, une attaque de type acier sur plante. Qu'est-ce que c'est ça? Eh, de l'acier sur une plante, eh mais c'est Noacier ou quoi? C'est le Pokémon Noacier? C'est drôle? Non. Non. Ah là là. Ah tiens, mange-toi mon Dracopeu. Mange mon Dracopeu, comme dirait l'autre. Je suis un gros cool. Allez. Mais putain. Mais trois qui mon seul game move, c'est celui-là. Et Wintercraft, bien bonjour. Et Wintercraft qui était déjà au début de live, et là qui revient, ça fait plaisir de te revoir du coup. À mon avis, il a dû faire une après-midi full Mario 64, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ma victoire avec le dresseur, c'est cool. C'est franchement très sympa, comme dirait l'autre d'ailleurs. Ouais. Après, tu joues pas ce perso. Non, c'est pas un perso que je joue, le dresseur de Pokémon. Voilà, moi non plus. Après, avec Megaman, j'ai fait une bonne remontée, je suis content. C'est mon Megaman. Un petit easter egg avec le Konami Code de Kazuya. Depuis quand c'est Konami qui fait Tekken? T'es sûr de toi? T'es sûr de l'info? C'est Konami qui fait Tekken? Tu me fous un doute. J'en sais rien. Et à mon avis, non, il n'y aura pas d'easter egg avec le Konami Code. Ils vont loin, mais le Konami Code, c'est dans les jeux. C'est pas un personnage en particulier, c'est dans les jeux Konami. Donc, si vraiment ils font un combo avec le Konami Code. On aura la réponse. Le 28. Il y aura le 28, voilà. Tiens. Est-ce que je t'en partirai pas sur du aléatoire finalement? Non. Il y a un perso que je vais encore jouer. Ah non, il y en a deux. Bon, il y a un perso, faut que je. Attends, est-ce qu'il est là? Oh. Quoi? Non, celui-là, je peux pas, dommage. Mais dommage. Quoi, okay. Tu voulais voir si tu pouvais jouer Layton? Ah non, tu peux pas, oui, non, tu peux pas le jouer en live, c'est ça? Oh, j'hésite du coup. Non. Oui, alors celui-là, il est bien. Attends, celui-là, il est bien. Bon, peut-être pas contre ton perso, mais il est bien. Oui, mais t'es sûr que tu peux le jouer en live, celui-là? T'inquiète pas, celui-là, je peux. On va faire un petit teasing pour un des futurs lives. Ah, du Arms! Non! Oh non! Mais non, mais t'es cancer! Mais t'es cancer! Mais non, mais t'es le pire! Attention, parce que je l'ai un peu joué Karoul. Genre, je l'ai pas mal joué vers le milieu de Smash Ultimate il y a un an et demi. Je sais pas le jouer, mon perso, donc. Oui, c'est pour ça que je te dis, si tu fais démonter, c'est normal. Oh, ça passe pas. Attention à ton contre. La concentration sur paroxysme du côté de Mathias, visiblement. Ah, ok, je suis. Bon, tant pis. Ah non, mais c'est juste qu'il n'y a plus de sujet après, voilà. Comment ça, il n'y a plus de après, sujet est-ce que, et du coup, est-ce que tu vas faire la série Tales of? Tales of, tu me le demandes tellement 20 fois, je crois que tu es un peu fan de Tales of, ça y est. Je t'ai dit, probablement, quand j'aurai plus d'idée de jeu, je m'en occuperai. À l'E3, ils ont mis des images du prochain Tales of. Déjà, si un jour il y a Lloyd Irving dans Smash, c'est sûr que ça va me donner envie. Parce que tous les persos de Smash Ultimate, ça m'a donné envie de m'intéresser à chaque fois. Bah, grâce à Joker de Persona 5 dans Smash, c'est grâce à lui que j'ai découvert la série Persona. Terry Bogard, c'est grâce à lui que j'ai découvert les jeux SNK. Banjo-Kazooie, c'est grâce à lui que j'ai envie de me faire un Banjo-Kazooie sur la chaîne. La série Crash Bandicoot. Non. Y a quel autre perso? La plante piranha, ça m'a fait découvrir Mario, je connaissais pas. Plante piranha qui m'a fait découvrir les lapins crétins. Wow. Mange mon ventre. Ok, bon bah. J'aurais dû jouer l'autre perso. Non. En live, tu peux pas. J'espère que mes combos, vu qu'on m'a dit qu'il y avait des fans de Karoul dans le chat là, j'espère que vous trouvez pas mes combos ridicules. Parce que en vrai, j'ai pas l'excuse du j'ai jamais joué le perso, au contraire, je l'ai déjà pas mal joué. C'était il y a longtemps, mais je l'ai quand même pas mal joué, donc j'espère que je suis pas trop nul avec. Et le boulet, parfait. Le combo ventre-boulet, très bon combo qui est très dur à placer à la base. J'espère que d'ailleurs, clipper le moment du combo là. En fait, il est trop beau ce moment. J'adore. C'est le combo le plus jouissif du jeu, je pense, à placer. Il est tellement simple, mais en même temps dur, parce qu'il faut que l'adversaire il soit assez haut pour cent, mais pas trop.
Genre c'est juste incroyable quoi. Le fait de courir, que l'adversaire il se prenne du coup le boulet et tout. J'espère que c'était beau hein. Ouais non, d'accord, effectivement, The Real Manji, je me suis bien dit que c'était pas du tout Konami Tekken. Oui, c'est Bandai Namco. Tu m'as fait peur. Je me suis dit quoi, depuis quand c'est Konami qui font les jeux Tekken? Heureusement qu'il n'y avait pas trop de gens dans le chat, parce qu'à mon avis, tu te serais pris les foudres de pas mal de gens, hein, je pense. Quel perso jouer? Trop de choix, toujours. Il y a quel perso, d'habitude, que j'essayais de main de temps en temps, de temps à autre? Est-ce que t'en as un en tête? Là, j'ai la liste. Ouais, à la rigueur, Byleth. J'ai envie de jouer le héros, mais tu vas pas apprécier. Tu peux pas faire une ou deux games avec le héros? Bon, bah, si tu veux, mais... On tente, comme ça, s'il y a de la RNG, c'est beau pour le live, les gens, je vais pouvoir faire une emote. Je pourrais faire une emote... Tiens, la RNG du... Oh, héros, cool. Ça peut être beau, sais ça. Pas le jouer. Pas... Ouais, du coup, ouais. Bon, du coup, la victoire, ça va être simple, mais bon. Et c'est quand je joue qui demande Glur. Bah, je t'ai dit, juste avant d'arrêter le live, je te préviendrai 5 minutes avant que tu puisses allumer ta console, que je puisse préparer le salon et tout. Et comme ça, BlueFR qui pourra commenter le live. Tu resteras pour les 3 matchs que je ferai contre Glur, du coup. On sera un BO3. Bah, après, je peux pas faire après, genre du Animal Crossing. Ouais, d'accord. Tu veux vraiment me voir en live. En fait, toi, t'es devenu fan de mes lives, ça y est. Non, juste du jeu. Non, mais j'ai juste envie de me voir sur Animal Crossing, mec. Ah là là. Le mec, il veut vraiment que je joue des heures et des heures, quoi. En vrai, si tu veux que je me fasse un live Animal Crossing, ça peut se tenter peut-être demain. On est dimanche, donc peut-être demain après le live Mario Kart. Oh, c'est le game de Azarim dans Breath of the Wild. Attends, t'as dit quoi? Tu veux te battre? C'est le thème de Cass dans Breath of the Wild. Ah, comme ce thème. Ah oui, c'est vrai, on a ça. C'est vrai, on a ça. C'est quoi ça? Super kill, ça peut kill à peu, quand tu es un peu plus de 100%, ça peut kill. Ou même à 0%, ça peut kill, mais c'est genre une chance sur... Je crois que quand je suis à 0%, c'est 0,2% de chance que ça kill à 0%. Et une fois, j'ai réussi à le faire. Une fois, j'ai réussi à le faire à Ryo. Ok. C'est génial, non? Ah, les remixes dans ce jeu, ils sont géniaux. Mais mange mon épée, là, en fait. Putain. T'as déjà entré l'ID dans ton jeu? J'attends de pouvoir confirmer. Attends, parce que l'arène, elle est ouverte, là. Techniquement, tu pourrais rejoindre. Non, sérieux? Ah merde. Parce que du coup, je pensais que je devrais recréer une arène. Bon, bah parfait. Oh non. Oh non. Ah, je pensais que... Ouais. Ça combatte quand même. C'est pas possible, pourquoi? Ah voilà. C'est pas possible, là. Attends. Mais du coup, je connais pas. Ouais, bah super. Il y a le Konami Code dans beaucoup de jeux hors Konami. Ah bon? Alors ça, j'étais pas au courant. Pour moi, c'est vraiment que Konami qui mettent des Konami Code. Non, ça paraît logique en même temps, mais... Ouais, j'ai pas compris non plus. Eh, t'as l'avantage là du coup. Attention à toi. Mais pourquoi il a... Ouais, je suis désolé. Hein. Parce que t'avais un petit bout du bras qui devait... Un bout du coude qui devait dépasser à mon avis de... T'avais les coudes qui dépassaient du bouclier. Mais quoi? Les coudes qui dépassaient du bouclier. On dirait le mec de Vive la Peste quand il va sur les plages et qu'il fait « Monsieur, vous avez les coudes qui dépassent. » Voilà, c'est marrant ça quand même. Les coudes qui dépassent du bouclier, oui. Monsieur, attention, je regrette de vous dire que vous avez les coudes qui dépassent. Les coudes, hein. On est d'accord. Nouvelle emote sur la chaîne, les coudes qui dépassent. Oh, super cool. Allez. Et du coup, quand tu m'as vu jouer Karoul, Matt, j'espère que t'as pas eu trop les yeux qui sont sortis de tes orbites. J'ai essayé de le jouer du mieux que je puisse. Ça tue, bien joué. J'ai gagné contre toi. Tellement il est random ton perso. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le perso, il est random, donc du coup, n'importe qui, techniquement, peut essayer de jouer et de gagner avec le héros. Si t'as un petit Après, peu de chance... Est-ce que c'est pas parce que je joue le vrai héros de, le, du, de la du, série. Du 1 c'est le 1? Non, c'est pas le 3 celui. Oh putain, j'ai peur de dire une connerie, je me connais 8, que sur le 11S. Le 8, ah, le 8, non, 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 c'est pas le 8 ça. Le 8, c'est pas l'autre. 7 ou 8, si, c'est le 8. Ah non, ça doit être le 8 parce que il me semble. Le 9 que... ça doit pas être le 8 parce qu'il me semble que le 8 c'est le héros que la France a découvert, donc ça doit être lui. Ah non, c'est lui. Ah, pardon, c'est celui-là du premier jeu, je crois. Ouais, bon, je m'y connais mal sur la série, donc c'est possible que ce soit celui du 8.
celui que t'as joué là. Oui, parce que toi, de toute façon, tu connais très bien les personnages de Hunter x Hunter. C'est drôle. Oui, Dragon Ball de Hunter x Hunter, quoi. J'ai envie de me refaire quelques petites games avec NES. En vrai, j'ai même pas envie de le jouer. Je pense que je vais en faire juste une pour le plaisir. Non, c'est vraiment juste une comme ça, parce que j'ai envie de me sortir un peu NES, mais c'est tout. Ah tiens, j'ai un ami qui joue à Hyrule Warriors l'ère du fléau, tiens. Du coup, bah, joue bien. Moi, je vais jouer un personnage qui est pas connu. L'un d'entre vous a un main. Ah, tu demandais à Loïc et Bluefer. Toi, c'est quoi ton main, du coup, Pyramitra? Du coup, je pense que c'est Pyramitra, c'est ça? J'ai pas vraiment de main, mais c'est vrai que Pyramitra, j'aime bien, et j'aime bien le perso. Corinne, t'aimes bien, putain, attends. Surtout Pyra, mais c'est pas forcément que pour le gameplay. Bah moi, mes mains, j'essaie de main à peu près tous les gens du jeu. Enfin, tout, la quasi-totalité des persos. Genre, il y a la moitié du roster que je dis que je main. Enfin, ou en tout cas que je joue à peu près, ou je connais à peu près quelques coups. Tu changes de main comme possible. C'est exactement ça. Du coup, je change jamais de main. Du coup, je change une fois une main par mois, quoi. Attention, t'as l'écoute qui dépasse du bouclier, hein. ouais, et du coup, en vrai, NES... Là, NES, par contre, c'est soit qu'il a les coudes qui dépassent du t-shirt, quoi. C'est vrai. Non, en vrai, NES, je pense que c'est le perso que je main le mieux, ou en tout cas le plus. Et un petit peu, du coup, le Steve. Et, en général, les persos DLC, je les adore. Mais oui, celui que... C'est un chancer, quoi. Bah, tu peux le dire. Ah, j'ai cru que c'était le thème de Bowser Noir dans Luigi, dans Mario et Luigi. Moi, je suis en train de jouer mes Rapira, Mega tout shiny. Ouais, c'est vrai qu'ils sont en version tout shiny. Misty, mais attends, c'est un thème. Attends, est-ce que c'est le thème de Bowser Noir? Non, c'est pas le thème de Bowser Noir, c'est juste un thème random qu'il y a dans le jeu, il me semble. Mario et Luigi, voyage au centre de Bowser. Mais si, c'est du coup une musique du jeu. C'est le thème des combats, d'accord, c'est le thème des combats. Après le live, si je fais un raid, certainement. Si je vois qu'il y a des gens à la fin du live après les 3-4 combats contre Glur, du coup, bah ouais, je pense que j'essaierai de me faire un petit raid, quoi. Ça peut être plaisant. Je verrai qui est-ce que je raid. Oh. Qui tu raid FR, du coup? Blue FR, lol. Je joue mal, je m'en rends compte. Je m'en étais pas rendu compte les mois d'avant, là, je joue mal. Au moins on meurt tous les deux. Bah. C'est complètement con. Ouais. Yes. Ça paiera, il va falloir que je l'embête à ma manière. Oh! Tu l'as dans l'os. Imagine, je reverse la game. C'est marrant ça, de jouer Sans. De Red Dead. Adoa. Oh non, ça tue, bien joué. Ah oui, en plus, au bout, je crois que ça fait plus de dégâts. Non, il me semble que. Ah, j'ai un doute maintenant, mais je crois que sur Pyramitra, est-ce que le sweet spot, t'es sûr que c'est pas le bord de l'épée plutôt? La partie toute grosse de l'épée là. Je crois que c'est toute la lame en fait. Ouais, en fait, oui, à mon avis, toute la lame aussi, ça marche. On fera un BO5, j'ai dit BO3, Glur, BO3. Un petit BO3, quoi. Mais tu veux pas changer de perso, parce que oui, tout à fait, non mais... Et après, de toute façon, je t'ai promis, Glur, là, je fais vraiment une exception, mais de toute façon, les tournois viewers, ça viendra plus tard. Je suis déjà très content d'affronter Glur. Quel perso prends-je? J'ai envie de jouer Samus. Je suis trop chaud pour Samus Dread. Y'a pas la version... Ah, c'est celle-là, l'armure de fusion, il me semble. C'est la bleue. Ouais, c'est ça. C'est celle de plein de jolies couleurs, c'est celle-là. Un BO1, Glur. Allez, chaud pour un BO1. Comment embêter Glur, quoi. Allez, vas-y. Viens quand tu veux, Blue. Ok, bah j'arrive. Non, non, mais t'as vraiment pris Blue. Eh, mais c'est Blue FR ou quoi? Allô. C'est un nouveau challenger apparaît, mais c'est Blue FR ou pas? Ah là là, un concurrent en plus, comme on dit, quoi. Allez. Non. Est-ce que t'as le rêve du un concurrent en plus? Non, tu vas pas l'avoir, non. Ah, si, du coup, si. Ok. Attention à toi, quand même, hein. Mes projectiles, tu vas pas pouvoir tous les aspirer, parce qu'il me semble que je vais jouer très peu projectiles avec ma Samus, du coup, contre ton perso.
Oh, bien. Bah, super. Ok. Oh là là. Eh, je joue pas trop mal ma Samus en vrai. Hein. J'ai l'impression en tout cas. Ça se trouve, si je regarde un gameplay d'une Samus Pro, je vais me rendre compte que je suis ridicule. C'est probablement le cas d'ailleurs. Une Samus Dread du coup. Une Samus Dread, loul. C'est drôle ça. Boum boum boum. Ah. Ok. Mais je ne spamme pas. Ah bon bah ok, mon perso qui ne veut pas faire ça. Mais il a rangé. Ouais, il l'a rangé ou quoi? Il a, parce qu'il avait les coudes qui dépassaient, il les a rangés. Sacré coudes. Les coudes qui dépassent du bouclier de Mister Game & Watch. Attention. Mais d'accord. Ah, je sais que mon perso, des fois, il peut être très embêtant. Hein. Attention au courant. Merci. De rien. Comment il va, Blue FR? Ah là là, c'est Vicky, elle savait que je suis avec Blue FR en train de jouer là. Oh là là. Est-ce qu'elle me détesterait pas, quoi? Mon écran, on veut s'éteindre. Attends, deux secondes. D'accord, t'inquiète, je fais rien. Tu faisais quoi là? Ah, tu, même entre les morts, tu gardes le dans le seau les anciens projectiles, mais c'est incroyable ça par contre. Ah oui. Tu peux quoi? Merci. Mais quoi? Mais quoi? Merci quand même, là tu viens de sauver l'honneur là, mais. Ah, ouais. Je peux pas l'aspirer, ok. Bon. Effectivement, je viens probablement de sauver un peu l'honneur. Action réflecteur, hein. C'est mort. Ouais, dommage. Bon, t'as sauvé l'honneur, au moins il n'y a pas eu de 0 to death. Enfin, de. Si, du coup, il y a eu un 0 to death, mais il y a eu un 2 stock. Un beau 2 stock en vrai, quand même, avec ma Samus. Pourtant, en vrai, t'as un perso qui normalement me contre plutôt là, bien. Par contre, en fait, le truc, c'est que. C'est une... Là, dans la chambre où je suis, là, enfin, dans ma salle, il fait extrêmement chaud. Ah, bah, moi aussi, il fait chaud, hein. Mais c'est normal, tu sais, on habite juste à côté. Ouais, mais du coup, je suis oublié. Non, on n'a pas à côté quand même. Mais ouais, mais du coup, normalement, j'ai la porte ouverte, mais du coup, je peux pas parce que sinon, ils vont dire ferme ta gueule. Alors, du coup, bon, bah là, je suis en train de crever chaud, donc peut-être une ou deux d'air parce que là, sinon, je tiens plus. Ah, tu tiens plus, genre vraiment, ça pue à ce point dans ta chambre, ok. Bon, mec, tu peux parler, hein, mais bon, le maître du masque. C'est pas pour rien, quoi. Oh là là, c'est drôle, cette blague, elle m'achève à chaque fois. Eh hey, mais c'est toi Todd. Le masque, Oh la vache quoi. Oh, ouais. Todd mec, ah. Moi pour une fois j'ai pas chaud. Bon, en vrai Glurt, c'est vrai que maintenant que je me rends compte, il fait beaucoup moins chaud que les autres jours là chez moi. Un peu, mais moi j'ai toujours chaud. Oui bah j'ai toujours chaud là. Allez vas-y, prends ton perso, on s'en fait encore deux petites d'air et ensuite du coup Bugler on se fait nos petits matchs quoi. Et Glur qui a mis l'emote. Ah, tu pues, Il pense que tu pues, Glur. Bah, c'est toi, Loïc, qui pue. Mmh. Allez. Oh, y'a. Dans le public, y'a Matt. Y'a Matt. Non, y'a Matt. Incroyable. Eh, y'a Matt83. Y'a Mathias. Y'a Matt5758. Y'a combien de Matt sur ma chaîne? Alors, je connais pas le perso. J'arrive, je fais mon bécoté, je me dis c'est une attaque surpuissante. Eh, juste mais tu l'as déjà joué. Juste une de merde. Ah mais t'as vu que pourquoi moi ça marche pas? Ah oui d'accord, voilà, ok, on comprend. Ah. Ok. C'est pour remettre les pendules à l'heure. Comme ça on peut pas dire tiens t'as gagné parce que au début il s'est jeté dans le vide et tout. Ok, je commence à comprendre le gameplay. Let's go. Je comprends plus le gameplay. Le mec il se prend un coup mais arrête de spammer. Mais arrête de spammer mec. C'est drôle. Wow, wow, wow. Mouda, 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 mouda. Mais c'est pas le bon jeu. C'est même pas un jeu à la base. Le mouda, mouda. C'est vrai. A la base, c'est dans Hyrule Warriors. C'est dans Hunter Hunter. Et tu sais que c'était le fois que je l'avais dit premier degré, ça aussi. Oui, bah oui, c'est pour ça qu'on en rigole à chaque fois. Ouais, ok.
le landing lag, enfin le lag, il est juste incroyable sur cette attaque. Eh mais du coup, j'ai une aile en plus, donc je peux faire un saut de plus. Ouais, voilà, ouais, c'est okay. Ça. Et en plus, t'es un peu plus lourd et tes attaques sont un peu plus fortes. Mouda, 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 mouda. Moutarde, 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 moutarde. Oh là, oh là, oh là, oh là. Allez. Hop. Bon, il va se calmer, moutarde, 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 là. Aïe. C'est ta tête, elle dépassait du bouclier. Y'a pas que ta tête qui dépasse du bouclier, mec. Hey. Attention. Mais putain, j'arrive pas à le placer, son truc, là. Allez, tac. Tac, 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 tac. Oh. Ah, mais attends, ça kill. Non, non. What ça, oui, oui, oh, c'est un peu fort. Ça met du 70%. Oui, oui, c'est un peu fort. Non, mais what the fuck, les gars, quoi. Oui, 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 oui. Ok, j'ai cru que c'était moi qui allais mourir. Hein. Bah, voilà. Eh, mais c'est parce que tu t'es jeté en dehors au début de la partie, ça m'a déconcentré. C'est un cauchemar en cuisine. C'est dans un cauchemar en cuisine. Glurk a toujours les meilleurs rêves, voilà. Oh là là, Glurk et Philippe Etchebest, c'est une grande histoire d'amour, quoi. Mouda, mouda, mouda. C'est dans Batman. C'est dans... Oh non, non, pas cette rêve de vieux The Real Manji, tire dessin animé de tous les temps. Oh là là. Oula. Il y a une tornade dans ta maison, Mathias. Quoi? Il y a une tornade dans ta maison? Ou alors c'est toi qui a mis ton micro dans ton nez? Le micro, c'est pas dans le nez, il y a eu une énorme tornade, on dirait, chez toi. Et c'est mon ventilo? Ah d'accord, d'accord, il a dû souffler dans ton micro alors. Bref, allez. Attends. Oh vache! Oh vache! Hey, ventilo, c'est pas pour rien quoi, le maître du masque, c'est pas pour rien. Allez, la petite d'air, ensuite Glur, du coup tu pourras me rejoindre. Tu resteras là encore pour les trois derniers matchs avec Glur pour commenter, ou du coup tu pars pour aérer la chambre un peu? Si vous me laissez juste faire une pause, de quoi juste me rafraîchir un peu, pourquoi pas? Bah du coup, peut-être je ferai le premier match avec Glur et puis tu viens pour les deux derniers si tu veux. Oui d'accord, c'est vraiment genre tu me tèches comme ça. Non quoi, mais vraiment... je peux pas laisser de moment de blanc sur un live, hein. Je suis là vraiment pour animer le live et pour que les gens passent un bon moment. D'ailleurs si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à sub à la chaîne. En parlant d'animer... D'ailleurs, mouda 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 mouda. Oh, Pyramithra, pour la petite d'air. Waouh. Et t'as vu en japonais c'est quoi? En japonais. En vrai japonais. My friend, my en vrai japonais. En vrai japonais. Pas en japonais, en vrai japonais. En vrai japonais, pas en japonais loïkien. C'est quoi alors les prénoms? C'est Mouda 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 Mouda. Mais non. Eh, c'est le hibou qui a dans le premier Hyrule Warriors pour se téléporter et tout. C'est aussi dans Majora's Mask, effectivement. Ta-ta-da-da. Oh, regarde la tête de la lune. C'est toi quand tu vois que je joue NES, ça. Oh là. Et c'est toi quand il y a Ninja là. C'est moi quand il y a Ninja là dans Arms. Oh là là, c'est incroyable. Et du coup, est-ce que tu connais les noms japonais de Pyra et Mithra? Non, je connais pas. Je connais peu Xenoblade, vraiment très peu. Un peu plus le 1 que le 2. Pyra, c'est Omura, Romura avec Omura. Un H. Ah, okay. Et Shikari, ce qui veut dire lumière au final. Ouais. Mithra, logique. Okay. Bah, logique. Logique, quoi. Logique. Une logique implacable. Allez, est-ce que vraiment on s'ambiance sur toi qui n'as pas de musique et sur moi qui ai la musique beaucoup trop fort? Certainement. Ah, j'ai fait trop tard. Ouais. On a remarqué. Mouda 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 mouda, il a fait. Speedy Gonzalez, c'est un anime japonais, je me trompe. Ouais, j'ai un gros doute que Speedy Gonzalez soit vraiment japonais, hein. Moi, on m'appelle Speedy Gonzalez parce que je suis très rapide. Genre... Comme dans Hunter Hunter, quoi. Non, non. On m'appelle Speedy Gonzalez parce que je suis très rapide, genre je cours vite et tout. Ouais, bah tu vas à Pau, quoi. Le train pour Pau. Personne n'aura cette ref, mais elle est incroyable. En vrai, il y a quand même des gens qui pourraient avoir cette ref, s'il y a des gens plus vieux dans le chat. Ah oui, ils sont vieux, tes viewers, mec. Bah ça dépend, il y a des gens qui ont plus de 20 ans. Ouais. Après moi un truc qui me rend triste par rapport aux personnages qu'ils ont mis, c'est qu'ils avaient des tenues, tu vois, genre Pyra et Mithra, genre des maillots de bain et tout, et ils les ont pas mis. Alors que dans Samus, ils l'ont mis, ouais c'est vrai. Mais bon, ouais, voilà. En alors, vrai en tant plus, mieux, c'est genre, bien sûr, mais c'est tant mieux. Je sais pas si t'as vu leur costume, mais en vrai ils sont super bien et c'est pas...
c'est pareil que leur tenue principale au final, j'ai envie de te dire, mais... Bah en vrai, c'est de la censure logique finalement, pour exporter à l'Occident et tout. Ouais, la censure logique. Bref, vas-y, du coup, tu peux rester dans l'arène. Est-ce que du coup, tu penses que tu peux rejoindre Gleur? Est-ce que tu penses pouvoir rejoindre? Vas-y, à tout de suite. Est-ce que, vas-y, bah Gleur, c'est ton moment pour le petit BO3 avant de finir le live. Ça va être sympa contre un petit viewer comme ça. Enfin, contre un petit viewer, contre Gleur, quoi. Est-ce que tu penses pouvoir rejoindre ou pas? Parce que vu que c'est une arène seulement entre amis, je pense pas que tu puisses rejoindre. Il va falloir que je crée une autre arène, je pense. Changer la musique, file d'attente. Ouais, non, à mon avis, tu pourras pas rejoindre. Il faut que je crée une arène spéciale. Alors, créer une arène. Tout niveau, et voilà, ami uniquement. Donc là, je mets en public. Un format duel. Et du coup, avec code d'accès. Suite. Le code d'accès, lequel va-t-il être? Ah, le nom de l'arène d'abord. Allez, pour faire plaisir. Le code, ça va être... lequel va-t-il être? 1, 2... Non, allez, non, j'en ai un mieux. 10-987. Comme la date de mort de Dalida. 1987. Comment faire retenir des dates subtilement à ses followers, quoi? Ça fait plaisir. 1987, vas-y, Gleur, c'est ton moment. Je vais sortir mon main NES, hein, évidemment. La 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 la. Et d'ailleurs, donc du coup, ouais, comme je l'ai promis, dans quelques semaines, j'ouvrirai un tournoi multi-jeu avec du Splatoon, du Mario Kart, du Smash Bros. Faut me laisser l'organiser. À mon avis, ce sera pas tout de suite, quand même. Mais promis, ça viendra. Ah, et Glure, oh, c'est trop mignon avec le Toad. Oh là là, trop mignon. T'es la même que sur Discord, t'as aussi un Toad comme ça. Il est mignon, le Toad. J'ai peur de me faire écrabouiller, en fait, parce que dans le sens où, tu sais, t'es plus jeune que moi, donc t'as peut-être moins d'expérience sur Smash que moi. Et du coup, ça se trouve, en fait, je vais me faire fumer complètement. Là, du coup, je vais peut-être profiter du fait d'être en live. Ah bah, tu vas pouvoir voir la rediff. On a changé d'arène, parce que ça ne marchait pas. Ah ouais. Tu peux rejoindre mon arène quand même, si tu veux voir le prochain match. Donc j'ai peur de me faire démonter par Ness. J'étais resté dedans et j'aurais bien aimé que tu m'attendes vu que je viens d'arriver au moment où vous avez appuyé sur OK. Pas grave. Il y a un mot de passe ? Ouais, il y a un mot de passe 1987, date de mort de Dalida. C'est pour faire retenir subtilement mes abonnés des dates qui ne leur serviront peut-être jamais à rien. C'est sûr, mec. Je me concentre un peu plus que quand je suis avec Blue FR là, du coup, pour essayer de voir. Ah ouais, allez, super bien. Ouais. Bon, bah j'ai gagné le premier match, je crois. Bon bah deuxième match, let's go. Allez, let's go deuxième. Peut-être qu'il va me dire genre bah let's go, viens voir quoi. Ou un truc comme ça. Bon allez, j'accepte qu'on rematch ce match là. Les aléas, bon. C'est vrai que t'as laissé les aléas du stage, alors go reset. C'est pas pour toi un blue qui la reset, c'est à cause des aléas de stage. Ah oui, d'accord, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi, mec, hein. C'est pas parce qu'on est sympa et tout. C'est juste qu'en fait, on avait pas les conditions qu'on voulait. C'est exactement ça. Yes, allez. Colors Wiz. C'est parti. Let's go. Je vais remettre, hop, mon micro. Alors, ça mange le micro ou quoi? Jean-Michel mange micro. Oh. Oh. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Qui mange son micro. Tu commences toujours par un spam de micro. Ouais, non. Hey, come on, England! Waouh, ça y est, bah, je me fais démonter par Gleur. Allez. Bon, bah, je crois que je suis mort. Hein. Ah. Wow. Ça change des combats d'avant, effectivement. Non, ça change pas parce que je vais gagner quand même. Je le sais. C'est pour ça que tu fais deux fois les mêmes attaques dans le vide. Bah, je vais gagner. Bah, non. Regarde, get ça. Get le talent, comme on appelle ça. Certains appellent ça le talent, moi j'appelle ça jouer comme le maître du masque, quoi. Pekafir. Il l'a fait. Mais non, il l'a pas fait. Oh. Tu ne mourras pas, Glurz. Bon, tu m'as eu en fait, d'accord. Bien joué à toi. Tu sais, parce que mais pourquoi je suis nul comme ça? En plus, t'as fait un O comme le poisson. Lol, c'est drôle ça. Le poisson.
J'ai un poisson. Bah oui. Moi j'ai une carotte. Ouais. Allez, pas 3 stocks. Et d'ailleurs, anecdote sur cette vidéo, pourquoi est-ce qu'il lui fait, pourquoi il fait manger une carotte à un poisson? Bon, certainement pour le cuisiner. C'est pour montrer la puissance de la mâchoire du poisson. Ouais. Ok, c'est génial. Et tout le monde se dit, mais pourquoi il donne une carotte à un poisson qui est en train de décéder? Ah, c'est génial. Enfin, la puissance d'une mâchoire, bon. La réaction du poisson, oh. J'ai l'impression que Glur, il spam, quoi. On dirait moi. Est-ce que je spammerai pas comme un cancer contre mes followers? Est-ce que ce serait pas le moment, quoi? Oh non. Oh, j'allais spam. Mais ça sera mieux, un meilleur match-up. Quoi? Le héros. Ouais. GG à toi, Glur. T'es bon. Ok, bon, mon S ne fait pas le poids, même si ça fait longtemps que je l'ai plus touché, que j'ai très rarement joué avec lui ces derniers temps. Sauf une fois au chalet. Bah non, ça fait trop longtemps que je l'ai plus joué, le Ness. Ensuite, bah allez, le héros, parce qu'on me l'a dit. Oh. Ah, il joue Persona 5. Ah, alors c'est Dragon Quest contre Persona 5. Allez. Purple Joker, bah le Joker de base, il est plus joli, quoi. Mais bon, y a pas de soucis, y a pas de panneau. Heureusement, il y a Thanos, quoi. Qu'en penses-tu du gameplay de Glur? Il est bon, hein, quand même. N'oublions pas que ce shot, j'allais dire, mais ce live est sponsorisé alors par le Kamikaze, mais aussi par Royal Canin. Ok, j'ai déjà infligé plus de dégâts qu'au match d'avant, ça fait plaisir. Bah oui, mais t'es mort une fois, quoi, déjà. C'est vrai. Oh, j'aurais pensé que t'aurais sauté, tu vois. Ah, des gens qui jouent à Iron Warrior. Mais c'est génial ici en fait. C'est tes amis? Ah non, t'en as pas. Allez, c'est déjà un peu mieux qu'au match d'avant. Allez. C'est déjà largement mieux qu'au match d'avant finalement. Il a juste mis le bouclier sans bouger, c'est incroyable. Bon, c'est bien. C'est qu'il il anticipe bien. Il est pas mauvais du tout, Glur. Hein. Oh, belle animation. Arsène! Comment il va, Arsène Lupin? N'oublie pas que son contre est aussi un réflexe. Ouais, je sais. Ça tue pas, ouais, non, ça tue pas. Par contre, son Joker, il est nerveux. Ah, bah, c'est le gameplay de Joker, quoi. Ok. C'est la remontada du côté du maître. Pas tellement une remontada, c'est juste. J'ai repos son esquive, quoi. Une purple Joker, d'apparemment, ouais, ok. Oh, pas mal. Je pensais que tu te le serais pas pris. Allez, il tente le back air. Le back air très bon pour empêcher de revenir à l'adversaire. Il a plus de points de mana. Très lente mon attaque, mais qui passe quand même. Ça fait toujours plaisir. Je pense pas que le premier secours était le plus optimisé à faire là maintenant, mais bon. Surtout que là, du coup, je suis à très haut pourcent. Oh, quoique, peut-être le premier secours vient de me sauver la vie, finalement. À mon avis, je pense que je serais mort si j'avais haut pourcent. C'est un peu son but, hein, au final, mais bon. Ouais. Et ça finit sur l'âme de feu, joli. Oh. Joli, joli. Tu vois, faut jouer le héros. Mais le héros, je sais qu'objectivement, même s'il y a de la RNG, je joue, je pense mieux que Ness, parce que je l'ai énormément spammé, le héros, ah, alors que Ness, je joue moins en ce moment. Tu pourras jouer partout, sauf en Australie. Il a été débanni, il me semble, de l'Australie. Clap, merci beaucoup. Après, peut-être que tu joues moins bien Joker que Falcon, peut-être que mon match-up il était mieux, je sais pas. Et du coup, la petite der, bah du coup, c'est la dernière qui va me permettre de savoir qui est le meilleur d'entre nous, peut-être. Bon, après, c'est qu'un BO3, mais. Du coup, j'ai joué Joker. J'ai pas joué Joker, non, j'ai joué Ness et Hero. Pour la der, y a Steve que je joue bien et Ganondorf. Tu me dirais de jouer qui, toi, Blue? Ça dépend ce qu'il a en face. Allez, bon, vu que c'est la dernière, je prends un perso mauvais comme ça. Si je gagne, ou au moins si je fais un truc pas trop mal avec, vous pourrez me dire que c'est un mauvais perso. Ok. Je suis un sac à combo, il a largement l'avantage sur moi. C'est un des meilleurs persos pour battre Ganondorf, à mon avis, Joker. 3, 2, 1, Cloud banni en tournoi à cause du 2v2.
Bah, banni de tournoi à cause du 2v2, mais personne joue en 2v2. Donc c'est quel type de tournoi où on joue en 2v2? Bah, les tournois 2v2. Ouais, d'accord, ok. Logique. Là, j'ai... Est vraiment très lent mon perso, c'est normal, c'est la base du perso. Il vient de sauver la ville, je crois. Ouais, oui. Est-ce que je vais réussir à lui mettre au moins un coup? Peut-être. Allez. Voilà. Quand, au moins quand il met des coups, par contre, il met des gros coups, quoi. Il en profite. C'est des roucoul. Des roucoul. Oh, voilà, voilà. Ah, excusez-moi. Eh, par contre, c'est incroyable, quoi, Ganondorf. Il se fait démonter et pourtant il arrive à mettre autant de pourcents qu'à l'adversaire. Bah du coup est-ce qu'il sera aussi puissant dans le prochain Zelda Breath of the Wild? Il sera même certainement plus puissant. Oui, Zelda au premier round. Round, let's go. Il faut que j'attende que Arsène il dégage un peu. Arsène? Comment il va Arsène? Attention au contre, ouais. C'est vraiment Chi qui parle, d'ailleurs j'ai appris que... Ah oui, non, c'est lui qui disait ça, ok. Claro peut faire des combos infinis, ben il me semble le combo Mario Luigi aussi peut faire des combos infinis, ou alors peut-être ça a été ban, mais dans Melee c'était le cas. Ah oui d'accord, le jeu qui date du début des années 2000. Bah quoi, Melee il a encore énormément joué, hein, ah oui. Ouais, non mais c'est genre, ça fait bizarre, c'est comme si tu disais, ouais il me semble que dans les, c'est genre un vieux truc et tout. Un vieux truc, genre un truc qui a 24 ans, genre Mario 64, c'est un truc tout vieux, genre 24 ans quoi. Non mais ça passe 24 ans. Non, mais alors que 25, c'est ça? Ah, je t'ai tendu la perche, hein. Après s'il y a quelqu'un qui regarde la rediffusion, non. je peux pas te dire non. Si jamais une personne serait énervée, mais bon, ça non. Oh, Gleur! Gleur qui nous fait des combos incroyables, là. Le changement de sujet incroyable. Allez. Dommage. C'est pas grave, j'ai mis au moins quelques petits dégâts. Oh, Gleur qui ose T-Bag, alors que le match n'est pas encore fini. Est-ce que ça va être un reverse grâce au T-Bag? Comme un Nidland, hein, là, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Ce serait beau que j'arrive à reverse sur son T-Bag. Bah, vas-y, joue mieux. Joue mieux, comme dirait Gleur, quoi. Non, ça marche pas, ça c'est le coup à pas placer. Ouais, je sais. Et pourtant, il peut totalement passer parce que ça peut shield poke. Ouf. Ouais, je place quand même beaucoup de boucliers et d'esquives. Bon, pour le reverse, ça me semble un peu chaud. Oh, bien! Ça c'est un beau combo par contre, je m'y attendais pas. Bien joué, Gleur. Tu mérites la victoire. Ouais. Bon ben voilà, merci beaucoup, ben j'espère du coup Gleur que tu viendras dans les petits tournois que j'organiserai dans quelques semaines sur Smash Ultimate. Merci à tous d'avoir été là pour le live, félicitations hein, Gleur, vraiment, premier degré, j'ai gagné qu'un seul match, tu m'as démonté GG. Sinon. Avec Gleur qui veut encore continuer. Allez, un dernier avec... je reprends mon NES un coup, peut-être. On peut retenter NES Falcon à la rigueur si tu veux bien. Comme ça je peux voir si je peux t'enlever plus qu'une stock, si c'est parce que j'étais pas chaud, que j'avais passé tout l'après-midi contre Blue, et que du coup j'étais plus habitué à son gameplay qu'au tien. Si à la rigueur tu veux prendre ton Captain Falcon, ça m'arrange. Qu'est-ce que tu insinues par là du coup? Bah que quand tu joues tout l'après-midi contre une personne, t'es habitué à ses erreurs ou à ses facilités ou par exemple au fait qu'il y ait des trucs qu'il fasse en plus et tout. Et là du coup, bah avec Gleur c'est différent. Ouais. Non bah, quoi. C'est bien de commencer par les erreurs, mais bon, ok, d'accord. Mais non. Mais oh, c'est pas méchant, là, tout de suite. Allez, dernier. Et du coup, bah. Et finalement, on aura fait quand même une viewer battle alors que c'était pas prévu quoi. Après c'est pas vraiment une viewer battle, c'est Gleur quoi. Et après du coup il y a quelqu'un qui arrive et dit la prochaine fois c'est moi. Ouais bah la prochaine fois ce sera le cas hein, parce que à mon avis la prochaine fois que je refais du Smash ce sera pas tout de suite et du coup je pense que j'aurai préparé les tournois. Commence pas mal ce petit match là. Ça sera du arms ou un truc comme ça non? Ouais bah je pense, on peut se tenter la prochaine fois de se faire un petit arms ensemble. Et là je t'ai fait chier pendant un an pour que tu joues à arms et maintenant c'est toi qui viens m'embêter pour jouer à arms, c'est trop cool ça, c'est trop bien. Ah non mais juste pour une fois, parce que oui, même bah, parce oui. Que sur les lives tu l'as jamais fait. Ah oui, c'est bonne ambiance et tout, c'est cool. Mais bon après, faut juste espérer que ce soit un jour où il fait pas trop chaud parce que c'est... Ouais oui, alors là oui, bah non, ça c'est sûr qu'on le fera pas un jour d'apocalypse. Oh punaise. Allez, concentre-toi. Joue mieux. Alors moi j'ai un conseil sur ton gameplay, joue mieux. Allez Gleur, joue mieux. Ok, Gleur joue mieux.
feras gaffe, Gleur, je te demande de mieux jouer. Parce que sinon, la prochaine fois, tu viens plus en live avec moi, quoi. Pompe 3 stocks, sinon tu peux plus jamais venir en live avec moi. Ah, dommage, bon bah. Le pire mec. Ah, mais Gleur, comment ça... Hey, Gleur, je croyais que t'aimais pas l'heure. Comment ça se fait que tu mets plus de messages sur ma chaîne Twitch là pendant nos matchs? Tu sais que je vais te ban hein, si tu l'heures, que Gleur. Bah, mais vas-y, mets un message dans le chat. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es horrible avec tes viewers? Allez Gleur, fais des blagues dans le chat, c'est le moment là. Un truc que je viens de penser, mais du coup, ouais. Vu que tu veux tester la série Persona. Bien joué. Pourquoi tu t'essaierais pas de jouer à Fire Emblem, enfin hashtag Fire Emblem, je sais pas quoi là. Warriors. Non, mais le ah, Fire Emblem... Ah, FE encore là, voilà. Avec les idoles. Non, ça ira. Bref, merci beaucoup Gleur. Ah Gleur, je peux plus. Je devais déjà mettre fin en live après les matchs avec Blue et là du coup bah on a fait 4 petits matchs. Mais tu sais que par contre ça me fait plaisir de jouer contre toi. Du coup la prochaine fois j'espère qu'on se refera quelques petits matchs. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Gleur. Pareil pour Blue, ça faisait un mois que je t'avais plus entendu. Ça fait plaisir de te réentendre, de te revoir. J'espère que maintenant tu viendras un peu plus souvent. Genre demain sur le tournoi de Ponce tu penses être là à 14h, 15h Demain j'ai la journée complète occupée. Oui c'est vrai, c'est ce que tu m'avais dit que demain t'étais occupé mais qu'ensuite tu seras plus dispo, c'est ça? Si je comprends. Bah ouais, il y a 2-3 jours aussi, mais bon là c'est fin, c'est-à-dire qu'en fait je peux pas le dire en live donc. Ouais ok, non mais c'est pas grave, bah de toute façon je mets fin en live et puis on peut parler encore un peu tous les deux hors live. Donc merci à tous d'avoir été là, ça fait plaisir. J'ai adoré découvrir le DLC Hyrule Warriors avec vous, ce soir je vais spammer le jeu, je vais poncer le jeu. Je vais poncer la Switch d'ailleurs. Et merci à tous d'avoir été là. Et ben bisous à tous. Et puis n'hésitez pas à follow la chaîne quoi. Et GG, merci encore du coup BlueFR et RedFR. Ah il m'a appelé RedFR, merci Gleur. Allez, bisous, salut.